Thank you.
cuisson. C'est le jour J. Ça fait un an que j'ai préparé ce live. Ça fait même plus d'un an qu'on a, parce que je ne suis pas tout seul pour ce live. Il y a plein de gens qui vont venir, il y a plein de gens qui m'ont aidé pour ce projet. Aujourd'hui, les amis, c'est l'ouverture de mon serveur Minecraft. Mais je vous ai pas dit, je vous ai gardé la surprise. Regardez-moi ce magnifique décor créé spécialement pour l'occasion. Les gars, je suis fier, je suis dans le jeu. Ce n'est pas de la 3D, c'est du vrai. Tout a été créé sur mesure. Et comment dire, je vais vous demander directement, dès le début du live, notez-moi sur 10 ce décor. Et je suis trop fier du décor, j'ai l'impression vraiment d'être dans Minecraft. Yo tout le chat, yo tout le monde, tous ceux qui sont déjà là sur le live, merci infiniment. Vous êtes les boss pour le soutien. Je vais vous donner plein d'infos sur mon serveur Minecraft. Ça va être lourd, je reprends sur cette caméra, je pense, je vais reprendre sur cette caméra. Mais en tout cas, je suis très satisfait du décor. Et aujourd'hui, on va parler, on va jouer, ça va être lourd. Les amis, OneCube, c'est quoi? Pour ceux qui viennent d'arriver, c'est l'ouverture de mon serveur Minecraft. Vous savez, j'ai commencé YouTube, j'ai commencé les vidéos sur Minecraft. Et au Z-Event, je vous avais promis que j'allais créer un serveur Minecraft. Et c'est le jour J, mais il sort pas aujourd'hui. Vous allez me dire, non, petit cap, non, il sort demain, vous inquiétez pas. Il y a l'IP juste en dessous qui va se passer pendant tout le long du live. Il y aura l'IP du serveur demain, dans la journée. Soyez à l'affût, le serveur sortira. Mais ce soir, c'est vraiment une soirée d'inauguration pour passer un bon moment, pour découvrir tous les modes de jeu et spécificités qu'il y aura sur le serveur. Je compte sur vous pour être présent tout le live. J'aurai des invités de fou qui viendront m'accompagner pour ce live. Ça va geeker sur Minecraft, le bon jeu de l'époque. Tous ceux qui sont là, tous les Minecraftiens, gros dédicace à vous, cœur sur vous, j'espère que vous allez kiffer la soirée. Je suis trop content, regardez le cube, il est là, c'est l'emblème du serveur. Comment ça marche? Pour tous ceux qui veulent plus d'infos, il y a tous les liens dans la description, la chaîne YouTube de OneCube, où il y a une chaîne, où il y a une vidéo qui est sortie, où vous pourrez voir toutes les spécificités du serveur. Il y a le OneCube.com, le site où vous pouvez aller faire un tour. Il y a toutes les infos, vous inquiétez pas, je vais vous dire tout le long du live. 10 sur 10, il n'y a que des 10 sur 10 dans le chat sur la déco du live, ça fait trop plaisir. Je suis trop content les gars, le live, c'est incroyable où je suis. Je me suis mis en costard rien que pour l'occasion, ça va être trop lourd. Donc l'IP, c'est OneCube.com, ça sortira demain pour tout ça. Toutes les questions, je pense qu'il y en aura pas mal. Je vais tout répondre pendant tout le live. Mais avant tout, je vais vous présenter les invités qui seront là ce soir avec moi. Les gars, je suis stressé, je vais vous dire honnêtement. Comment dire, c'est du charbon, c'est un an de travail avec toute une équipe pour en arriver là, c'est le jour J et comment vous dire, j'ai des frissons parce que vous me connaissez, Minecraft c'est mon jeu d'enfance et aujourd'hui faire un serveur, c'est vrai qu'en France il n'y a plus beaucoup de serveurs et la communauté Minecraft en attendait un, j'ai l'impression. Maintenant, je compte sur vous pour être indulgent parce que bien sûr c'est une bêta, le serveur qui va sortir c'est pas le serveur définitif, il y aura plein de nouveautés toutes les semaines, je vous promets une mise à jour, voilà comme ça c'est dit, je vous vois arriver, soyez indulgents, c'est le début, la première semaine ça sera surtout des réglages de bugs parce qu'il y aura possiblement pas mal de gens sur le serveur, mais vous allez me demander Inox, comment on rentre, comment ça va se passer, les amis, c'est là, c'est le petit problème peut-être ou peut-être que non. Le premier jour pour pouvoir voir un peu les gens qui se connectent, s'il y a beaucoup de gens ou pas, il y aura beaucoup moins de slots que dans le futur. Le but, c'est de monter les slots petit à petit. Donc, plus il y a de gens qui viennent sur le serveur, plus j'augmenterai les slots. Mais ça va être compliqué de se connecter demain ou cette semaine. Bon, demain, il y aura... Mon but, c'est que demain, on arrive à 3000 slots. Ça veut dire que mon but, c'est que demain, vous puissiez 3000 sur le serveur. Mais il y aura des grades sur la boutique à 5 euros, à partir de 5 euros les amis. Si vous mettez 5 euros, vous pourrez vous connecter à n'importe quel moment, vous aurez plein d'avantages. Ça, faudra aller voir sur la boutique de OneCube. Je vais pas vous saouler avec tout ça, mais en tout cas, ça sera un peu le topo parce que je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui se connectent. Ça va être le bordel, donc j'ai envie de commencer petit à petit. Si je vois que ça bombarde et que vous êtes vraiment beaucoup à vouloir vous connecter, toute la semaine, j'augmenterai les slots jusqu'à je sais pas combien. Le but, c'est que vous soyez le plus nombreux possible et j'espère que vous kifferez le projet. Mais encore une fois, soyez indulgents, il y aura plusieurs modes de jeu qui ouvriront au fur et à mesure de l'année, hein, parce que à la sortie, je vais pas tout mettre d'un coup. Hey, on garde les petites cartes, les gars, c'est les cartes de l'ancien, faut les garder de côté. Donc j'ai tout de côté, on a déjà toutes les mises à jour qui vont arriver au fur et à mesure des semaines, des mois, donc vous inquiétez pas. Et pour tous ceux qui veulent plus d'infos sur le serveur, sur les prochaines mises à jour, sur tout ça, il y a une vidéo qui est sortie maintenant sur la chaîne de OneCube, n'hésitez pas à aller voir, je vous dis tout dedans. Maintenant, je vais arrêter mon speech, de toute façon, si vous avez des questions, vous me demandez dans les commentaires, je serai là pour vous répondre toute la soirée. Mais franchement, je suis content de ce décor, les gars, bravo à toutes les équipes qui ont taffé sur ce décor dans le chat, n'hésitez pas à dire, parce que franchement là, pour une soirée d'inauguration, c'est un truc de baiser mental. Mais bon, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, il va falloir qu'on commence au live. Je vais appeler le premier invité, celui avec qui j'ai commencé YouTube.
On a déjà joué à Minecraft tous les deux et voilà, j'ai commencé YouTube avec lui. Aujourd'hui, je faisais des lives dans ma chambre sur un ordi avec une webcam pourrie. Aujourd'hui, il y a 15 mecs qui sont en train de me filmer, il y a une déco de fou et j'ai commencé avec lui, donc j'ai été obligé de l'inviter ce soir. Je veux un maximum de bruit dans le chat pour mon ref sur Michou qui vient nous rejoindre pour la soirée. Oh le beau gosse, le beau gosse, ça va. Oh là, mec, le décor, frérot, c'est de la folie. Le décor est incroyable. Frérot, tu sais que j'ai le traquemarre là, je pense, frérot. J'ai trop hâte de voir le cerveau. Non mais gros, je suis trop fier de toi, les gars. Sachez que moi j'ai vu le charbon. Ça veut dire, quand j'étais encore en Webedia, je voyais Inox tous les soirs, il faisait des rendez-vous et tout pour le serveur. Je dois être stressé. Eh, par contre, merci. Merci de m'avoir rappelé. Gros, là-bas, on est dans une pièce avec tous les invités. Ouais, je sais pas c'est qui. Il y en a, il arrête pas de se lâcher, frérot. Ah ouais, merci de m'avoir invité. Ok, bon, je l'ai sauvé, les gars. En tout cas, Michou, merci d'être venu parce que c'est un gros projet pour moi et tu t'es rendu disponible, donc ça fait plaisir. C'est normal. Et pour tous ceux dans le chat qui disent 3000, c'est pas beaucoup, vous inquiétez pas. Si ça arrive à se connecter, il y a pas de bug, j'augmenterai les slots parce que 3000, il y en a, ils disent c'est pas beaucoup. Ouais. Mais moi, je me rends pas compte. Tu sais que moi, je trouve ça un peu stylé dans le sens où les gens, ils vont être en mode, ils vont galérer à se connecter et quand tu vas être connecté sur le serveur, tu vas être content, tu voudrais rester. Je suis sur le serveur. Mais vous inquiétez pas, j'augmenterai les slots toute la semaine. Moi, mon but, je vous le dis maintenant, il y en a qui peuvent se dire, ouais, Inox, tu vas faire un serveur Minecraft, ça va durer une semaine. Bah, le but, c'est pas que ça dure une semaine. C'est un vrai projet que je vais développer sur le long terme et tout. Et maintenant, gros, encore une fois, gros, je peux pas tout faire tout seul. Mec, est-ce que c'est pas quand même un de tes rêves, mec, un de tes objectifs de vie? C'est un de mes objectifs, frérot. Gros, un serveur Minecraft, c'est le tien. Il y en a, pour certains, ils se disent, ouais, c'est quoi, c'est peut-être pas ouf, ils se rendent pas compte du taf. Ouais. Mais en vrai, moi, j'ai voulu faire un serveur de qualité où les gens ils vont kiffer. Maintenant, moi, mon objectif, c'est que le serveur, il aille à l'international. Moi, je dis ça, maintenant. C'est sincère. Gros, moi, je dis maintenant, les gars, le serveur, mon objectif, c'est qu'il aille à l'international. On va voir iPixel. On va les voir en face, frérot. Moi, c'est mon objectif. C'est ce soir. Voilà, je dis, et les gars, on a besoin de vous. On a besoin de vous. Encouragez-le, il a besoin de vous. Donc, et vous pouvez le faire. Ouais, non, mais ils peuvent le faire. Mais bien sûr, ils après, vont le faire. Il y aura toujours des gens qui seront pas contents sur certains points parce que la communauté. Mais en vrai, si je dis pas de bêtises, un serveur Minecraft, c'est un jeu. Dans Minecraft. Mais c'est un jeu, en ouais, vrai. C'est un jeu, il y a plein de mini-jeux. C'est un peu ça. Bah ouais. Après, le but, c'est dans un an avoir un launcher, pouvoir créer d'autres jeux. Là non, les gars, vous inquiétez pas. Il est déjà rodé. Je prends ça avec des pincettes. Je vais vous faire un truc aux petits oignons. Juste, j'ai besoin de votre soutien. VG un peu, Inox, quand même. T'aimes bien? Très bien. En plus, j'ai remarqué, t'as mis un 3 pièces. Eh, on est cordat aujourd'hui. Parce que d'habitude, eh, j'avoue. On est cordat. Mais parce que. Ah non, j'allais peut-être spoil. Ah, quoi? On est l'équipe rose. On est en équipe. On peut mettre l'affichage de notre équipe avec Michou quand même parce que faut le montrer. Oh. Équipe rose, frérot. Ah mais on est vraiment équipe rose. Oui, on est vraiment équipe rose. Bah, ah non, il y a pas d'effet. Ah si, regarde, équipe rose, frérot. Oh, on est trop cordat. C'est incroyable. Bon, en tout cas, les gars, vous inquiétez pas. Pendant toute la soirée, je vais vous raconter un peu toutes les trucs du serveur, toutes les spécificités, tout ce qui va arriver. Je vais pas vous. Ça se voit, t'as trop de trucs à dire. J'ai trop de trucs à dire en fait. Et je les vois arriver, la commu, je vois. Et mais non, les gars, je vais tout répondre. Il y a tout le live. Les gars, il y a tout le live. Et merci à ceux qui réagissent sur Twitter. C'est trop d'art. Ouais, c'est trop bien. Attends, les gars, tous ceux qui réagissent. Je vais mettre tout de suite un tweet. Vas-y, comme ça, tweet. Je vais passer sur le live. Les gars, faut mettre le hashtag OneCube. Voilà, et comme ça, vous passez sur le live. Voilà. Énervé. J'ai trop hâte de l'arc Minecraft. Ah là là, les gars. OneCube en tendance. Les souvenirs, OneCube en tendance. En tout cas, merci, le chat. On va accueillir. Michou, je te propose de t'installer. Vas-y, je m'installe. Nous, on est ici. Magnifique. Donc les gars, c'est pas de la 3D, le décor c'est du vrai, hein. Regarde. Mec, le ça décor, c'est... Non, mais c'est incroyable. Exceptionnel. Les amis, on va accueillir sans plus tarder le deuxième invité. Celui aussi qui m'a inspiré dans ma jeunesse, pas sur Minecraft, mais dans les lives, etc. Je vais appeler Gotaga, le boss, à venir nous rejoindre. Oh là là, le crack. Oh le crack. Oh là là. Eh, hey, t'as mis le petit outfit. Ouais, un petit peu. Un petit ah, peu, t'es un venu petit en mode beau gosse quand même. Putain, Jordan Suprême. Gota, est-ce que t'es chaud pour ce soir? Pas du tout. Pas du tout. Okay. Non, je suis hype par le serveur. Hier, je lui ai dit, ouais, viens jouer. Il m'a dit, non, merci. Voilà. Ah. Et, ça fait 4 fois qu'il le dit déjà. Il le dit à tout le monde ici. Non, mais il y avait Warzone, les gars. Hier, je devais m'entraîner un petit peu. J'imagine ma commu. Justement, t'as dit que ça m'a inspiré à l'époque. Si là, actuellement, il y a Minecraft et en même temps, il y a Warzone et je joue t'es pas. Obligé, t'es obligé de jouer. Les gens, ils vont m'insulter. Je t'en veux pas. Mais j'espère que tu vas kiffer le serveur ce soir. Toi, t'as jamais joué sur un serveur? J'ai joué à quelques serveurs, j'ai eu ma période. Okay, j'ai eu ma période Minecraft. Donc mais avant, t'étais là, non? Quand on se battait Bedwars, tout ça, non, t'es pas venu? Voilà. Non, c'était. Mais là, ce soir, on va faire un petit Bedwars. Ah ouais? On va faire un petit Bedwars. Ok. Mais voilà, bah mon petit Gota, je te propose de t'installer. Vas-y. Tranquille, et j'espère que tu vas kiffer. Bah, je pense que je vais kiffer. Bah, après, je vais pas trop kiffer parce qu'il y a Étoile le Tryharder. C'est vrai, il y a Étoile. Je le tire toute la soirée. En parlant d'Étoile le Tryharder,
Les gars, on va accueillir Étoile sans plus tarder. Étoile, viens nous rejoindre pour cette soirée Minecraft. Un ancien. C'est un ancien. Le tryharder. Le tryharder. Il a ramené 3 souris. Il est venu en casquette. Il m'a dit: Inox, je peux ramener ma souris, je peux ramener mon clavier. Étoile, fais-nous ton discours d'arrivée. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que... Je suis surexcité. C'est toute ma jeunesse. J'ai commencé Internet en jouant à Minecraft de ouf. J'ai commencé en jouant à 1.8. Oh là là, des trucs comme ça. Donc j'avoue que je suis trop content. Merci beaucoup pour l'invite. Mais pas de soucis, ça fait extrêmement plaisir. On a la même nostalgie. En fait, je comprends. Exactement, c'est quand on discutait, on avait les mêmes feelings, les mêmes, le même bonheur, le même plaisir. Donc j'espère que tout le monde a passé une très bonne soirée. Des frissons. Ah mais moi je t'ai dit là tout à l'heure, je me suis branché, j'ai vu le hub, je me suis souvenu de trop de trucs. Ah ouais, ça va être trop bien. Ah oui, il y a des petites rêves sur mon hub les gars. Mais avant de vous montrer le hub, avant de commencer à rentrer dans le serveur, et toi, je te propose de t'installer. On va directement inviter le crack, si je vous donne un indice. Voiture, GP, c'est la dernière dinguerie qu'il nous a fait. Ah, c'est moi, l'indice de fou, hein. C'est plus un indice. Mais on va accueillir Squeezie, le boss qui vient ce soir pour ma soirée. Quel plaisir. Oh là là. Quel plaisir d'être là. Quel boss, frérot. Ça va, frérot? T'étais tout juste. Y'a rien eu, y'a... Non, frérot, tu peux pas me faire ça. Pas après tout pas ça, ce soir, non. Pas maintenant. Le check ce soir. Les gars, que c'était ma phobie en arrivant. Ah ouais. Bah voilà. Je me suis dit si on loupe le check. Non, ça va, c'était tranquille. Non, en vrai, Squeezie, tu viens de sortir ton truc Bleach, t'étais dans le jus là. J'étais dans le jeu en arrivant, j'ai eu quelques soucis, mais je suis content d'être là, les gars. Putain, maintenant, c'est sorti, donc là, je suis prêt à me faire démolir par T'as déjà joué sur un serveur ou pas du tout? Bien sûr. Ok, donc ça va alors. Ouais, je connais. Eh, vous me donnerez votre avis à la fin, mais honnête, ok? Ok. Je compte sur vous. Sur le serveur? Ouais. Ok. Je compte sur vous. Non, mais honnêtement, j'ai jamais joué, mais il est incroyable. Ok. ça se voit que c'est honnête. Non, par les amis, Étoile, tu te sens pas seul là? Je suis totalement seul. Totalement seul. J'ai mon âme qui est en train d'être connectée à la personne qui va arriver. Et la personne qui va arriver, les amis, c'est le plus gros tryharder de Minecraft depuis 2 jours et demi, qui tombe dans la lave, qui pue, on va le dire, hein, qui est éclaté au jeu, mais qui a fait le plaisir de venir ce soir pour le live. Kamel qui va sûrement tryhard ce soir. Ça fait plaisir, mon frère. Bah, c'est lui qui pue au jeu. Ça fait plaisir de vous avoir tous dans le studio. Est-ce que t'es chaud, Kamel? Frère, franchement, tu m'as bien accueilli. Lui t'as inspiré. T'as grandi avec lui. Ouais. Et moi, je pue la merde. Bah, non, mais fallait sortir du lot. Non, en vrai, Kamel, j'espère que tu vas kiffer. Non, je vais On a déjà fait les petites sessions test. Ouais. On s'est un peu entraîné. Donc maintenant, c'est à nous de jouer. Hein. Je te laisse t'installer. Et vas-y, c'est parti. Merci. Les gars, je pense qu'il y a la team de tout le monde. Il y a toutes les communautés sur le live. Les gars, dites-moi dans les commentaires, vous êtes pour quelle team ce soir? Est-ce qu'on peut faire un sondage? On va voir un peu quelle est la team favorite. Parce Comment on va s'affronter. Kameto et Étoile. Contre moi et Michou. Contre Squeezie Gotha. Vous êtes chauds, vous deux? Votez pas pour nous, les gars. Nous, ouais, on vraiment, votez pas. On fait juste acte de présence. Ça commence. Non, pas de tryhard. Ça s'arrête là. Attends, on va voir votre team préférée. On va voir ça actualise quoi là. Non. Putain, vous êtes 100 000 sur le live, merci. Wow. Merci beaucoup, ça fait trop plaisir. Oh là là, quel plaisir. Merci à tous. Les gars, vous allez tous être sur le hub d'ici quelques instants. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est le hub? Les amis, le serveur, bien sûr, c'est un endroit pour accueillir tout le monde qui veut jouer à Minecraft. Vous pourrez tous rejoindre. Mais vous rejoindrez tous sur un hub. Et ça, ce hub-là, on y a travaillé pas mal, on a fait des petites refs. J'espère que ça va vous plaire. Il y a une équipe entière qui a taffé sur ce lobby. C'est là où la plupart du temps, vous nous verrez, nous connecter, vous verrez entre potes, vous connecter. Je vais vous mettre la vidéo de création du hub. J'espère que ça va vous plaire. Dites-moi dans les commentaires si ça vous hype. C'est parti. Lancement, vidéo, présentation du hub. C'est maintenant. Après, l'intitulé, elle va se lancer. Thank you.
à droite. Oh lololo. Et là, hey, là qui vous a plu. C'était stylé. Moi, j'en prends plus, moi. Les gars, je suis trop content. Je tiens à remercier la team Visual Game pour m'avoir fait tout ce hub. Bravo Visual Game. Vous êtes des boss. Merci. Bravo, Visual Game. Un max de bravo dans le chat de Visual Game. Michou qui vient de mettre un tweet. Ah ouais, c'est ah ouais, il vient de passer. N'hésitez pas à réagir avec le hashtag OneCube, les gars. Ah les gars, ça je suis passé plaisir. Sur le live. Et, et j'ai l'impression que vous avez kiffé le hub dans le chat. Donc merci à eux. Il y a leur Twitter dans la description, tout ça. Et sur le Twitter de OneCube, il y a la vidéo pour ceux qui veulent la revoir. Sur ce, maintenant, cesse de blablater. Les merci. Amis, on va devoir s'affronter ce soir. La team Squeezy Gota contre moi, Michou, contre Étoile et Kamel. On va commencer avec un premier mini-jeu. Déjà, venez, on va sur le hub. J'ai envie de montrer un peu, si vous voulez, on se balade. Nous, on a envie de balader déjà. Vous êtes tous, venez, on se balade un peu sur le hub. Les gars, rassurez-moi, personne n'a ramené sa souris à lui ce soir. Si, si. Non, les gars, personne. Si, moi, j'ai nous, et Étoile, alors je le dis. Les gars, Étoile, on a ramené deux carrément, au cas où. Quoi? Non, mais. Moi, j'ai ramené la mienne, moi. Mais lui, non, mais lui, ça trop en tryharder, Étoile. Étoile, t'as pas le droit de nous tryhard. Après, Inox, t'as fait la même. Ouais, j'ai fait la même. Non, mais moi je peux pas tryhard. Vous aussi, vous avez le matériel de seconde zone. Allez, pas de moi. Pourquoi les ordis sont 60 FPS? J'ai réussi. j'ai négocié un autre clavier. Oh, bâtard, il a un grand clavier. Ouais, il a un grand clavier. Parce qu'il joue avec Lost de la soirée. Ah ouais, il y a que des privilégiés. Désolé. Inox, ce soir, je vais être sourire aux lèvres, détendu, heureux. Ok, c'est bon. Mais ça se voit, Étoile, t'es comme un enfant là. Je suis trop heureux. C'est trop marrant. Mais c'est aussi lui, c'est comme si c'est notre enfance. C'est comme si c'est mon petit neveu. C'est mon enfance. Je vous jure qu'à la caméra, Étoile et Kameto sont vraiment dans le jeu. Mais oui, c'est incroyable. Ah, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai que là, ils sont dans le jeu. On s'enchante là. Là, il y a des bibliothèques et tout. Bah les gars, le décor est insane d'ailleurs. Je te donne mon épée. Incroyable. Ouais, c'est vrai que le décor, je tiens à féliciter les équipes. C'est insane. C'est une dinguerie le décor. Putain, je suis. Ce que je vais te faire dans la game. Oh, Kameto, je vais te tuer. La vie de merde, t'es mort. Mais déjà. T'as mal parlé. Déjà, venez, regardez le hub. C'est un peu l'endroit où ici. Moi, je suis avec Star Squeezie et Star Étoile. Attends, vous êtes où? Venez, on se rejoint. En fait, jamais Star, c'est un peu notre. Star, c'est un peu notre grade. Ah, c'est notre grade. C'est la région qu'on est VIP. On est des VIP sur le serveur. On est VIP sur le serveur. Oui, vous êtes VIP. Plus. Alors que toi, t'es seulement owner. Moi, je suis owner. Il est juste owner. Non, c'est bien. Regardez ce qu'on peut faire quand on est owner. Merde, Ben, comment on fait déjà? T'es accroupi, moi, c'est toi. Wow, hey, merde, je me suis wow. Il s'est téléporté. Merde, je me suis tepé, attends. Il a disparu le comment, t'as spoil là. Oh, là hein gris, t'as spoil là. Ouais, j'ai spoil un truc, je suis bloqué. Les gars, il y a Inox, on voit pas ta. Les gars, il y a Kamel. J'ai un problème. Les gars, il y a Kamel. Il y a Kamel, il est bloqué dans le serveur. Non, mais non, mais les gars. Attends, fais slash hub. Un peu de. Sale bâtard. Et toi, tu veux trop niquer la soirée. Ah ouais, c'est sûr. Attends, en vrai, on va être des bons testeurs, frérot. Ouais, ça va être lourd. Alors, venez, je vous montre un peu. Venez, on se rejoint tous et vous me suivez, je vous montre un peu comment ça marche. Venez, Otaga TV. Venez, l'équipe. Ok, parfait. Suivez-moi. Parce que le premier jeu qu'on va faire, ça sera PP Swap. Donc, venez, suivez-moi. Ok. On va aller devant. Si vous avez la flemme, vous allez sur votre boussole et vous appuyez sur PEP Swap, sur la canne à pêche. Mais non, on veut voir la map. On veut marcher, ici, on veut découvrir. Il y a trois modes. Donc pour l'instant, on clique sur rien. Vous cliquez sur un PNJ pour pouvoir être téléporté. Okay. Donc regardez, derrière, ils ont fait une petite déco de l'explication du jeu. Bon, vous comprendrez une fois que vous aurez. Non, c'est cool. C'est temps, c'était arrêté là à l'intérieur. C'est vraiment magnifique. C'est l'impression qu'on a tous ce soir. Il y aura une team gagnante. Donc, tryhardez pas trop le but. Attends, Étoile et Kamel, tryhardez pas. On gagne bien pour quel enjeu. Il y a celui qui gagne, il peut prendre un truc dans le décor. Oh, c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. L'écran, genre l'écran derrière. Toujours dans la vue. La caméra là qui nous pas mal. Ah ouais, bah là c'est rentable de fou d'être venu. Bah les gars, c'est parti. PEP Swap. Vous connaissez peut-être pas. Alors attends, je me mets devant pour ceux qui veulent pour que j'explique les règles. Le chat, vous connaissez peut-être pas PEP Swap. Je connais pas, j'aimerais des explications. Tu veux des explications? Ouais. Y a pas de souci, y en a qui connaissent Minecraft, qui connaissent déjà, mais Squeezie ne connaît pas. Donc, on va lui mettre la vidéo explicative du PEP Swap. C'est parti, let's go. C'est incroyable. Wow. En PVP Swap, tu apparais dans une arène. Au début, pas de panique, personne ne peut se taper. Profites-en pour t'équiper en ouvrant les coffres que tu trouves. Certains d'entre eux sont plus rares que d'autres. Il faudrait être le premier à les récupérer. À l'intérieur, tu y trouveras ton bonheur. Épée, armure, nourriture, mais aussi d'incroyables gadgets pour t'envoler, te téléporter ou exploser tes adversaires. Bien utilisés, ils retourneront l'issue des combats. Mais prends garde au swap. Cette mécanique s'active périodiquement et téléporte aléatoirement tous les joueurs sur d'autres arènes. Et là, c'est la bagarre. Trouve les adversaires sur ton arène et massacre-les. La dernière équipe en vie gagne la partie.
on s'équipe juste et après on se barre. Voilà, c'est ça. Bon, ok. Voilà, j'espère que vous avez compris les règles, tout le monde. Ah ouais. Ok, je pense que moi, c'est compris. T'as compris ce que j'ai compris. Il y a des coffres, je me loot, ensuite je vois étoile, il me one shot et on passe. Voilà, étoile, il va tryhard, il va prendre la canapé direct. Oh que oui. C'est sûr. Héros, dans le chat, j'espère que en tout cas, le PVP swap, c'est un jeu. Mais attends, on va pas se battre. Du coup, on va en PVP swap duo. PVP swap duo. Mais attendez un petit peu. Ouais, c'est lourd. Et est-ce que t'as ajouté des trucs par rapport au mode que les gens connaissent ou là c'est le mode normal? Non, on a changé des règles. Bah, du coup, les gadgets, ça change. La façon de looter pour avoir des gadgets, c'est aléatoire. Moi, j'ai vu un truc qui a l'air très stylé. Est-ce que c'est dans d'autres serveurs les murs? Je crois pas. Mec, ah ouais. C'est le style et les mortiers. C'est toi qui as le mortier, ça y a ailleurs l'espèce. Non, le airstrike, ouais. Non, je crois pas, normal. Ah là là. En fait, c'est important de préciser. Ouais, ouais. C'est qu'à revisiter des modes. On a essayé de revisiter le PVP. Ouais, ça qui est cool. C'est ça. Donc, pour ceux qui connaissent le PVP soir. Les maps sont. Et la map aussi, elle est nouvelle. Non, mais les maps sont. La map aussi, ouais. Il y a plein de maps qu'on va tester. Oui, c'est vrai. Les amis, tout, c'est des maps faites par les builders. Il y aura tout dans la description pour tous ceux qui veulent. Tout, c'est sur mesure. Les modes de jeu, c'est pareil. Et bonne nouvelle, il y a le site OneTube. OneTube.com. N'hésitez pas à aller voir. Un forum. Tous ceux qui veulent, jeune, tu sais. S'il y a des bugs ou quoi, vous pourrez faire des reports sur le forum. Mais vous pourrez aussi, si jamais il y a des gadgets que vous avez envie d'intégrer au jeu, vous pourrez créer des articles en mode ouais, Nox, crée ce gadget-là et nous on le développera. Ah, trop bien, en mode retour de la communauté, voilà. Toi, tu l'intègres. Donc c'est vous la commu qui choisira l'évolution de chaque jeu. Là, c'est encore une fois, c'est une bêta du serveur, c'est-à-dire tout le temps en développement. Toutes les semaines, il y a une mise à jour, comme je vous l'ai dit. Et je compte sur vous, sur le Discord, sur le forum, pour venir donner vos idées et améliorer le serveur. Voilà, voilà. Les maps sont exceptionnelles. Les maps sont exceptionnelles. Oh. J'espère que vous allez kiffer. Il y a des refs sur toutes les maps, des refs que vous connaisserez peut-être de One Piece ou quoi. Mais la première map qu'on va faire, je crois que c'est la pirate. Donc c'est parti. On va dans la première map pirate. Magnifique. Tout le monde en duo. Frérot, t'as pas chaud? On doit... J'ai un peu chaud. Mais je suis trop bien là, les gars. Moi, mon rêve, c'est qu'à la fin du live, tu fasses tomber la veste. Frérot, je vais faire tomber la veste. Alors, je suis trop heureux. Je suis trop heureux, les gars. Ce soir, c'est mon serveur Minecraft, putain. Kamel, il faut choisir la couleur. Alors, de l'équipe, Kamel. Alors, pour le chat, bleu, le son, bleu, tout va bien. Les amis, est-ce que tout est carré? N'hésitez pas à réagir au live avec le hashtag OneCube. Ça fait toujours plaisir. Merci à tous ceux qui sont là sur le live, qui mettent un pouce bleu, qui s'abonnent. Vous êtes des boss. C'est des ouf le chat. Ok, alors les gars, vous êtes prêts? On va tous sur PVP swap. On est prêts. Ok, mais pourquoi il y a plein de monde? Alors, ah oui, je l'ai pas dit. Les amis, il y aura des gens qui seront avec nous pour remplir les games. Sinon, si on joue qu'à 6, c'est pas drôle. Ok. Normalement, le PVP swap, ça joue à 20 sur 20. Donc, vous allez voir. Ils peuvent être cool et. Ils vont être cool. C'est pas des tryharders. Je veux dire. Focus pouce étoile. Focus pouce étoile. Mais pas moi. Par exemple, ils peuvent être sans pitié quand il y a étoile, mais un peu de pitié quand il y a d'autres gars. Alors, attention les gars, le premier swap, on peut pas skill. Donc, le but, aller vraiment chercher les coffres du milieu ou d'autres coffres. Ah, ok. Pas se tuer. Donc, là, faut être juste être rapide quoi. Là, faut être rapide. Ça dure combien de temps? Juste stuff quoi. Ouais, faut se stuff. Ça dure combien de temps le premier swap? 2 minutes. Chaque swap, c'est 2 minutes, mais au bout du deuxième, ça peut se tuer. Donc, faites attention. Faut cliquer sur quoi pour que ça se mette direct dans ton inventaire? Shift. Waouh, comment il fait l'acteur alors? Shift. Non, je suis sûr que je savais pas. On focus étoile. Alors, choisissez une équipe, les gars, pour qu'on soit tous ensemble. Toi, t'es où, toi? Équipe rose. Je suis équipe rose. Rose. Ah là 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 là, le chat, j'espère que vous allez kiffer cette soirée. J'espère. À votre avis, qui va gagner la soirée là? Bah, moi, on n'arrête pas étoile. De le dire, frérot. Étoile. Mais attends, mais dans les... Étoile tout seul. Non, mais voilà ça qui... Alors, ça dit étoile, mais il y a étoile et Kamel. Écoutez, les gars, j'ai déjà joué avec Kamel, c'est un Slayer. Il sait se battre. C'est un Slayer. Ah ouais, voilà. Merci. C'est un Slayer. Mais en plus, moi, je l'ai vu. Hein. Je l'ai vu s'entraîner. Ah, vas-y, continue. Il a les mecs. Mais comment, non, vous comment vous êtes sur la map, vous? On a cliqué sur duo. Ah, mais c'est bon. Ouais, ouais, en fait. Bon, alors, les gars, c'est la première map. On va faire 2 games. Là, c'est en duo. Et après, on sera tous solo, donc faudra marquer des points. Oh pour mon dieu. Ok les gars, vous êtes prêts? Il est la map. Ah merde, je peux pas jouer sans toi Lucas. Ah non, mais... Est-ce que vous êtes prêts? Quand vous êtes prêts, on je est prêts. On est prêts. La game va se lancer. Oh là là. Alors là vous pouvez le voir les gars, il y a tous les gadgets qui défilent. Squeezie, Gota, Kamel, Michou et tout. Il y a tout là. Tous les gadgets défilent, vous pouvez voir ce que vous pouvez utiliser. Ah c'est stylé. Au spawn. Ah gadget. Ah ok. Voilà, tout défile. Vous pouvez tester tous les gadgets. En gros, on doit échanger l'émeraude contre le marchand qui nous donne un item au hasard. Voilà. Okay. Et si vous voulez des gadgets, parce que normalement, quand tu tues quelqu'un ou quoi, il peut avoir des gadgets sur lui, ou sinon dans des coffres, il y a des gadgets. Mais si t'en veux, tu lootes de l'émeraude et 3 émeraudes, tu peux l'échanger contre un villageois et avoir un gadget aléatoire. Oh, je savais pas. Voilà, oh, ça va commencer. Ça va commencer. C'est parti. Michou, rush le mid. Je suis tombé dans l'eau. Je prends le coffre. Ouais. Oh, je suis tombé dans l'eau. Faut monter. On est nul déjà. Juste aller au mid, on peut Frérot, pas. J'arrive pas à monter au mid là. Mais merde, super lent. Faut écraser les trucs.
Il faut déjà ce stuff ou on aura pas pété les trucs. Non, t'auras le temps de ce stuff. Le middle, c'est tout en haut celui-là ? Ouais, c'est tout en haut le middle, faut aller. Oh, le stuff fait plaisir. Je crois qu'il a déjà pris. Attends, je vais voir Michi, j'ai rien du tout. Oh là là, stuff diamant. Les gars, au mid, c'est les meilleurs codes. Diamant. Et ils s'actualisent toutes les games. Mais c'est où le mid ? Je suis monté tout en haut, moi. Le mid, c'est au mid. Kamel, t'es où là ? Parce que j'ai du stuff pour toi, mon frère. Je suis monté tout en haut. Du stuff pour il m'a menti, il y a rien en haut. Mais si, il y a deux coffres, frérot. Moi j'ai ouvert deux coffres déjà, hein. Je suis bien. Mais putain, mais je suis trop nul moi. Oh non, ils ont déjà été faits ceux que je j'ai du stuff pour toi, j'ai du stuff. Moi je suis allé au mid. J'ai du stuff pour toi mon petit frérot. Ouais, je suis Et si t'as des bottes? Oh là là, je suis une fraude les gars. Il y a les dégâts de chute ou pas? Ouais, mais tu peux les tu peux manger de la bouffe et ça te remet ta vie. Eh hey, Enoch, j'ai une question. Il y a des easter eggs un peu dans le cœur. Ouais, il y a des easter eggs, il y a une histoire autour du cube. Ah ouais. Attends, mais Kamel, t'as pas de stuff, frère? Mais je suis allé tout en haut. Ah ouais, tu chill là. Mais les diamants, faut les prendre ou pas au cas où pour échanger? Non, faut pas les prendre, surtout pas. Surtout pas. T'es mis, j'étais bien. Comment ça, surtout pas? Je vais pas choper deux coffres, mais je suis pas monstrueux quoi. Okay, t'es vous êtes des gamins, aidez-nous les vétérans. Non mais tu dois prendre. J'ai eu un mur Maria là, frérot. Putain, je suis monté pour rien, je suis dégoûté. Eh hey, les gars, vous pouvez loot le diamant avec votre pioche au middle. Hein. Vous pouvez faire du stuff avec le diamant qu'il y a. Putain. C'est à savoir. On va se battre là. Okay, c'est parti, là ça se tape. Michou, prends ça, prends ça. Kamel, prends ça. Attends, prends ça. Mec, je sais pas quoi. Prends ça. Prends ce gadget. Ouah, mais attends, mais Inox. Oh, Inox, t'es un monstre. Vas-y, prends tout. Place. C'est quoi ça? Là, on va se fight contre une team, faut les c'est tuer. C'est un casque? Bot d'enchantement, lance 3 sables sur la non, des bottes non, non, non. C'est quoi ça? Non, c'est un gadget, frérot. Okay. Ah ouais? Ça, tu l'actives, ça te met invisible. Et tu peux taper le mec. J'ai que dans la direction. Pendant 5 secondes. Moi j'ai un gadget, regarde. Si j'appuie, je me téléporte. Prends ça, arrête. Ouais, je me téléporte. Ok, t'es prêt, on va se taper? L'arc, c'est une dinguerie. Oui, l'arc, c'est un fly. Vas-y, je suis chaud. Ton arc, il est surpuissant. Prends ça, Kamel. Attends, t'as de la bouffe? Ouais, tiens. En fait, j'ai perdu trop. Non, mais j'en ai moi. Alors, s'il y a une équipe, Kamel, on les fout droit. Vas-y, viens, Mich. Ok, vas-y, je suis là, Inox. Vas-y, viens. T'as repris le coffre? On rush le coffre. Ah non, j'ai. À l'attaque! Est-ce que les micros tout marche ça, le chat? Prends ça, mon ref. Est-ce que tout est agréable ou ça parle de tous les sens? Dites-moi. Oh, tiens, mais attends, Kamel, c'est une dinguerie. Kamel, prends ça. On essaie d'aller choper. Oh, t'es trop. Il y a des mecs, là. Mich, arrête. J'ai peut-être un truc qui est pas ça. Ah ouais, c'est vrai. C'est quoi? Viens, je veux mon pantalon diamant. Vas-y, mon gars, vas-y, mon gars. J'ai un arc. Farm, hein. Ouais, j'ai des trucs. Utilise-le bien, t'as que 4 utilisations. T'as du diamant ou pas? Aïe. On m'a envoyé des poulets. Ouais, c'est un gadget. Viens. Mais attends, mais c'est super. Ça fait super. Ah non, ça fait pas de dégâts. On va chercher d'autres coffres là. Ouais, y a un mec. Il y a des coffres dans l'arène PVP. Oh, j'ai une canne à pêche. Ouais, il y a des coffres. Hein. Oh, y a, en face, il y a Gotha. Tu peux encore loot. T'es où? Tu t'es barré de l'autre côté? Qu'est-ce qu'il y a? A plus les bros. Oh, yes. Les gars. Quoi? Putain, on voulait trop se battre, dommage. Mais attends, mais ils sont où là, les ennemis? Merde, j'ai tué un marchand. Mon Craig Pro, y'a quoi? Viens, non, ils viennent pas. Attends, Inox, je vais te donner des trucs de ouf. J'ai une pomme en or. Stuff, toi bien. Tiens. Tiens, mec, prends ça. Okay. Prends ça, la charte. T'es où? T'es là? Attends, ouais, juste je suis en train de stuff là. Okay. On est pas mal, mec. Ok, vas-y. Moi, je suis monté. Je pense que là, je suis là. J'ai un pouc. Et là, faut qu'on se batte, frérot. Attends, je vais m'enchanter. 3 gemmes, il fait un truc. Là, je m'enchante là. 3 gemmes? Ouais. J'en ai une, moi. Je suis vraiment bien. Frérot, t'es prêt à voir un truc jusqu'à ce qu'il est? Ah, les gars, il y en a qui se. Y a un mec en face. Oh, bâtard. On le fight ou pas, Kamel? Eh, reste bien, moi. Ah, attends, 2 secondes. Y a un mec juste au-dessus de toi, Kamel. T'es où, Mich? Je suis là. Attends, je me fais sharpness 2. Y a personne là. Tu veux que j'aille? Attends, j'ai mis des dégâts, mais j'ai une pomme dorée en fait. Et il a chaud, frère. Je sais pas quoi faire. Les deux sont là. Alors, les stars là, vous êtes. Juste au-dessus de moi? Nous, on est en train de. Je peux fight? Vous êtes tous les vieilles. J'ai mis des bons dégâts. Viens, Kamel, je te les ramène. J'ai mis une pomme dorée. Viens, on va se battre. Qu'est-ce qui bug le chat? Dites-moi. Mais il nous entend. Vas-y, je tente de l'1v2. Là. Vous m'entendez, les gars? Il est très long. Vas-y, toi. Vas-y. Il est mort. Bien joué. Viens, mais là il est au mid. GG. Mets-toi de la vie. Attends. Prends leur stuff. Trop fort le crame. Je mange. Ok, on TP. Okay, moi, je suis bien. Attends, j'ai ça. C'est pour le TP là. Ouais. Allez, go. Tout le monde est encore en vie. Lucas, on va direct. Attends, pousse-toi. Il y a 7 égouts. Mais attends, mais c'est trop bien le. Il y a des coffres, il y a deux coffres. Vas-y, prends loot. Alors attends. Vas-y, crame. Tu veux quoi comme stuff? Moi, franchement, je suis bien là. Ok.
Oh, mais je jette oh, j'ai un grappin. Prends ça. Il y a un bas diamant, Oh, comment ça tryhard les gars, calmons. Bah, on se régale. Non, mais c'est une dinguerie. Ah, comment ça tryhard. Depuis tout à l'heure, j'essaye de leur parler, personne m'écoute. Eh gros, ça tryhard de baiser. Ah, merci, merci. Oh. Je suis derrière toi. Kamel. Oh les facto. Oh ils ont un flame. Ok c'est bon. Je me fais suivre. On le fume. Attends mais il fait mal. Ouais il fait mal, il a une grosse épée. Mais justement viens. Faut qu'on lui vole. Rush pas. Et il est tout seul non? Non il y a son pote je crois. Viens on va essayer le contourne. Ok il arrive. Vas-y. Ok j'avais pas vu. Vas-y je l'encercle. Il me PVP aise. On le fume. Il me aise. T'as de l'eau ou pas? Il est chaud. Oh, il est dans un coin. Il a 3 PV. Oh le chien. Je l'arc. Arc. Touché. Allez, mets-lui une balle. Putain, il régénère vite, non? Faut le fumer. Allez, Mich, allez. Faut qu'on l'encercle. Je passe à gauche. Ouais, passe à gauche. Il a plus de vie. Je le prends à gauche. Oh le bâtard. Te fais pas S, bitch. C'est bon, je l'ai. Let's go. Prends son épée, Inox. Vas-y, c'était quoi son épée? Non, c'est une épée en diam, ça va. Hein? Tu veux pas utiliser ça? Power 2, c'est pour l'arc. C'est des levels, ça n'a pas de level. Go. C'est la manche finale. Eh les gars, toutes les équipes sont encore là? Ouais. Non, on a tué une. C'est finale, les gars. Tiens, viens. Je suis là. Vas-y, prends. T'as quoi dedans? Instant damage. Prends ça. Ouais, mais c'est rien pour enchanter. Si, il y a une table d'enchantement. T'as pas une épée de diamant? Attends, reste avec moi, Inox. Tu les vois? Tiens. Ils sont en face. Go. Viens, Kamel. On les joue. Tu es. Attends, Lucas, reviens. Je suis là. Laisse-le se battre. J'aurais mis un stun damage. Laisse-le se battre. Je l'ai. Let's go, mon pote. Fais gaffe. Je le fume. Let's go, mon pote. Let's go. J'arrive. Je suis mort, Rayou. J'arrive sur mon pote GoTaga. J'ai gagné un maximum de temps pour toi, mon frère. Mon pote GoTaga. Allume-le. Pas de pitié. Mon pote GoTaga. Pas de pitié. I'm ready to play now. Put me in the game. Attends, fais-le. Attends, c'est le combat final. Tu peux rester appuyé sur l'espace, tu veux. People, stop. Pas de pitié. Mais. Oh. Qu'est-ce qu'il y a, GoTaga? T'arrives pas? Je crois qu'ils sont un bien. Go. Ok, il sait ce qu'il fait. Oh, Gotha! Et toi, va sur les pitchouns, va les en deux. Va là-bas, là. Ouais, mais tu viens de trahir, non? Mais comment tu m'as vu? Pas. Parce que t'as ton épée, Michou. Ah merde, mais je suis trop con. Mais étoile, c'est un tryharder. On le fume. Il a plus de vie. Allez. Il est pas bien. Allez, Inox. Touché encore. Oh, let's go. Tu l'as eu? Non. Ok, je chill. Il touche rien. Je suis détendu, frère. Ah, Inox, il met des blocs et tout. Il est détendu. Fais gaffe, Inox. Oh, y a Gotha qui arrive derrière toi. Faut que tu mettes. Mais t'es où? Il s'est battu pendant 30 minutes. Vas-y, Mich. Tente pas, frérot. Vas-y, Mich. Je vais mourir. J'ai plus de heal. On va l'avoir. Putain, mais j'ai plus de. Oui! Bien joué! Designer! C'est ça, combat! Oh là 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 là! Oh là là, comment t'es pas personne! Combien de kills?
On a fait 10 5 kills. Bien. 5 kills. GG, le dernier. Dernièrement, je t'ai campé là-bas. Ah, il a bien sem. Il a moi le sem. Mais est-ce que vous avez kiffé cette première game? Ouais, j'ai tué Kamel. Ouais, c'est bon. Moi, j'ai vu Étoile courir après Kota. Moi, j'ai tampon, moi. C'était incroyable. Est-ce que vous avez kiffé? Kota, il m'a vu. Il a couru. C'est trop bien avec les gadgets et tout. Mais le mode, c'est une dinguerie. Ouais, c'est trop bien. Avec le swap et tout. Est-ce que le chat, ce premier mode vous a plu? Là, on a fait de la duo, maintenant on va faire de la solo, ça sera chacun arrête pour soi. Non. Mais si tu gagnes, tu remportes des points pour ton équipe. Moi aussi, je perds mon mail. Donc après ça, on pourra faire le leaderboard des points. Merci à tous ceux qui sont sur le live. Encore une fois, ça fait plaisir. C'est pour l'ouverture de mon serveur Minecraft. N'hésitez pas à aller dans la description pour tous les renseignements. Non, réagissez avec le hashtag OneCube sur Twitter, ça s'affichera juste là. Et j'espère que vous allez kiffer, les gars. Demain, ouverture du serveur. Demain. J'espère que ça va vous plaire. Est-ce que vous, en tout cas, c'est trop ce premier mode de jeu, ça vous a plu? Vous avez tout compris? Ouais, franchement. Compris. C'est un... Ça perd. En fait, c'est un battle royale. Hein. De quoi? Non, mais nous, on est... Enfin, tu sais, tu te rappelles, normalement, on avait fait une alliance pour éliminer l'équipe adverse. Vous étiez, je sais pas où. Ouais, c'est vrai qu'on aurait... Alors, le mec qui... Moi, j'avais Étoile qui me courait dessus. J'étais venu derrière moi, frérot. À un moment, je me suis dit, vous êtes des campeurs. Ouais, je vais rejoindre la... Ouais, on est ensemble. On est ensemble. C'est de la stratégie, on s'équipe avant de partir au combat. Frérot, tu pars au combat à poil aussi. Non mais moi j'ai été très fier de Kamel. Kamel a été très fort. Frère, on a fait des kills, on s'est battu. Kamel, on s'est battu. Je l'ai pas vu de la game. On a fait 10 kills. Michou a fait 10 kills. J'avais 5 kills. Ouais, c'est vrai. Il a fait 5 kills. Putain, merci en tout cas. OK, Michou, c'est pas mal du tout. Tu vas voir. Dommage qu'il y avait d'autres gens. On fera un V1, tu vas voir. Que nous 6 ça aurait été un peu chiant, donc là j'espère en tout cas que ça vous plaît. Les amis, on enchaîne. Pareil, même mode de jeu sur une nouvelle map, c'est la map Cake. Non, mais dis pas, dans le chat, hein, on est seul. Non. Squeezie, on est seul. Ouais, là, ça va être dur. J'ai besoin d'un quota dans ma vie. Chacun pour sa peau. Attends, mais c'est le même mode. C'est le même mode. Même mode solo. Oh, bordel. Le même mode en solo, donc tout le monde rush étoile. Les gars, j'ai remarqué que ça tryhardait énormément pendant la game. J'ai essayé de parler un peu à tout le monde. Arrête, je réponds plus. Je me tenais que devant. Arrête, non, mais t'as répondu par politesse. Ouais, c'est vrai. Est-ce que le chat, vous avez la ref de cette magnifique map? Ouais, de ouf. On lance en solo du coup là, on clique sur le PNJ solo. Solo les amis, c'est la map Cake, c'est une map qui me tient à cœur parce que c'est ma préférée. Donc j'espère que... Mais moi pendant un moment j'étais invisible, Étoile il m'a quand même snipé, j'avais trop le seum. En fait mon ref, quand t'es invisible et que t'as l'épée dans la main, on voit ton épée. En fait du coup il faut faire gaffe. Je l'avais pas dit. Mais attends, pourquoi il y a des gens qui mettent slash cam étoile et tout? C'est le chat qui gère les cams? C'est insane. Mais non. Toi, t'es vraiment bête. Tu saurais, sinon, non? Je sais pas. Ah ouais? Genre, le chat, il spam les slash cam à d'autres personnes. Peut-être, ça se trouve, il pense que ça marche. Wall Cake Island, et oui, les gars, vous avez la ref. C'est la map de One Piece, les amis. J'espère que, en tout cas, félicitations à tous les builders, encore une fois. Et c'est parti, c'est de la solo. Est-ce que vous êtes prêts pour lancer? Attends, allez. Dans One Piece, il y a une map comme ça avec des gâteaux? Ouais. Ça s'appelle Wall Cake Island. Bah c'est parti les gars, on peut lancer la game. Ça va lancer, en tout cas j'espère que ça vous plaît. Putain, je suis trop content. Waouh, la ref à Kaido et le Mary sur le serveur, incroyable. Bah merci frérot pour ton tweet, merci à tous ceux qui tweetent. Ça aide vachement le serveur OneCube, donc moi, ça fait plaisir. Moi je veux voir OneCube en TT. Hein. OneCube en TT, ça serait incroyable. Merci les gars, ça fait trop plaisir, je suis tellement heureux là. Putain. Oh mais OneCube en TT. Oh, OneCube en TT. OneCube en TT frérot. Bravo le chat, c'est beau. OneCube en TT. Putain, les gars, il y a ma mère sur le live. Ah ouais? Bonjour. Il y a ma mère sur le live. C'est trop mignon comment tu l'as dit. Pourquoi tu l'as dit d'un coup? Tu l'as vu dans le chat? Parce que je parle jamais de ma mère et là elle est sur le live, ça me fait plaisir. Donc les gars, un maximum de cœur pour ma daronne. Que des cœurs. Bon, toujours. Hein. Cœur la que des cœurs pour la daronne. Attends, la map se lance ou quoi? Sans trans, tu peux lancer la game ou pas? Je pense que ça va lancer. Inox, il faut juste que t'améliores un truc en live, c'est... Tu fais tout le temps. Ouais, ça. C'est vrai que je renifle souvent. Après, c'en est un que tu connais et que t'aimes bien. Ah, on peut pas dire. Bah si, c'est bête. Oh yes. Il est super. Là, ça va trahir. Et en plus, il y a des invités, c'est ça qui est bon. Il y a des invités spéciaux. Du niveau d'étoile ou du niveau de... Du niveau de cacahuète vraiment nul, quoi. C'est des mecs qui connaissent Minecraft, mais qui sont bien nuls. Ah ouais. Ouais. Oh. Allez, c'est parti les gars, on enchaîne. Allez, let's go, c'est parti. Michou, rush le corps du mid. Ah oui, putain. Les gars, je vous conseille tout le temps. Non, on peut pas se tuer. Faut monter. Mais moi les gars, me stuffer tout seul, je vais être vraiment trop mauvais.
Après, une fois que t'auras le chemin pour les games, tu seras habitué. Mais les coffres du mid, les gars, c'est vachement cheaté. Il y a du stuff en diamant. Et pensez à loot. Oh, il y a un mec qui a pris tous les stuff en diamant. Pensez à loot les diamants en bas. En bas du middle, il y a des diamants par terre. Vous les lootez, vous pourrez vous faire du stuff. Moi, je suis très bien sur la map. Si je te vois, je t'en donne. Mais étoile, t'as besoin de rien. Ça a besoin de trucs, frère. Quand même, on en a ça. C'est dur, le top. Y'a rien, c'est vraiment nul au top. Franchement, y'a rien de spécial. De ouf, le top. Ah, les moi, bâtards. Je suis toi, j'y vais pas. Les bâtards, y'a quoi là-haut? Y'a rien, n'y allez pas, n'y allez, c'est claqué. Ok, je suis bien. Putain, c'est quoi ce stuff là? C'est plus que du diamant, c'est ça que j'ai là? Oh là là, les gars, c'est honteux, je vais mourir en deux. Oh les gars, ça me fait trop plaisir de jouer sur mon serveur. Ok, parfait. Mais attends, mais je suis bloqué là. J'ai pas trouvé le coffre du middle. Il manque un casque, c'est quelqu'un qui a un casque. Moi j'ai un casque. Quoi? J'ai la nausée, mais je vais mourir. Non, non, la nausée c'est le swap. Ok les gars, ça peut se tap, faites attention. Le deuxième swap c'est toujours le tap. Rusher le mid, tout le temps. Pour avoir les coffres. Non, comme ça t'as le stuff. Mais comment ça vous savez pas où est le mid? C'est tout le temps au même endroit normalement, non? Bah excuse-nous si toi t'as déjà spammé ta map. Attends, j'avoue toi tu connais les maps? Moi je connais les maps, bah oui les gars, j'ai putain. Vérifié quand même. Tricheur ouais. Le mec connaît sur sa map. Oh mon pote Kamel. Ok, j'ai balancé un bombardement. Je me bats contre Luffy. Eh wesh, c'est Aladdin. C'est quoi ça? Le frérot il est parti sur un tapis volant. Mais oui, c'est un gadget. Non, il y a des potions. Alors là, je sais pas si vous voyez mon écran, les amis. Ça montre pour le gadget selon où tu veux te téléporter. En fait, je sais pas si la régie elle est sur mon point de vue. Mais en fait, j'ai le swap, il me permet de me téléporter là où je veux sur le serveur. Donc ce petit cube, c'est l'endroit où je veux me TP. Si je le mets là-bas, ça me TP là-bas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En vrai, c'est ça la mécanique. Voilà, j'espère que ça vous plaît dans le chat. Mais... Voilà. Désolé les gars, j'explique. C'est vous les meilleurs, c'est vous les boss. Putain, vous êtes venus, je suis tellement heureux, vous êtes des cracks. En plus, ça se voit, c'est trop sincère. Mais oui, en fait, je prends trop de plaisir là. Pourquoi y'a des trous dans ta map? Ok. Ah, c'est toi, Gotha! Oh l'affrontement! J'ai encore la nausée! Moi, c'est au dernier swap que je me fight. Eh les gars, moi je vous dis, je repars dans le coup de Vienne. Ok. Voilà, j'annonce. Franchement, j'y crois pas. Kamel, il pousse tous les trucs. Putain! Oh, Kamel, il m'a pris encore! Viens là. Oh le bâtard. GG Kamel. Ok, GG Kamel. Putain, Michou, faut que tu gagnes des points là, faut qu'on gagne. Ah mais on est quand même en équipe en fait au fond. Ouais, on est quand même en équipe. Ah, mais je savais pas. Tu vas me tuer pendant que je te jure que non. Genre petit joueur. Kamel, t'as tellement de stuff, j'ai vraiment pas de stuff. Si je te vois, je te... Il va s'approcher. Il se passe quoi si on team up à la fin, mon ref? Non, c'est permis, les gars. Il y a un leaderboard, le but c'est d'avoir un max de points. Oh là, quelle map de ouf. Les gars, dans le chat, est-ce que la map vous plaît? On va faire un petit sondage, ça m'intéresse. Et spammer si ça vous plaît une note sur 10. Et en tout cas, moi, c'est une de mes maps préférées. Moi, ça me plaît. Oh oui. Kamel, il veut me faire. Oh les gars, y a un petit problème de stuff là. C'est quoi les poulets énervés que j'ai pris là? On est où là? C'est un spell ça? Ouais, c'est un spell. Ok, trop fort. Putain, je voulais m'enchanter. Les gars, de faire ça change rien quand vous faites slash cam dans le chat. Eh mais Inox, ton serveur est trop bien, je suis en train de m'étonner là sur le jeu. Tu kiffes? Gros, en fait je pensais que j'allais me faire tuer, mais j'ai des chances. Mais ça faisait la manche finale là ou pas? Non, c'est pas encore. La manche finale, y'a un gâteau géant, Squeezie. Tu verras, y'aura un gâteau géant.
Mais eh, faut à tout prix trouver du lapis-lazuli pour s'enchanter. Non, t'as pas besoin, ouais. Gotak a compris la strat, rush les coffres du mid. Comment tu sais, tu me regardes? Les coffres, ils changent à chaque fois. Il y a le mode spec, hein. Putain, je te vois, là. C'est qui t'a tué tout à l'heure? Ah ouais, j'ai un trou de mémoire. C'est qui t'a tué tout à l'heure? Ouais, trou de mémoire. Oh, il y a quelqu'un. Oh, attention, fight Gotha contre Nest. On va voir ce que ça donne. Gotha qui se fight. Oh là là, qui se fait rect. Bah alors, Gotha. Bah alors. Ok. Tu reprends l'avantage en point de vie. Ouais. Alors, Gotha, ça stresse? Let's go! Enchante, elles sont pas là, Gotha, elles sont dans les coins. Frérot, je gagne mes duels, je sais pas comment c'est possible. T'as fait des kills, Mich? Ouais! 3 kills, hein, c'est bien. Bon, après, c'est pas pour ça, hein, mais pour les tests, j'ai pris des mecs nuls. Ah! Ou je leur ai dit de pas tryhard. Ah! T'es un tricheur! Oh! Non! En plus, j'avais le truc pour me téléporter. Oh non! Sauf que j'ai pas réussi à le lancer. Il a pas calé. Pris. Pas de squeeze. Oh non! Allez! Jamais m'arrêter, frère. Pas de soucis. Pas de soucis. Pas de soucis. Oh non, le pervers narcissique. Pas de soucis, étoile. T'es dans le viseur, frérot. M'en fous, pas lu. C'est traître ce que t'as fait. Est-ce que le chat, le son de tout le monde, finale, là, les caméras... Non, pas encore. Est-ce que toute la qualité du live est bien, les gars? Rien ne vous dérange dans le chat, dites-moi. Bah, y'a Étoile qui me dérange un petit peu, je sais pas. What the fuck, oh. Non, mais toi, il est tryhard. Non, en vrai, je tryhard. Eh, Squeezie, est-ce que je tryhard? Non, mais le mode spec, c'est. Je dirais 9 sur 10. Ouais, je fais exprès d'être un spectateur pour regarder tous les coffres. T'es bien renseigné. Ah oui, bah c'est bien, ouais, tu découvres la map. Putain, le raccourci est bien renseigné. Squeezie. Il s'est accueilli. Oh, Squeezie. C'est quoi ça là qui vient de. Elle sait que Squeezie avait quelqu'un là. Mais elle est. Non, là, tu regardes, y'a quelqu'un. Mais frérot, moi je fight, j'ai peur de rien. Bah vas-y, fight. Dans la vie, fight. Y'a un poteau à nous. Oh. On me dit que Gotha. Là, a... il est là. On me dit que Gotha a regardé le stream. Qu'est-ce que tu fais, toi? Bouge de là, toi. Regardez où était. Bouge de là, toi. Je mets sur toi. T'es éclaté. T'es nul. T'es midlife. J'ai du stuff de fou, régale-toi. Non, je te jure, prends mon stuff, j'ai du stuff de fou. Mais regarde, je dois trier cette merde. Non, mais prends mon épée en diamant, tu vas te régaler. Elle est où? Depuis tout à l'heure, je suis en train de la. Est-ce que la régie, vous pouvez mettre les micros de tout le monde dans les. Non, je regardais pas. C'est possible. Je suis désolé, Kamel, frérot, mais. Je regardais pas. Je suis désolé. T'as une sharpness 3 au cas où. Hein. Normalement, le chat, la régie va vous mettre le son de tout le monde quand on fait des games en solo. Prends surtout l'épée. Ah, pas là. Mais je sais pas comment je fais pour prendre ce que je veux là. En fait, tu jettes ce qu'il y a par terre jusqu'à ce que tu la vois. T'as une Sharp 3, Kamel? Ouais, j'avais Sharp 3, j'avais P2 et tout. Avec Gotha, Étoile et The Chest. Il reste que les meilleurs en fait. Hein. Ouais. Comment ça marche le truc d'arrêt? Ah ouais, ton épée, elle est incroyable. Mais même mon armure et tout, régale-toi, je te jure que je te mets bien. Ça sert à quoi le truc d'Aladin, mon ref? Quand tu l'actives, tu peux marcher dans les airs. Mec, c'est trop stylé, j'ai vu un mec qui s'est enfui. Genre, si t'es dans la merde, enfuis. Non, y'a plus ton stuff! Gotha, active-le si t'es dans la merde. Ok, ma finale, les amis. C'est la map finale. Et il reste Gotha. Regardez-moi ce château géant. Et Étoile. Oh là là, Gotha, oh Squeezie, Étoile. Le château de Big Mom, les est-ce amis. Est-ce que vous allez tuer? Eh, Gotha, c'est ce qui va se passer. Oh non. Moi, j'ai un arc gros, j'ai jamais vu. Elle va pas être trop de tuer. C'est un livre, l'arbre. Ah, c'est un gadget aléatoire là que je vais avoir. Mec, t'as vu le gâteau géant, Mich? Théma de dehors. Incroyable. Il est énorme. Les amis, ça, c'est la map finale. Quand t'arrives au gâteau géant, c'est la map finale. Oh ouais. Frérot, c'est un gâteau de mariage, ça. Oh, c'est trop bien. Ah ouais. Ok, les gars. Bing, swiftness. Ah, mais tu l'as claqué, la Gotha. T'en ouais, as mais j'ai... Yeah. Non, j'essaie. Eh, comment on utilise le porte au loin? Porte-au-loin. Tu le jettes, c'est comme... C'est comme une... C'est quoi, Squeezie? Non, je veux savoir comment on utilise le porte au loin. C'est quoi? C'est l'Underpearl? Ouais. Oh, mon regarde, Gotha, prends-la dans ta main et vise des blocs au loin. Ça va te mettre un petit cube et ça veut dire que si tu cliques, ça te téléporte. On team-up ou pas, moi? Ouais, on team-up. T'es où? Attends, tu veux team-up? Oh, Gotha, t'es comme tape, ça. Tape-toi direct. Oh, un nice team-up, ça. Tape-toi direct. Oh! Là, il va courir. Oh, la trahison de Gotha. Attends, je teste juste mon arc. Il va courir. Non, tu peux tester mon arc? Non, je te jure, je veux pas le tester, frère. S'il te plaît, mon ref. Mais arrête, t'as tryhard déjà 2 heures tout à l'heure avant l'émission. Moi, ok, j'ai pas vu. Je sais pas où. Oh, le combat! Je suis au mid. Gotha, Étoile! Waouh! Ah ouais, non, mais il s'est fait attendre. Je suis au mid. Ok, Étoile, Squeezie. Juste, ça avait l'air un peu. Ah ouais, c'est le test, ouais. Allez, Squeezie. Il va vite. Mais il est où? Il est où? À droite. Pas de pitié, pas de pitié. Non, derrière. Étoile, il a 21 cœur. Pourquoi il a 22 cœurs? Parce qu'il a la pomme d'or. Oh, mon pote Squeeze! Oh oui, Squeezie! Étoile versus Squeezie! Oh, Squeezie, arc enflammé!
on peut. Vas-y Lucas, t'es le meilleur. Oh oui, oh, oh, les bons. Oh le play. Oh le play stratégique. Ok. Play stratégique. Ok. Mec, le mur, c'est incroyable. Ouais, c'est trop bien. Il est où le squeeze? Alors, oh merde. Oh non, le squeeze. Non, pas comme ça. Ok. Oh, oh, oh. L'affrontement. Oh. L'affrontement. Et toi, le tryharder. Non, je chill. Je chill. Oh, je chill. Oh, le ATP de Squeezie. Les mécaniques. Mais hey, en vrai, en compète, tu peux faire des trucs de fou. C'est incroyable. T'es bien là. Les gadgets, ça peut faire des plays de fou. Okay. Est-ce que tu après, les as un peu réfléchis pour que tu sois quand même okay. équilibré? Ouais, tout est équilibré quand même. Oh, GG. Il est trop dur à battre, les gars. Well played. Mais franchement, putain, étonnamment, c'est toi qui a gagné, quoi. Non, mais étonnamment, le tryharder. J'ai pas gagné la première game. Les gars, vraiment. Le combat était trop cool à suivre. Non, en vrai, c'était trop bien. J'ai fait n'importe quoi. J'ai juste utilisé chaque objet en faisant n'importe quoi. Faut pas qu'on saute. Honnêtement, moi, je vais être honnête. Ah, faut pas sauter. Non, faut pas sauter. Eh, tu veux pas dire avant le live, toi? Mais je te l'ai dit. Ah, ça te ferait du mal de le dire avant le live. Je l'ai dit. On mangeait un truc au bar. Un replay de toi qui le met. On mangeait un truc tout à l'heure au bar. Il y avait pas de replay. Et Gota, faut absolument que tu sautes en duel. J'étais en mode. Waouh. Oh, il ment, le gros. Non, ok vrai, les amis, ouais. Je vais vous demander de vous mettre la 5 verticale. Je sais pas c'est quoi étoile la 5 verticale. Les options. La régie me demande la 5 verticale. Okay. Oh, sur Minecraft, je sais pas. Je sais pas c'est quoi. Le chat, est-ce que ce premier mode vous a plu? Dites-moi dans le chat si ce premier mode vous a plu, si les gadgets vous ont plu, à savoir pour la sortie les gadgets sont de niveau 1. J'avais pas vu que j'étais loin, je peux. J'ai une vengeance. Pas de soucis, t'inquiète Kamel. T'inquiète. Non, juste pour vous dire les amis, les gadgets là, ils étaient tous au niveau max et plus tu joues au serveur, plus t'as des points que tu gagnes en game et tu peux améliorer tes gadgets. Wow. Donc là, les gadgets, c'est niveau max. Et donc, le mur niveau 1, il ferait moins de blocs. Bah, c'est donc, vrai que pareil. Par exemple, là, c'était une dinguerie. Attends. Là, c'était une dinguerie, ouais. Donc, par exemple, si je suis nul, mais que je joue beaucoup, je peux avoir des meilleurs gadgets. Voilà. Mec trop chaud. C'est ça. Mais c'est quand même équilibré pour pas que ça soit ultra cheat. Ouais, ok, d'accord. Donc, voilà. C'est donc, très lourd. Vous pourrez améliorer vos gadgets, les gars. À la sortie, normalement, tout va se faire. Donc, vous inquiétez pas. C'est stylé, en tout cas. Toutes les fonctionnalités, ouais, ça sera petit à petit au fur et à mesure des semaines. Donc, vous inquiétez pas. Encore une fois, si vous avez des idées, des nouveaux gadgets, des trucs en jeu que vous voulez changer, il y a un forum sur le site OneCube. N'hésitez pas à aller voir. Il y a tout dans la description. Vous pourrez créer un article et peut-être que des gens soutiendront votre article et ça sera mis dans le jeu. Voilà, le but, encore une fois, les gars, c'est un serveur communautaire. Il ouvre demain. Il n'y aura pas beaucoup de slots, faudra être chaud. Pour tous ceux qui veulent se connecter en avance, vous pourrez prendre un abonnement de 5 euros minimum pour pouvoir vous connecter, même si les slots sont pleins. Donc voilà, je pense que ça peut être le bordel, mais j'espère en tout cas que ça va vous plaire. Et au fur et à mesure du temps, j'essaierai d'augmenter les slots. Coucou de l'Australie, une dinguerie le serveur. Merci, ça fait plaisir. Mais maintenant, vous avez testé le PvP Swap. Est-ce qu'on peut avoir le leaderboard, la régie, pour voir qui est devant? Ah là là, le suspense. Il y a les points suspense. Attends, parce qu'on a gagné la première game quand même. Ah oui, le leaderboard général. Quoi, le leaderboard général. Attends, je sais pas si c'est le leaderboard général. Je pense que c'est le. Il y a un problème de leaderboard, la régie. Il y a un problème. Il y a un problème de leaderboard. Inox, t'as fait deuxième. Hein? Let's go, Inox. Ouais, je suis sûr, les gars, deuxième. J'ai du mal à y croire. Peut-être que le leaderboard. Je pense pas qu'il y ait un blème spécialement. On peut peut-être passer au jeu suivant. Ouais, on va passer au jeu suivant. La régie, c'est pas grave. Aucun blème. Ah non, le score est bon. Hein? Le score est bon. Mais il m'a lavé. Mais comment c'est possible? Non, sur les deux games, Mathieu. Attends, Maria, tu l'as enjambé quand même. Attends, pour venir. Comment on engendrait du score? Bah, faut faire top 1. Le premier, il gagne 2 points. Ah, y a pas de kill et tout? Non, les kills, ça donne pas de points. Ah, okay. Ah, et comme je suis un raton laveur qui se cache. Bah, Mathieu me dit, bah, au pire, on voit ça à la prochaine game. Alors, sur leaderboard. Non, mais parce que, soirée, rien, mine de rien, ce qu'il a fait, il a fait top 2 à la deuxième game. Et là. Mais lui, il a fait top 1 les deux. Non, c'est good au niveau des points, les gars. Il a fait top 2. Ok. Ouais, bah, ce qui paraît, c'est good. Mais pourquoi étoile, il a un point alors? Mais c'est impossible. C'est bizarre. Non, Mathieu, il y a un problème. Eh, les gars, vous avez confiance en la régie ou pas? Bon, on a confiance. Eh bah, la régie, on skip le leaderboard. C'est ce qu'ils font. On skip le leaderboard, on verra après. Les amis, deuxième mode de jeu dispo à la sortie du serveur, ça sera le Bedwar. Oui. Alors attention, je pense que vous le connaissez tous. Va y avoir des spécificités. Attends, moi, je connais pas. Tu peux m'expliquer, s'il te plaît, Inox? Je vais t'expliquer dans quelques secondes. Je vous dis juste avant, le Bedwar, normalement, sur les autres serveurs ou autres, ça se casse avec la main. Okay. Là, pour casser le lit. Sauf que là, c'est original. Non, enfin, c'est pas trop original. Ah. Le lit, il faut poser une TNT. Donc, même si t'es sur c'est le lit, tu pourras TNT. Peser. Oh, obligé là, TNT. Moi qui connais pas le bête, comment... c'est vrai qu'il y avait des petits filous, je crois, dans ce genre de mode de jeu, qui rushaient directement un adversaire et pétaient son lit instantanément. Voilà. Il y avait des gens qui faisaient ça. Ouais, il y en a qui faisaient ça. Ça. Oui. Des mecs qui ramènent leur souris en Event Fun, par exemple. Mais des fois même avec une potion d'invisibilité, parfois même. Donc là, on pourra casser le lit qu'avec une TNT et il n'y a pas d'arc. J'ai une question. Il y a pas d'arc en Bedwar. Comment obtient-on une TNT?
Il faut acheter du fer, enfin il faut prendre du fer et on l'achète dans la boutique. Mais de toute façon, Squeezie et Gotha, vous m'avez l'air de vouloir savoir ce que c'était le mode de jeu. Ceux qui connaissent pas, je vais vous mettre la vidéo maintenant, explication des règles et on débat après. C'est parti, explication des règles. En Bedwars, tu apparais dans ta base. Ton premier objectif est d'amasser le bronze et le fer qui apparaissent sur tes spawners. Comme ça, tu pourras acheter des objets aux marchands. Certains de ces objets ne s'achètent qu'avec de l'or ou du diamant qui apparaissent sur des îles neutres. Tu devras donc prendre des risques en allant les chercher. Ton lit est la clé de ta victoire. Si ton équipe le perd, tu ne peux plus réapparaître à ta prochaine mort. Protège-le et tue les adversaires qui s'en approchent. T'es équipé, protégé, mais maintenant, il faut gagner. Équipe-toi d'une TNT et place-la assez proche d'un lit adverse pour le faire exploser. Il ne te reste plus qu'à tuer les joueurs sans lit. Si ton équipe est la dernière en vie, tu as gagné. Ok, est-ce que vous avez tout compris ? Incroyable. Tout compris. Rien à dire ? Il y a une spécificité dans ce bedwar-là, les amis. Quand vous achèterez des pièges dans votre base, retenez parce que c'est un truc de ouf pour stratégiquement. Okay. Quand vous achetez des pièges, il y aura un guardian qui sera au-dessus de votre base, donc une sorte de petit être vivant. Si vous envoyez une boule de feu sur ce guardian, ça désactive les pièges pendant quelques secondes. Okay. Donc tu pourras rentrer dans la base sans que les pièges s'activent. Okay. Mais du coup, il faut une boule de feu et la viser sur le guardian. Donc vous pouvez jouer stratégique, vous pouvez protéger votre guardian pour pas qu'on désactive les pièges. Il y a des émeraudes qui spawnent sur l'île au centre ? C'est pas des émeraudes du coup, c'est diamant et or. T'as bien regardé la vidéo, Squeezie, c'est ouais, ouais, Dieu. Oh là là. Légendaire. Hey Pierre, j'ai regardé le début du lancement de One Cube en mangeant mon goûter. On est dans le multiverse. Putain, hey Pierre. C'est incroyable. Incroyable. Mais attendez, je vous ai pas dit un truc. Le chat, je vous ai pas dit un truc. Quoi ? Non. Parce que les amis, comment faire un live Minecraft ? Oh non. Comment le bedwar, vous m'avez pas demandé, mais ça joue pas à 3 équipes, ça joue à 4 équipes. Oh non. Oh là là. Mais comment ça ? Quatrième. Oh mon dieu. Mais qu'est-ce qu'il veut dire ? Quatrième équipe. Le chat, j'ai ramené ce soir 2 légendes qui m'ont fait commencer Minecraft. Non, t'as pas fait ça. Si étoile, si Gotha, je l'ai fait les amis. Mais comment as-tu pu réussir ? Les amis, ils sont dans une grotte. Il vit actuellement à La Réunion, il est dans une grotte depuis je ne sais pas combien de temps. Ce serait quand même pas le... Bob est en convention, mais on va accueillir ce soir 2 invités, Fanta et Bob, pour jouer avec nous en bedwar. Les légendes de Minecraft. Les légendes de Minecraft. Les légendes. C'est légendaire. C'est le multiverse. C'est le multiverse. Oh là 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 là. Les souvenirs. Les souvenirs. Est-ce que vous allez bien, Fanta et Bob? 1-2-1-2, est-ce qu'on nous entend ? Est-ce que tout marche bien ? On vous entend bien ! Oh là là ! Les gars, c'est un multivers, je suis dans un multivers. Mais c'est incroyable. Impeccable. Je suis ici à Reims pour me faire rincer sur Minecraft sur le serveur d'Inox en présence de Fanfan, ça faisait longtemps. Mon Fanfan, dis-leur que tu vas bien et qu'on ne te tient pas en otage. Salut à tous, c'est bien Fanta et bienvenue sur le lancement de One Cube, hein, c'est bien ça. Ouais, c'est ça. Eh les gars, je suis trop content que vous soyez là. Merci du fond du cœur, ça me fait trop plaisir. Vous êtes des légendes pour tous les mecs qui ont commencé Minecraft, je tiens à vous le dire. Donc on va jouer en bedwar. Il a réussi à nous attirer dans cette émission en m'envoyant environ 157 PTDR sur Twitter. C'est tout lui ça. Voilà. C'était bel et bien énorme. Pour avoir une vie plus facile en public. Oh là là, il a mis le t-shirt. Il a mis le t-shirt. Bon. Ah ouais, le vrai t-shirt. Mais j'enlève la veste parce que je suis dans une chambre d'hôtel. Qui est-ce que j'essaie d'impressionner si tu veux T'es un crack. Vous êtes des cracks les gars. Bon, ce soir on va s'affronter sur le bedwar. On va être 2v2v2. Le but, c'est gagner, casser le lit de tout le monde. Maintenant, bonne chance à tous. Il n'y aura qu'une game. Il n'y aura pas deux games, les amis. Il n'y a qu'une game. Donc, jouez tout sur cette game. Attention, je vous le dis, le bedwar, il change de d'habitude. Il est un peu plus lent à ce stuff. C'est moins cancer. Ça veut dire les boules de feu, avant, je sais pas, sur d'autres serveurs, tu pouvais en acheter plein et spammer boules de feu. Ouais. Là, plus la game avance et plus tu achètes des trucs, plus ça coûte cher. Imaginons, tu achètes une boule de feu, la prochaine, elle coûtera le double pour pas que ça spam. Ok. Donc voilà, c'est différent. Tu dois t'habituer à jouer avec tout en fait. Voilà. Et Fanta et Bob, je sais pas si vous avez eu le script, mais il faut vraiment focus l'équipe d'étoiles. Ouais. Voilà. Non. Je sais pas si vous avez compris le détail aussi, c'est juste qu'on a fait des tests la veille pour les serveurs et tout ceci. Et les gens, je sais pas pourquoi, mais depuis des années, ils pensent qu'on est fort en PVP en fait. Alors qu'en vrai, on va se faire mutiler. On est là pour faire un suicide collectif avec Fanta, puis commenter la partie si tu veux. On compte sur vous. On compte sur vous, on vous fait confiance.
Les gars, c'est parti, rendez-vous tous devant Bedouard Duo, on lance la game. Je pense que les abonnés, vous êtes chauds. Iske, vous êtes contents, les abonnés, dans le chat, que Fanta et Bob nous ont rejoints. J'espère que ça vous plaît, j'espère que vous allez kiffer le Bedouard. Sur ce, on continue la soirée, j'ai encore plein de surprises pour vous durant la soirée. Tous ceux qui veulent plus d'infos, allez sur la chaîne de OneCube, j'ai mis une chaîne YouTube avec une vidéo dessus. N'hésitez pas à aller voir, Twitter, tout ça, vous connaissez. C'est parti, que la game commence, rendez-vous tous en Bedouard, les amis. Let's go. Putain, bon, les gars, j'ai des frissons ce soir. C'est bien fait. Il y a Fanta et Bob, il y a Fanta et Bob sur le live. On y croit, les amis. On est là pour mourir. C'est trop bizarre de les avoir sur la télé en face. Ouais, de ouf. Tu sais, j'ai l'impression qu'ils sont en connexion. Mon pote Kamel, n'hésite pas à me guider, mon ref. Alors, équipe jaune, Michou, viens, équipe jaune. Je suis où, va pour vert, va pour vert. Va devant Bedouard, voilà. Okay. Clique sur le duo. De l'or pour améliorer les stuffs. Sans la boussole. Genre c'est le. On est d'accord que les spawns sont aléatoires ou on va forcément respawn par exemple à côté de l'équipe bleue. D'abord on focus. Aléatoire. Et après. Aléatoire. Aléatoire. Père, il a même pensé à ça. Dites-moi. Gota. Est-ce qu'on peut être foutre Est-ce qu'on peut être spawn directement sur l'équipe d'étoiles, tu vois, pour dès le début commencer à PVP. Bob et Fanta. C'est pour vous. Histoire de l'amollir pour vous. Histoire de l'amollir pour vous. Faut aller vers le. Oh, je suis en territoire. Attends, mais attends. Les gars, est-ce que avant de commencer la game, vous pouvez venir tous à côté de moi? J'ai envie. Ouais, c'est un screen de fou. S'il vous plaît. De ouf. Venez tous, on s'aligne. La photo. Ils auront pas TNT avant, je crois. Le multiverse, les amis. Arrêtez tryhard. Mais oui, tryhard. Arrêtez tryhard, les gars. Eh, les gars, la photo. La photo. Ah, pardon, excusez. Oh merde, ça commence. Non, la photo. On va la faire après. Ouais, c'est parti, let's go, le bedroom. J'avais la photo. Ok, parfait, Mich. Merde. Allez, les gars, c'est parti. C'est parti, mon pote. Prends le code. Vas-y, prends les trucs, je te laisse. Okay, mais attends, mais Inox, tu prends tout là. Que je veux au mine. Il faut dire en fait, non, je peux pas prendre deux en même temps. Okay, on a développé le truc comme quoi, si t'es avec un mec in-game, il peut pas te voler tes trucs. Ah, il peut pas ouais. se mettre au milieu, regarde. Ah, ouais, ça c'est bien. Normalement, je peux pas te prendre tout. J'ai pris. Ok, là, faut rush les petites îles, Michou. Les petites îles, regarde. Ah, déjà ? Ouais, là. Non, mais moi, je garde le bronze. Donc, c'est l'argile dure, c'est rush à gauche. Alors, les gars, annonce. Et gros, j'ai jamais pris en Bedwars, je sais pas jouer. T'inquiète, c'est pas grave. Le but, va farmer. Personne. Tiens, la touche c'est pas bonne. Tiens, prends les blocs par terre, ils font. Prends les blocs par terre, j'ai mis derrière. Prends les blocs et va farmer. Les amis, vers le mid, toi, middle, ouais. Squeezie, Gota, Kamel et tout, c'est au bout de 10 minutes que vous pourrez aller chercher les diamants. Ok. Voilà. Okay. Bah, et si middle, je meurs, il se passe quoi? Si tu meurs, tu respawn. Tu respawn tant que t'as un lit en fait. Tant que t'as un plumard, il faut te défendre. Voilà, dis-lui, voilà. Bob. Merci, Bob. Voilà. En fait, défends ton plumard comme Inox, il défend ses chaussures si tu veux. Ouais, bien. On va aller sur les côtés. J'ai la ref. Ok, parfait. Va prendre les trucs sur les côtés. Y'a quoi, middle, du coup? Y'a les trucs de côté. Non, ça sert à rien d'aller middle. J'ai déjà pété alors. Ok. Ah, du coup, je vais améliorer. Va de l'autre côté. Et là, je fais quoi une fois? Ah, il faut aller de l'autre côté. Après, là, tu prends l'or. C'est risqué, quoi. Okay. Soit on défend ce stack, soit on prend. Et tu les ramènes à la base. Un deuxième stack, je pense. Et je vais chercher du diamant. Au pire, défends le. Non, il y en a pas, c'est dans 10 minutes. Pour défendre le défendre. Ouais, vas-y. J'améliore, moi. En fait, j'ai fait un pont. Putain, mais Kamel est trop fort en Bedwars, j'ai jamais vu ça. Frérot, là, vous avez tryhard, les amis. Hein. La team tryhard, c'est étoile et Kamel. Hein. Mais non, jamais. On est souriant, mec. On est heureux d'être là, c'est ça. Putain, je suis tellement heureux, les amis, putain. Je suis un enfant. Ce que tu comprends pas, là, Inox, c'est qu'il y a trop de bonheur, là. Mais gros, on a trop de bonheur dans l'air. Bon, Fanta, alors, ça gaze, on dit rien depuis tout à l'heure. Vous remarquez qu'on dit rien depuis tout à l'heure, on est concentré de ouf. Squeezie, il se passe quoi? Je suis tombé dans le vide tout seul. Ah ouais, t'as chill? Ouais. Mais en fait, heureusement que tu mets pas d'arc, hein. Ouais, y'a pas d'arc. Là, une fois que j'ai touché. Oh là là, ok. Y'a pas d'arc, les gars, y'a pas d'arc. Une fois que j'ai. Ah, y'a pas d'arc. Non. Oh. Là, Michou, le but c'est de prendre de l'or et améliorer. Voilà. Va voir la sorcière. Elle m'a tué. Elle va te proposer des trucs et on peut améliorer nos. Ah, avoir plus de ressources, protéger notre base. Ok. Ah, mais on a. Ah, mais je me trompe de touche à chaque fois, c'est terrible. Envoie tout l'or. Je crois qu'à Méto que le terme que tu cherches c'est pulvère. Ok. Tu vas voir. Attends, là, regarde, je vous ai mis t'as de l'argent, t'as de l'argent. Ça change quoi de prendre ça ou ça? T'as dit quoi? T'as de l'argent ou pas sur toi? Oh, c'est. Arrive avec de l'or. Pour protéger le lit, faut ça. J'arrive. C'est une couche où la TNT elle fait moins mal. Mais ça, je te laisse faire. C'est pas bon. Faut que je le fasse. Faut le tuer. Ouais, c'est mieux. Moi, je vais chercher de l'or. Il est lourd. Viens, Bob. Viens. Hey, il fait quoi lui? Viens. Il faut revenir. C'est qui ça lui? Il faut revenir, c'est lui. Oh, le gamin. Ici, j'arrive. Viens. Vas-y, viens de battre. Michou, si tu meurs, tu perds tes épées, mais pas tes équipements. J'ai récupéré le stuff. Ok. Je vais te mettre de l'or dans le coffre, ok? Un Mich. On leur montre, Kamel. Vas-y, on se barre. On n'a pas détruit votre lit, les gars. Ils emmènent leur souris. Vas-y, on se retourne. Et on leur montre. On lui montre. Je vais tenter un truc, frérot. On lui montre, Bob.
Comment t'as parlé à mon pote? J'entends Squeezie. Bob, comment t'as parlé à mon pote? Bob, le terme que tu cherches, c'est plus vert. C'est plus vert que j'ai parlé mal. J'ai parlé mal, mais j'ai été vaincu par ces mots qu'elle peut mieux habiller ce soir. C'est trop une légende, j'en veux plus. C'est mérité, putain. Les armures et Michou, tout le truc. On fait un pont pour aller au milieu. Jamais non, Michou, c'est dans 10 minutes. Regarde, chrono. J'ai 5 de meilleurs. À 10 minutes, on peut aller. Fais-le alors. Vas-y, c'est bon. Mets l'or à ma base. Depuis le lit, j'ai mis du silver. Depuis le lit. Ouais, depuis le lit. Non, j'avais pas vu. Équipe-toi en. Ah, mais on voit. Dans le coffre, je mets de l'or. Achète l'armure Iron. Ok, chez armurier. Fais quoi le mage? Tu peux acheter quoi sur le mage? Pourquoi j'ai que plastron? Et tu peux améliorer ta base. Ouais, il y a que plastron, Les gars. Les amis, le mage, c'est acheter des améliorations en or. Gota, Kamel et tout, même Bob et Fanta, le game changer sur ce bedwar, c'est la potion d'invisibilité, elle dure 15 secondes. À partir du moment où vous la mettez, c'est 15 secondes et vous serez invisible. Mais Inox, pourquoi tu dis toutes les strats? Bah, c'est pour aider. C'est les règles. Le mec chic, c'est tout. Ça, il est terme, c'est un mec bien. Il est très un peu trop chic. Ok, Michou, je nous améliore notre protection encore. Ah ouais, ils sont trop forts. Vas-y, je reprends un peu. Oh, t'es bien, ils agressent. C'est gratuit. C'est juste un coup pour te montrer. Tu m'as mal parlé, tu prends un coup, c'est tout. C'est ça, c'est humeur tendresse en fait. Kamel, il a mal parlé. Mais c'est trop bien parce qu'en vrai, tu peux faire des stratégies. Oh, Squeezie. Après, attention parce qu'au mid, ça spawn dans. Bah alors, mon loulou. Il est où? Ça spawn cool au mid. Tu fais quoi, Squeezie? Dans 5 minutes. Il est où, Squeezie? Non. Non, mais du coup, il est tombé dans le vide avec l'eau. Zéro, je fais que. Ah, mais ça, tu gardes pas ça? Bah non, tu meurs. Ah, je prends payant. Non, tu le perds. C'est exceptionnel, Rayou. C'est exceptionnel. C'est tellement bien comme mode de jeu. C'est bien ce que je fais là, Inox, ou c'est de la merde? Comme mode de jeu, c'est rigolo. C'est bien, Michel. À droite, t'es tranquille ou pas là? T'as de l'iron ou pas? En fait, je me dis comme ça, on l'a déjà et on gagne du temps. Ouais. Bah, dans 5 minutes, tu retournes, tu finis et tu prends tous les diamants. Vas-y. Vous aimez bien la map Japon, les gars, ou pas? Elle est exceptionnelle, j'adore le Japon. Je suis japonais. Oh, bah, c'est lourd alors. T'es pas japonais, frérot? Je suis japonais. C'est vrai? Je suis totalement. Il est japonais. Il est japonais, il a le droit de s'identifier comme il veut. On est en 2022, casse pas les couilles. Je suis le japonais. Ok, parfait. Michou, mets l'or si t'en as. Ouais, j'en ai carrément. Là, c'est parfait. Notre lit là, par contre, il est vraiment. Ouais, il est à poil. Je vais le faire, je m'en occupe. Ok, il m'en manque. Mais attends, c'est qui les jaunes? C'est nous. Frérot. Oh là là. Il a trahi. Les jaunes, on est monstrueux. Fantasme, j'ai mis plein de trucs dans le coffre. Qu'est-ce qu'il fait autour du lit, frérot? Il fait quoi, lui? Il n'y aura pas d'or. Il va nous dire bonjour. Mais il fait quoi, les gars? Bah, je vous dis bonjour. Tu fais quoi, toi? Monsieur, à tout l'or que je veux. Tu veux battre? Bah, les gars, viens, Kamel. Mais attends, Inox, tu vois, faut qu'on mette un truc pour empêcher ça. Mais non, dans tous les cas, tu fais quoi? Parce que là, non, mais après, il y a des pièges, Michel. Désolé, Bob, tu veux faire la paix? Regarde, va dans le mage et regarde pour les pièges. Tu veux faire la paix, c'est hyper bien, il rien. Salut, Mich. Mais frérot, il me fume dans mon propre camp. Tape-le. Mais wesh, il me fume dans mon propre camp. Ah ouais, il a une T3. T1, il a. Vas-y, Inox. Trop fort. Voilà. Étoile, ça dégage. Inox, faut que tu me donnes mon stuff. J'ai récupéré 5 corps. J'ai aucun stuff en fait. Hein? J'ai aucun stuff. Ça spawn quoi en fait? Faut que tu vas aller à 10 minutes, à 15 minutes, pardon. Bah, dans les marchands. 15 minutes. Je croyais que tu le faisais pour nous. Attends, je prends un non, non. Inox, je suis là pour toi. Moi, je vais te tuer. En train de péter notre truc à gauche là. Ah ouais, mais là, j'ai rien, frérot, moi. Faut que tu te crées une épée en fer. La prochaine amélioration. Un plastron. D'abord les plastrons. Kamel, je fais le trouble fête. Plastron. Vas-y, t'inquiète. Oh, pourquoi il est enchanté? Moi, j'améliore. J'ai amélioré les trucs. Ah, mais t'es un boss. Fais gaffe, il revient. T'as amélioré auprès du mage les. C'est la revanche. Coco. Inox, faut que tu. Payou. Il y a bientôt P2. Il a trop d'ego, étoile. J'ai trop d'ego. M'en fous. Voilà, détruis-le. Bien joué. Putain, on s'est entretués, c'est terrible. Là, faut mettre des pièges sur notre. Tu sais qu'on a tout l'or, mec. C'est un niveau. Faut que t'améliores la base, frérot, avec tes golds. Oh là là, ça part mal. Faut que t'achètes des. Enfant, j'ai essayé de tout améliorer le stage. Tu peux me donner l'or comme ça, je prends une épée. Ouais, après, je vais rester. Mais non, mais Michou, c'est pas l'or, l'épée. C'est du fer. On aura P2 là. L'or, c'est que pour les améliorations. Regarde, c'est pour la sorcière. Ah, l'or, je te le laisse. L'or, laisse-moi, je fais tout l'amélioration. C'est ça, c'est ça. Il faudra bientôt aller au middle. Amélioration, richesse. Et où le mec de l'épée? Ça génère plus d'argent. C'est l'armurier. Ok, bah regarde, boum, richesse de l'épée. Bah voilà. Attends, t'as pas 4 de fer? Magnifique, mec. J'en ai 6. Eh, mais étoile, frérot, ça y est. Rayou, on est en P2. Tiens, t'as pris explosion. Dans le coffre, j'ai tout mis dans le coffre. On est en P2. Il faut absolument récupérer. J'ai volé leur. T'es de Michou, en fait. T'es légende. Eh, Squeezie, comment ça, tu récupères notre côté? Je vais vous. T'es P2, tu t'arraches tout le monde. Eh, mais étoile, il a pété notre or là. Allez, il me faut 12 pour le jeu. Allez.
Inox Géant, fais la paix, mec. Vas-y, vas-y, bah viens plus alors. On fait la paix, on fait la paix. Vas-y, on fait la paix. Mich, tu vois, le but, on peut acheter des pièges en mode dès qu'il y a quelqu'un qui rentre dans nos bases, ça nous met une alerte. J'ai récupéré deux d'or là. Ah, ok. Ou ça peut le faire miner moins vite. Oh, ça, c'est incroyable. Ou ça peut lui envoyer un missile par exemple. Faut le faire miner moins vite. Vas-y, bah non, je vais mettre alerte, c'est le mieux. Comme ça, on sait direct dès qu'il est là. Il y a carrément un piège, Mich. S'il s'active, on a 3 secondes pour suicider et on est respawn. Et on peut le taper. Parce que normalement, quand tu te suicides, tu perds tes items et tout. Yo, là, tu peux te suicider et tout avoir. Je vais aller finir des rêves, Rayou. Ah. Oh non, tu vas finir des rêves. Je vais aller finir des rêves. Mais ça, c'est carrière, comme ça. Ouais, bah oui. Oh, je vois bien ce que t'as dans ton inventaire, mon pote crâne. Je vais aller détruire des carrières. Fais des TNT, Mich. C'est qui les jaunes? La TNT. Les jaunes, c'est Inox et Bichou. Hey, mais tu veux quoi, Kamel? Moi, j'ai l'impression que les jaunes, on est la cible là. Kamel, ils sont. Vous êtes les challengers ce soir. Eh bien, rebuild maintenant. Il est où, Kamel? Y'a Gauthier à son pont! Rebuild, c'est ça. C'est bien, rebuild. Remets des blocs, remets des blocs. Rebuild, rebuild. J'avais rien sur moi, j'avais rien sur moi. C'est toi, tu vas voir ce que je vais te faire. Rebuild, Inox. Ok, les gars! Eh bien, couche-couche, panier! T'étais Karma. Sur T'étais sur Oui, oui, d'accord, allez, bien joué. Faut que je rush, Rayou. Ok, j'ai eu une TNT à Kamel. Non, j'avais pas de TNT. Bob et Fanta, vous êtes comment là? Je viens de les tuer là. Si, tu m'as donné. On est mal! Non. J'arrive crâne. Est-ce que le live, tout le monde va bien, tous les viewers du live? Faut absolument corriger ça. Est-ce que vous allez bien, le chat? J'arrive. Bien entendu. Sondage. Notez la map sur 10, les amis. Petit sondage qui s'affiche à l'écran dans le chat. Regarde. Non, mais arrête, je me fais taper par 3 mecs, wesh. Tu veux... Oh les nonnes. Inox. Eh mais hey Bob, faut s'enchanter là. Donne-moi tes chaussures. Moi je Bob, je m'en bats les couilles. T'es à poil. Ça, on a ouais, je suis au middle. Ouais, vas-y. Je suis tout nu, moi. Droite. Je sais que je suis à poil, c'est fait exprès. Quoi autour de leur lit? Salut mec. Il faut déjà me frapper. Salut mec. Donc une pioche ça suffit, on prend une hache. Ils sont 2v1. Une pioche ça suffit, on prend une hache. Je me tire. Let's go, Kamel. Ils ont tous les diamants, ils étaient 2. Il est mort. J'y aille. Non, c'est trop tard, n'y va pas. Non, on a pas eu tous les diamants. Il n'y a pas. Vas-y, je te suis go. Je dirais où t'as pris peur, Kamel? Non, hein? T'as pris peur? Non, mais ils sont deux. J'ai entendu Michou arrive, je me suis taillé. Fais peur, mais Michou, t'es musclé. Hein. Putain, ça me fait plaisir de faire peur un peu. Non, mais t'as des pecs. Hein. Je rentre à la maison avec. T'as des pecs, ça se ressent. Genre, t'as une aura, tu vois. Tu mens de ouf. Mais t'as des pecs sur le jeu, frère. J'avoue que pour l'ego, c'est génial quand tu vois Kameto qui fuit devant toi alors qu'il n'a rien, tu vois. Oh non, il t'a du doré. Du doré. Il va falloir mettre des pièges là, Inox. Eh, Bob et Fanta, vous êtes comment là? Vous y arrivez? Pardon, quoi du coup? On est mal. Hein. Vous êtes mal. Vous êtes mal. Vous nous laissez vivre, on est bon. Moi, les amis, moi j'ai très très peur de la team. Mais comment les amis, les gars, ça me tue parce que Fanta et Bob ils font peur à personne. Il y a personne qui va les attaquer. Eh mais hey, j'ai une question Inox. C'est comme dans Koh-Lanta, c'est les plus mauvais qui gagnent. Comment quoi? Comment on les allume? Tu les poses, ça s'allume instant. Voilà, on y va. Ah ok. Derrière. C'est juste pour vous dire bonjour. Viens là toi. C'est juste pour vous dire bonjour. Bah on peut faire des trucs d'invisibilité et tout là. Les boules de feu ça peut permettre d'exploser les ponts. C'est juste pour vous dire bonjour, je veux pas vous fight. Regarde comme ça là. Vas-y bonjour mec. Mais Bob t'as cru c'est la cinglingue là? Mais ça va. Je l'ai envoyé dans le néant. Eh Gauthier, c'est que de l'amour frère. Tu m'as envoyé dans le shadow réel. Tu m'as envoyé dans le monde des ondes, dans le shadow réel. 39 secondes Kamel je reste. En même temps j'ai eu le temps de creuser un trou dans ton monde, dans ton armure. Ça arrive à revenir ces games. On aura P2. Putain mais toi le il mange des pommes en or, il tryhard sa vie là. Mais je chill. Et toi le Belek, y en a un qui arrive dans ton dos après. Je l'ai vu arriver. Let's go. Tu tryhardes pas mon bro. Eh Bob il a cru que je l'ai pas vu passer. Il m'a tué, j'ai pas pu revenir mec. Mais évidemment que tu m'as pas vu passer, t'as rien vu. Rayou c'est l'heure de... Mais là on peut détruire les lits des gens. Oui tu peux Michel. Mais viens, attends un peu. Ramène un stack d'or. Ouais je vais ramener de l'or. Ah non c'est bon, on va être P3. Vas-y, je vais ramener de l'or là. On y va. Michou, tu vas me suivre, ok? Ouais, je te suis. P3. Oh, let's go, t'es le moi, meilleur. Moi, je suis un peu récolteur et défenseur. Fais-toi une pomme en or, fais-toi une épée. J'en ai une, j'ai... Fais-toi deux TNT. Regarde, derrière toi, il y a étoile. Ok. Oh, le bâtard! Fume-le. Empêche-le de venir. Je t'entends qu'il y a un peu plus loin. C'est gentil, mon frère. Oh, t'es chaud, Michou. Oh, il m'a fumé. Mais fais gaffe, ils ont mis des pièges et tout. Il m'a fumé, Michou. Ouah, bien, ouais, ça y est. Ouais, bien joué, Michou. Il a trop bien joué. Mec, regarde. Attends. Ok, Michou, on va tenter un truc. La vérité, il y avait que de la chance. Michou, je vais tenter un truc. Je vais tenter un truc, Michou. Ok, je suis prêt. Et puis, regarde, tiens, hop. Tu vas me suivre. T'es un beau gosse, moi. On regarde un petit peu. Je tente. Ok. Et la boule de feu, ça fait pas de dégâts en vrai. Non, ça fait pas beaucoup de dégâts. Mais gros, il nous faut du diamant. Regarde ce que j'ai dans mon stuff. Michou, tu me suis? Ouais. Il nous faut du diamant, Inox. Du diams, ouais, mais t'inquiète, j'en ai pas besoin. 65 secondes, spawner. Faut que tu me suives, tu me covers. Ah, vas-y.
de diamant. Y a, alors, il y a une équipe viens, avec un mec qui a organisé le GP Explorer et un frère. Moi, je suis pas. Je viens, mais je suis moi. Personne sait qui c'est. Mais moi, je vais être. Le vide. J'arrive. Alors, ramène-le à la maison. Ah ouais. Je vais faire le pont, tu me rejoins après. Tiens, il y en a encore de leur casque. Drolin. Salut. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais hey, Étoile, il a décidé c'est d'aller. C'est hey, Bob Lennon, que il se fait tuer dans le vide. Il fait que de se tuer. Oh! S'il te plaît, Étoile, non. Non, s'il te plaît, t'inquiète, on est ensemble. Non! Mais ça chute là! Ça chute! Mais Étoile, il défend Bob Lennon? Je me bats. Moi, je tape, je réfléchis pas. J'ai récupéré un peu de fer. Ah putain, non! Qu'est-ce qu'il fait, mon pote? Oh non, il a cassé le lit! On est tryharders! Oh oui! Oh oui, j'ai pété le lit! Ils ont pété le lit! J'ai pété le lit! On a pété le lit, il a fait encore! L'équipe bleue! J'ai pété le lit d'étoiles! J'ai pété le lit d'étoiles et camel! Bien joué! Je suis dégoûté parce que j'avais juste le temps d'acheter une potion d'invisibilité et une TNT si tu veux! Fais gaffe à notre lit, Mich! Je protège! Ah, on est dans la merde! Elle manque de respect! Donc là, si on les tue, ils sont morts! Tant pis! Ouais! Putain, là, mais t'es un manque que l'équipe jaune, qui est encore dans leur lit. T'es un manque. À savoir que les bleus. L'équipe verte est éliminée, c'est qui? C'est Fanta et Bob. C'est nous. Mais non, Bob et Fanta. Ils sont morts. Ils sont morts. Attends, vous étiez chez nous. Attends, là les trois verts, on est chez nous. Suis-moi, Michon, suis-moi. Vas-y. Attends, non, protège. Toutes ces années de PVP pour ça. Reste à la base. Vas-y. C'est ça, ouais. C'est toi qui reviens à la base ou pas là? Ouais, je suis en train. Attends. Parce que je m'entraîne. Les Sprecks, mettez-vous sur moi. Je vais faire un kill. Je reviens pas. Oh non, on n'était pas forcément connus pour notre PVP, mon cher Fanfan. Moi, je me souviens qu'on construisait des maisons. Hein. Non, mais tu crois que j'ai fait quoi ces deux dernières années? Je me suis entraîné. Camel et Étoile, on les tue une fois, ils ont perdu. Une fois, les ouais, mais est-ce que tu vas pouvoir nous tuer? J'ai fait en plein stream de montage. Étoile, t'es foutu, frérot. Je t'en prie, tu veux. Là, la régie, je pense vous pouvez bientôt mettre les voix de tout le monde. Ça va être drôle, je pense. Mon cher Squeezie, il faut savoir que je suis juste derrière toi en fantôme. Je suis le fantôme de tes erreurs passées, si tu veux. Merci, mon frère. T'aurais jamais dû faire cette OPSP. Je vais pas te proposer un t'aurais beau spectacle. T'aurais dû ouvrir cette boutique de surf. T'aurais dû vendre des skateboards à des enfants. T'as l'apparence. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a All Bata. Oh, la jambe. Oh, c'est trop le seul. Oh, mon pote Kamel. C'est Kamel. Kamel, t'es où? Je suis mort. C'est pas grave, frère. Oh, putain, non. C'est trop fort. Kamel, t'es trop fort. Foutre Kamel. La vie de ma mère, c'est la potion d'invisibilité. Oh, le bâtard. En fait, rentré dans votre base avec la popo. Ouais. Mais ça fait une demi-heure. Oh, le bâtard. Kamel, t'es trop fort au jeu. Kamel, je vais te rendre fier. Inox, il faut qu'on détruise à tout prix le lit de Gotha. Non, mais faut qu'on tue Étoile. Non, mais faut détruire le lit de Gotha surtout. Ouais, c'est vrai. Mais j'arrive, frérot. Bah viens, viens. Les alarmes. Frérot, t'as plus de lit. Venez, vous allez en découdre. On va en découdre. Michou, meurs pas. J'ai une stratégie. Est-ce qu'on peut parler du lit des rouges qui est entouré d'un cube absolument magnifique? C'est une maison, le machin. T'as vu ça? Qui s'est installé. Ça tryhard. Ouais, c'est un pod. Hein. Non, mais les rouges aussi, ils n'ont pas bougé leur cul de leur base. Eh oh. J'ai éliminé une équipe. De quoi tu me parles? Ah, c'est vrai? Bah oui. Par contre, Gotha, tu sais que t'es censé juste bien sûr, te protéger de lit, pas construire un cabanon en fait. Kamel, on va se battre pour toi, Kamel. Kamel, t'as été héroïque. J'étais caché dans l'air. T'as été héroïque. Hey, Inox, il était trop heureux d'avoir cassé trop le lit. J'ai ramené 5 diamants. En fait, il y en a un. C'était à moi de protéger, mais je te jure, j'ai rien. T'inquiète, mais je pouvais pas savoir. Il était invisible, tu pouvais rien dire. Non, en fait, j'ai renfermé derrière moi. Ça veut dire que tu savais pas que j'étais dedans en fait. Tu veux l'armure ou pas? Tu l'avais ou pas? J'ai vu un blaze à côté de notre truc. Comme tu veux. Tiens, prends tes meilleurs. Vas-y, elle est par terre, prends. Oh là là, il y a des actions qui se font. Mais non. Ah ouais, et du coup si tu respawn avec. Ouais, tu respawn avec l'armure. Allez, tiens, c'est cadeau. Mais gros, il nous fait du diamant là, Inox. T'es le boss, frérot. Reste sur la base, je vais faire le diamant. T'inquiète. C'est tous les combien de temps les diamants, Inox? Tous les 10 minutes non, 100 secondes, je sais plus combien. 100 secondes 150 secondes, je crois. Oh, le fantôme de ses erreurs passées. Il faut. Oh non. Oui, c'est ça, Inox. Let's go. Attends. Il y a les bordures, tout le monde a plus de lit. Comment donc à partir de maintenant, c'est mort subite. Tu peux acheter plus personne a de lit. Il y a les bordures, les gars. Attends, mais il s'est passé quoi, mon gars? Attends, mais j'étais en invisible, je vous pète votre lit. Ouais, mais en fait, Inox, il manquait des golems. Les maps se rapprochent du bord du centre de la map. Ouais, vaut mieux. Ça coûte 1. Tout ce que j'ai à dire en commentaire sur ceci, c'est que sur notre serveur avec Fanta, il y avait un dragon et c'était mieux. Et Gotha et Squeezie, on peut les avoir. Eh, le move était incroyable, je sais pas si on l'a vu. Bien joué, frère. Je suis. D'ailleurs, Inox, c'est toi qui as demandé à ce qu'il y ait des bordures qui se rapprochent à la Fortnite ou c'est l'époque? Ouais, c'est ça. Ouais, parce que nous, on avait un dragon, je dis, le dragon était mieux.
Ah, il vient de terminer son serveur. Bob, tu aurais son serveur. Ok, t'es parti par où? Récupère juste un et après t'as la pause de tout le monde. Y'a Nox sur WAM, y'a Nox sur WAM. Après, vas-y, Nox. Après, c'est vrai que tu peux argumenter que c'était beaucoup plus unfair parce qu'il était complètement aléatoire. Alors que là, au moins, c'est le skill. Les gens se ramènent ou les gens se ramènent pas. Et Inox qui a posé de la TNT partout. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, le bâtard! Ok, j'ai le Squeezie. Inox, j'ai besoin d'aide. Oh là là! Ouais, c'est de la merde. Je suis débordé, mec. Ok. Il a peur, il a peur! Oh pas... non! Tout le monde est en train de revenir sur l'île centrale. Oh non, je suis trop diamant. 11 autres joueurs, qu'est-ce qui se passe? En vrai, tu peux tanker, vas-y. Non, je peux pas, j'ai pas le droit. Ça m'empêche. Oh, j'ai trop le seum. Étoile qui est sur l'île centrale, c'est son fils. Attends, 2 contre étoile. Deux contre étoile. Ok, ok, vas-y. Ah quoi? C'est un gris, wesh. Oh les bâtards. Oh là là. Gotha, va te faire foutre. Voilà, voilà. Et moi je ramasse pas le fight. Hein, Inox, derrière toi. Gotha qui trahit. Gotha italien. Moi je chill. Wow, les boules de feu. Et ça balance des boules de feu de partout. Oh, la guerre. Putain, je suis mort. Allez, Michou, à toi de jouer. Let's non. Frérot, on a perdu tous les deux. Non, j'ai trop le seum, dommage. Non, me dis pas étoile, il fait une remontada. Attention, la remontada, Kamel. Oui, étoile. Mon pote crâne. Mon honneur. Mon pote crâne. Non. Je suis mis droite. Je suis mis droite. Désolé. Putain, moi je suis quand même déçu, les gars. Fanta et Bob, ils sont morts direct, les pauvres. On a fait top 3. Ah, attendez, attendez. Quand tu dis Fanta et Bob, ils sont morts direct, c'est j'ai pas ramassé les deux. Il y avait des rouges, des verts et des jaunes dans notre base. J'ai dit, il fallait tracer pour les verts comme ça. Ils avaient trop de potions d'invisibilité, les gens. Putain, méritez pas top 3. Fanta et Bob, est-ce que vous avez kiffé, même si vous avez perdu votre lit direct? Mais tu sais que t'as du mal. Oui, attends, tu dis qu'on a perdu notre lit direct, mais c'était au bout de la 12ème minute aussi. Calme-toi si tu veux, on s'amuse. Ouais, c'est vrai. Vous êtes pas en mode tryhard comme Kamel et. Ne parle pas, t'es en vrai. Celui qui a le plus taillard, c'est Inox. Mais je vous ai laissé vous battre, j'ai même pas ramassé le fight, je vous ai regardé. J'ai même pas. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah oui, c'est vrai. Bah oui, c'est vrai. Même sur Clash Royale, il m'a vu se déchirer. Qui peut réellement vouloir à Inox de tryhard? Parce que là, il joue tout. Il joue son serveur, il joue sa retraite, il joue sa voiture, il y a tout qui est en jeu. Ah, les boss. Kamel, t'as été. Il joue son décor d'ailleurs, parce que je t'ai entendu tout à l'heure, Inox. Et toi, là, tu dois choisir un objet du décor. Ouais. Ah, non, mais Bob le boss, putain. En vrai, Kamel qui reste caché pendant 30 minutes pour le lit. Là, ouais, ouais. C'est dans c'est un et toi, je t'entendais dire Michou, améliore la base, Mais c'est trop fourbe. Ça servait à rien en plus, frérot. Non, mais c'est trop fourbe. Après, première game de Bedouard quand t'as jamais joué, c'est un peu chaud. Vous voulez pas en refaire une là? Eh mec, je suis resté 10 minutes à la base. Ça servait à rien. Les gars, on m'a pas entendu de la guerre, j'ai servi à rien. Même moi, je suis chaud à en faire une. Ah ouais, les gars, on n'aura pas le temps d'en faire une parce qu'il y a encore quelques modes de jeu à faire. Ah, ok, ok. Mais. Ouah, comment tu niques notre fun? Il a un costard cravate, il a un costard cravate. Forcément, il nique ton fun, si tu veux dire. Bah oui, ouais, moi je suis en mode sérieux. C'est ton serveur, tu fais ce que tu veux ce soir. Il est corpo, il est corpo. Allez, Inox. Mais attends, si on a le temps, on va faire les modes de jeu. Et après, on en refait un si on a le temps. Non, mais il reste des modes de jeu avant. Non, mais c'est vrai, découvrons notre mode de jeu. Il a raison, les gars. Arrêtez de forcer, on est même pour la commu. Il a son truc à suivre. Je sais pas si tu dois. Ouais, mais on adore là. On adore, on aime. Les amis, on aime trop ce qu'il a fait, Inox. Est-ce que vous avez kiffé le Bedouard? En vrai, est-ce que vous avez kiffé le Bedouard dans le chat? Aujourd'hui, c'est l'ouverture de mon serveur Minecraft. Bah, plutôt demain, les amis, tous ceux qui veulent, il y a toutes les infos dans la description. Encore une fois, ouverture demain dans la journée, je vous dis pas exactement l'heure. Ah ouais. J'espère que pour l'instant, vous passez une bonne soirée dans le chat. Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que vous passez une bonne soirée dans le chat? Passe en mode RP. RP, PDG. Franchement, déjà, moi, je vis ma meilleure soirée. C'est valide, ok, ça fait plaisir. Je vis ma meilleure soirée. Il y a mon fanfan, j'ai réussi à tuer Kameto une fois. Il peut saigner. J'ai tout gagné. Bon, bah, c'est parfait. Si tout le monde kiffe, ça me fait plaisir. Les amis, on va continuer avec un mode de jeu un peu plus fun. Et du coup, bah, Fanta et Bob, je pense qu'ils vont kiffer ce mode de jeu-là. Parce que bon, c'est un mode de jeu qu'ils ont beaucoup joué, je pense. Parce que si on le kiffe pas, tu te retrouves avec un procès. Vas-y, vas-y, d'abord. Parce que oui. Ah oui, déjà, je vais vous montrer le score de la soirée. On est à la moitié, plus de la moitié de la soirée, je pense. Donc, je vais vous montrer le tableau des scores. On va voir quelle équipe est en top 1, top 2, top 3, top 4. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien, les amis. Top 1 étoile. Wow, allez, étoile top 1.
Vous pouvez s'y attendre. Moi je suis deuxième. Mais attends, c'est par équipe ou par individuel? Non, c'est par individuel. Le pire qu'arrive. Inox, nous deux, on est au milieu de tableau. Ça veut dire qu'on est très bien en vrai. Qu'est-ce que ça veut dire? On est bien. Non, vous êtes dernier, frérot. Vous êtes 4 points. Ouais, on est dernier. Ah ouais, non, on est dernier. Ouais, on est éclaté. En caméra que vous nous mettez, on voit pas les scores en fait. Mais je comprends pas ton. Mais il nous a lavé. Les amis, arrêtez, moi non plus, je ne comprends pas. Il y a un problème de score. Il y a un problème de barème énorme. Arrêtez, les gars. Les gars, ok, les tas de problèmes taclés. Je trouve que le score, ça devrait être en équipe. Oui, oui, le score doit être en équipe, mais je sais pas. Inoxta qui gagne. C'est pas grave, je suis désolé, les gars. Inoxta gagne, c'est ta soirée, frère, c'est premier. Les gars, c'est ça, c'est lui qui gagne tout. Non, mais non, faut pas que je gagne tout, mais il y a un problème de leaderboard. C'est pas grave, c'est pas grave. On va pas faire attention, les amis. Le scandale du lancement de OneCube. Ouais, non, mais c'est la corruption au sein de OneCube, regardez. Fanta, honte. Les gars, arrêtez de me foutre la honte. Non, non, c'est pas grave. Ok, les amis, on va enchaîner avec le dé à coudre. Petit jeu fun. Petit jeu pas original du tout, parce que bon, on le connaît tous. Attends, mais c'est quoi, moi je connais pas. Moi, non, je connaissais pas le dé à coudre. Alors, le dé à coudre, ça sera un jeu. Vous ne connaissez pas le dé à coudre, c'est fantastique. Vous allez voir, c'est du fun. C'est pas du PvP, c'est pas de l'action, c'est marrant. Tu connais, Gotha, tu l'as déjà fait. Mais oui, tu l'as déjà fait. Ah oui, il fait genre pour. J'ai jamais fait, moi. Ah, vous avez jamais fait. J'ai jamais fait le dé à coudre. Je sais pas du tout ce que c'est. Ok, bah tu verras. Mais t'as pas une vidéo. Si, j'ai une vidéo, Kamel. Mais oui, les amis. J'ai une vidéo. Juste pour info, ce mode de jeu est celui qu'on fera en fin de soirée. Ils seront que pour les VIP. C'est deux petits jeux. Mais si t'es pas VIP, ton pote VIP peut t'inviter dans le groupe et jouer avec toi. Donc voilà. Et attends, comment on est VIP? Oh là là. Faut payer sur le site. Voilà, c'est tout. Oh, pay to win, scandale. Non, c'est pas pay to win. Non, les amis, je vais rejoindre le Inox PDG, il y a un serveur à payer quand même. En tant que superstar, est-ce qu'on peut quand même le faire ou pas? Oui, vous pourrez le faire en tant que superstar. Merci Inox. Bien sûr, maintenant, les règles. C'est pas pay to win, tu dis que c'est une blague. Non, c'est pas pay to win. Non, c'est pour payer le serveur. Non, mais même. Non, c'est pay to play. Non, c'est même pas. Non, pay to fast. Même pas. Parce c'est qu'en fait, pourquoi on paye alors? C'est paye tout avoir la classe, parce qu'en vrai, le VIP ça sert que pour les cosmétiques ou pour avoir des bonus avec ses potes. Paye tout être beau. Paye tout être beau. Ok, tu viens de comme Fortnite. Voilà, comme la vraie vie. Tu viens de dire quand même que les modes de jeu, il faut les payer du coup. Non, c'est que les deux modes de jeu, genre dé à coudre et fun. Okay. Ça sera les deux petits modes de jeu. Okay. Réservés aux VIP. Réservés aux VIP. Ils peuvent inviter des potes non VIP, un peu comme Mario Kart à l'époque. Voilà. Celui qui avait le jeu. T'as Inox qui essaie de nous proposer du fun et là, vous êtes forcé à montrer tout ton système. Ouais, c'est lourd en vrai. Que les mecs qui soutiennent le serveur, ils ont un petit avantage. En vrai, c'est normal. Et les mecs qui soutiennent le serveur, ils auront aussi accès à tous les jeux en phase de test. Ils pourront les tester avec toutes les équipes, du staff. Et ils pourront inviter leurs amis dans leur groupe, même s'ils ne sont pas VIP. Donc voilà, j'ai des amorces. Et les stars aussi? Et les stars, elles auront aussi accès. Inox, à combien est l'abonnement VIP? L'abonnement VIP, c'est 5 euros, 10 euros et 20 euros. C'est pas le choix, en fait. T'as le choix. C'est par mois. Inox, est-ce que c'est possible de mettre un carton jaune à Kamel qui m'a mis une droite quand j'ai gagné la game? Non, j'ai mis une droite. Totalement. Pas. Je laisse Kamel mettre des droites à Étoile parce qu'il trahit. Merci. Ça, c'est un vrai honneur. Bon, c'est parti. On vous laisse avec la vidéo du dé à coudre. C'est parti. Let's go. C'est un jeu fun, encore une fois. Fanta et Bob vont jouer avec nous. En fait, je voulais faire ça. Le dé à coudre est un jeu dans lequel. Non, mais sérieux, je dois vraiment présenter ce classique? Bon, ok. Tu apparais tout en haut d'une tour, avec en bas une piscine. L'objectif est simple, tomber dans l'eau. Si tu y arrives, tu marques un point et le bloc d'eau touché se transforme en laine. En revanche, si tu te rates, bon, déjà tu t'es fait les croisés, mais surtout, tu perds ton point. Tu trouves que c'est trop simple? Augmente la difficulté en tombant sur un bloc d'eau entouré de laine. Si tu y arrives, tu remportes encore plus de points et t'as trop la classe. L'équipe avec le plus de points remporte la partie. Les blocs, faut pas tomber sur les blocs. En fait, faut que tu tombes. Genre, imagine, il y a un cercle de blocs. Ouais. Tu tombes au milieu, genre, t'as toute bonne masse. Ah, parce que t'as pris des risques, t'es récompensé. Voilà, c'est ça. Voilà, et à savoir, pour expliquer ce gameplay là, le vrai dé à coudre, c'est quand il y a 4 cubes qui entourent, ou une bordure qui entoure un seul dé d'eau, enfin un seul cube d'eau, et tu tombes dedans pour max point, max style, max prestige. Ok. Voilà, okay. Il a tout dit, les amis. C'est ça que c'est un dé à coudre. Vev France. Hein? Ouais. Il fait ça plus normal. J'autorise. Bon les gars, c'est parti. Attends, go tous devant le dé à coudre. C'est une marque? Je sais pas c'est quoi. Ah, je pense pas. Mais c'est quoi Fanta? Je sais pas ce qu'il nous a, ce qu'il nous a fait Fanta. C'est alors attends. Ok. J'ai une dédicace, je sais pas, mais attends. Alors jeu VIP. Ok les amis, on va aller tous dans jeu VIP dans la boussole. Et là vous avez le block run et le dé à coudre, mais on fera le block run après. Donc on va commencer par le dé à coudre. Venez tous. On va faire que du solo, on va sauter l'un après l'autre, le but, avoir le plus de points, c'est parti, let's go. Est-ce que dans le chat vous êtes chaud ou pas les amis, un maximum de flammes? Est-ce que pour l'instant vous passez un bon moment? Attends,
Dakoud solo, on commence, pardon. Oui, ouais, c'est tout. Solo. Là, ça va être que de la solo pour le Dakoud. Les Dakoud, ça, on va faire une ou deux games, mais je pense une game, ça va être good. Alors, à savoir, savoir que sur ce serveur, il y a quelques subtilités qui diffèrent d'une autre à l'époque où ça a été, c'est que tu peux choisir ton niveau de difficulté et donc choisir la hauteur à laquelle tu sautes pour marquer le plus de points. Rose Mich. Eh mais Fanta, tu connais Bob, tu connais trop bien. Bah, normal, il y était sur son serveur le Dakoud. Oui, mais normal. T'étais où? T'étais où? Il était pas là, Michel. Ouais, regardez pas. T'es pas né. Hein. Il était pas né. Ouais, ouais. Ok, bah les gars, okay. On est ça tous dans la game, ça peut lancer. Vas-y, vas-y. Alors allez. Les gars, venez, on prend notre temps, on se regarde, on est en mode spectateur à chaque fois qu'il y en a un qui saute. Okay. Allez. Ok, c'est oui, moi qui commence. C'est un par un. C'est un jeu. Tu peux tryharder, mais c'est du repos principalement. Donc allez. Voilà, là, tu peux tryharder, mais le but c'est vraiment, on avait fait avec Gotham. Et là, c'est un bon moment. On peut pas déranger la personne, c'est trop bien fait. Et du coup là, moi j'ai joué sur mon serveur. C'est tous. Ah non, oui, tu peux pas. Ah oui. Donc mais là, la piscine est vide, t'es trop bien toi. Non, moi je suis trop bien. C'est soit je fais très difficile, facile ou normal. Bon, là je vais en très difficile parce que la piscine est vide. Wow. Donc je saute. Ah non, mais c'est dégueulasse que tu commences. Ouais, c'est Mais ça fait quoi que tu arrives ou pas? Je comprends pas de dire très difficile ou pas. C'est... T'as plus en fait, de points. Si tu fais très difficile, si tu réussis, t'as plus de points. Mais si tu te foires, ça change la taille du truc. Bah non, mais t'es plus haut, du coup tu vois moins. Ah, voilà, c'est ça la difficulté. C'est bien fait, mais par contre, pourquoi tu commences, Inox? Bah parce c'est aléatoire, les amis. Bien sûr. Il est en costard, laissez-le commencer. Ouais, mais attends, mais il est quand même vraiment très haut. Ouais, là, il est très haut. Donc, c'est parti. Il est où, je vois pas. Ok, c'est bien joué. Mais Bob. Je vais mourir. Attends, mais pourquoi le carré, il est petit lui? Ah non. Mais je vais mourir direct. Mais non. Ah, il est petit. Kameto, fais difficile. Parce que le perso sort. Elle, la piscine, elle est quand même très Kamel, petite. Ouais, Kamel, t'es haut. Oh, Kamel, il est haut sa mère. Ouais, Kamel, t'es très très haut. Allez, Kamel. Allez, Kamel. C'est free, Kamel. Oh oui! Oh, j'ai cru qu'il allait mourir! Même moi j'ai cru qu'il allait mourir. C'est difficile, tu vois rien! C'est à moi là! C'est vrai qu'il faut savoir que dans le fait, c'est dégueulasse si tu veux être un petit il a fait un dé à coudre! Première personne! Oui, il a fait un dé à coudre! Quand il colle à des blocs, il gagne plus de points! Il a même pas fait exprès! Il a même pas fait exprès en plus! Et toi, le 9 plans. Le but, c'est d'avoir le plus de kilos. La première personne qui saute normalement est censée viser la bordure. Mais c'est quand c'est à moi là! Eh mais attends, Fanta, il joue pas! Et toi, t'avais choisi quoi? Genre, là, c'est très difficile. En fait, attends, mais Fanta, tu joues pas? Mais Fanta, il s'est perdu! Il s'est perdu dans ton serveur! Oh non! Attends, les gars, il se recommence la game. Moi, pétition, on recommence. Attention, faites un slash hub. On verra bien le tableau, c'est aléatoire ou pas? Ouais, ouais, slash hub, t'inquiète, c'est aléatoire. Bon, désolé, le chat, on recommence. Putain, j'avais 11 points. J'ai oublié mon là. Oh non, on est 11 points quoi. Putain. 11 points, j'ai trop bien commencé. Il est là, je le vois, il est dans le up. Il est dans comment le on fait up. J'ai un coup de solo, les gars, faut cliquer. Elle est pas mal la map. Comment merde, je suis allé dans le. Ah, mais il met la pression ce mode de jeu quand même. Voilà. Ouais, il met un peu la pression. Étoile, Kamel, Fantasio, il manque Bob, Michou. Moi j'y suis là. Non, merde, je suis dans un solo, excuse-moi. Attends. Excusez-moi les gars, c'est quoi votre grade vous? Vous avez quoi comme grade? Moi je suis une star. Omega superstar de la mort qui tue moi. Ah ouais, ok, ouais. Pas mal. Tu l'as payé combien sur la mort? En fait, je suis star et en même temps j'ai payé la saison à 20 balles. Omega star. Bon, c'est bon, Fanta est avec nous les amis. Salut, attends. Star étoile. On a tout, ouais. Salut mec. 8 sur 8, tout le monde est là, c'est bon? Tout le monde est là, ouais, c'est bon. Allez, c'est parti, go, ça commence. Choisissez votre équipe. Skin, c'est toi. Choisissez votre équipe. Michou, équipe rose. Une fois que vous êtes tous dans votre équipe, on le fait. Mais toi aussi, ton skin, c'est toi. Totalement, moi, mec. Je suis un concombre. C'est Inox. Ah non, c'est solo. Attends, c'est solo. C'est solo. Je crois que ça t'attribue une équipe automatiquement. Ok, bon, bah c'est parti. Mettre une équipe, mais t'es tout seul. On peut lancer la game sans trop. Gotha, il a pris le rouge. Bien entendu. T'as Fanta et Bob. J'espère que je c'est votre mode de jeu celui-là. Et qui c'est qui commence? Encore Inox. Encore Inox. Non mais comme par hasard. Oh, Gotha, tu joues en dernier, t'as trop le. En fait, t'as join la game attendez, en dernier. Attendez, non, respectez, c'est le proprio, il y va en premier. Je sais pas pourquoi je suis premier. Par contre, Inox, c'est vise le bord. Hein. T'inquiète. Vise le bord. Okay, oh, il a pas visé le bord. Non, j'ai pas visé le bord. Tranquille, t'as raison. Moi, je prends pas le risque. Moi, même si je suis en dernier, je prends le très difficile. Ok, les gars, attends, et si on meurt, on a. Attention, étoile. Oh, le trick shot étoile. Ok, bien joué. En mode trick shot. Mais il est serein. Si tu meurs, tu perds juste des points. Tu perds juste. Ah, ouais, voilà, tu peux retenter après ta 5 tentatives. Ok, ok. Ok, à toi, Fanta. Absolument. Ah, tu es pas éliminé. Attention, Fanta qui va faire le saut. Il a mis en normal. Fanta, il a fait un normal. Il a pas pris de risque. C'est ça. Il marque des points. Ok, oh, Mich. Bordel. Mais toi, t'as mis normal. Mais toi, très difficile. Moi, je vais en très difficile. Ok, voilà. Oh, il est haut. Il est haut, ça. Waouh. Mais attends, mais les gars, c'est tellement dur. Ouais, là, c'est plus dur. Là. Quand t'es haut, faut sauter ou faut juste marcher? Oh, tu peux marcher. Okay. Allez. Après, quand tu peux sauter, tu fais ce que tu veux. Ouais. Oh, ok, GG. Je veux vraiment faire un 3-6 quand t'es tout haut. Je te jure, j'ai eu peur au premier degré. Après, ça dépend si t'es un vrai ou pas. Quoi. Ça dépend, ouais. Ok, Bob. Un homme qui va aller en très difficile, regardez-le. On est dans la merde, Gotha. Allez, Bob.
Casse-cou. Je suis dernier, frère. Ok, Bob, très difficile. Très difficile. Ok, Bob. Là, il n'y a que des 8 points et un 4 points pour Fanta. Bob, tu vas oh non. Il s'est fait. Il s'est fait. Oh non, Bob. Twist. Oh non, Bob, il s'est fracassé la cheville. Ok, Squeezie qui va sauter. Là, il a officiellement perdu. Attends, j'aurais pu faire comme vous et viser les endroits vides, mais il faut viser les endroits pleins. C'est ça qui est sur Z. Ok, Bob, mais t'es quand même mort. Ouais. Bien joué. Oh, Squeezie, bien joué. En fait, en l'air, il a pas fait exprès. Ok, Kamel. Tout était calculé. Ok, Kamel. J'ai du mal à y croire. Kamel 3-6. Les champions d'Europe. Juste tourner la souris. Ouais, ouais. Allez, Kamel 3-6. 3-6. Bien, ouais. Il faudrait qu'il y ait des points de trickshot. Genre quand tu fais des points. Ok, c'est à qui là? Ok les gars. Gotha. Gotaga, Gotaga, très difficile. Très difficile. Ah, Gotha, je sens que je sens que je base. Oh, il l'a eu ou pas? Ah, il est mort. Il a trop le seum. Ok, très difficile, trick shot, go. Sans regarder. Putain, j'ai touché le bon vent. Non, je regarde, regarde. Oh, ah. Oh oui. Oh, il est beau. Oh, elle est belle. Elle est belle. Ok les gars, je c'est Roi moi. Les gars, prochain saut, je le fais. Attends, mais comment ça, c'est Roi à Gotha? Ouais, c'est aléatoire, ça là. Ils ont dit quand t'es vraiment boosté, genre, faut ils te redonnent une chance quand t'es vraiment nul, quoi. Ouais, bah. Trick shot. Trick shot. Attention. Oh non. Oh non, il est trop nul. Il est trop nul, Gotha. Là, je suis pas. Arrête de faire des 3-6. Saut aveugle. Oh, Kamel, saut aveugle. Oh, sois aveugle. Oh, 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 non, non. Moins 7 points. Moins 7 points. Allez, moins 7. Pourquoi il a eu moins 7 points? Bah, ouais, parce que si tu vas en haut, tu peux en gagner plein. Mais si tu te fails, t'en perds plein. Tout le monde se fout de la gueule de Fanta d'avoir fait un petit saut, tu vois, mais il est dans le top 5. Ouais, c'est vrai que Fanta. Je vous propose un nouveau trick shot. Il s'appelle le hyper speed sensibilité. C'est quoi ça? Waouh! 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 C'était nul! Non! C'était un prêt! Moi, c'était un prêt! Moi, les gars. Oh, le 6 points! Oh, Fanta! Fanta, il a calé! Fanta, il est là pour les puntos! Fanta, il sécurise! Fanta, il est en full try! Ouais, t'es où? Allez, Michou! Michou, 3-6, hein! Allez, possible, moi, moi, moi j'ai aucune couille mon pote. Oh, il oh, oh non. Oh non. Oh, oh bien c'est joué. Honte, c'est une honte des tryharders. Bouh. Bouh. Eh, je vous baise en attendant. Eh, mais moi je joue jamais en fait. Il a dit je vous baise. Ah, bah, en vrai, c'est ça. Enfin, c'est mon tour si tu veux. Allez, Bob. Oh là, va, je suis tombé un peu tôt là. Oh, oh, ça passe. Oh là là. Bien joué. Et là, ça va devenir dur. Voilà, ça va devenir chaud. Kamel, on a un point. Ouah, je m'en fais exprès. Oh, oh non. Moi combien? Squeezie, moi 3 points. Il a sauté tout en bas. J'ai pas fait exprès. Mais du coup, tu perds juste des points, tu meurs pas. Je voulais mettre hein. T'as pas perdu. Ouais, tu perds juste des points. Tu perds des points. Oh non. Mais pourquoi? Tu perds des points et tu perds aussi l'occasion d'essayer sur ton tour. C'est-à-dire que non seulement tu perds les points que t'as pas gagné. Non mais c'est lourd. On a vu que vous avez bien regardé le trailer du jeu. Merci les gars. Pourquoi je vois ni Kameko ni Gotha dans le classement? Parce qu'on a pris des risques. Parce qu'ils sont 7e et 8e. On a pris des risques. Il y a des gens pas fun qui sont en train juste de faire. C'est à toi, Fanta. C'est à toi. C'est une soirée fun en fait. Fanta, premier étage. Fanta, premier étage. Est-ce qu'il va se fail? Est-ce qu'il va le faire? Il va j'ai les kikous qui scandalisent sur mon Discord parce que j'ai fait le petit machin. Donc ils sont vachement malins. Oh! Oh, bien joué, Fanta! Bien joué! Ah non, Fanta, il a. Non, mais oui, non, ah non, moi, 3 points, je pensais qu'il l'avait eu! Putain, merde! Ah, t'es une merde, ouais. Ok, attends. Bon. Eh, regardez! Le petit trou, là. Regardez, ouais. Là, je vais viser le. Tu vois le milieu, là? Il n'y a rien! Ouais. OMG? OMG, Inox? Oh non! Putain, j'y étais presque! Je le fais, le milieu. Vas-y, vas-y. Je sais pas, moi. Putain, j'ai perdu trop de points. Je sais pas. Moi, je le fais. Bob, je le fais. Bob, très difficile! Bob, si t'as attention, le petit trou Bob. Là, c'est merveilleux. Bob, le trou au milieu, Bob. Il va le tenter. Hein. Il va le tenter. Bob, le trou au milieu, Bob. Oh non. Oh là là là. Qui a les couilles de faire le trou au milieu? Moi, je le fais, moi. Je le direct. Gotha, fais le trou au milieu si t'es un homme. On est obligé, de toute façon, on a un point. Oh, j'étais sur un millimètre. Ah non, non, non. Il est trop nul. C'est mauvais. Kamel. Le trou au milieu. En très difficile, le trou au milieu. Ouais, il est ultra dur, le trou au milieu. Non, il va l'avoir. Kamel. Oh non. Aïe. Les gars, je vais vous montrer comment on fait parce que. Et toi, le trou au milieu. Et toi, il va l'avoir, les gars. J'analyse. Putain, mais je peux jouer à ça toute la nuit, frère. Eh, les gars, pourquoi c'est aussi bien alors que juste on tombe sur des blocs? Attention. Oui. Oh, il l'a eu. Oh, le tryharder de
la soirée qui a ramené sa souris exprès. Il l'a eu. Ah bien joué. Ah bien joué. Exceptionnel. Il y a un autre au milieu là. Ouais, il y a un autre au milieu. Waouh. Ok, je fais l'autre au milieu. Ok, c'est bon. La mis en très difficile. Un max de GG pour Étoile qui vient de faire le clutch. Et si je saute là, je vais aller trop loin. Putain, mais Étoile, il est monté. Tu peux sauter. Là, ce que je Squeezie, là, faut que tu l'aies. Plus 14 points, ça va bien. Et Squeezie, Squeezie. Oh, oh, oh là, elle est belle. Non, attendez, elle est très belle. T'es premier là. Je me suis fait doubler. Premier, Squeezie. Je peux pas laisser passer ça. Continue. Allez. Vas-y, Mich, vas-y. Bon, Mich, je prends un petit truc safe, comme d'hab. Michou, va ouais, mieux. Ouais, ouais. Ah, il met la pression, ce pote. C'est pire que Bad Wars. Je peux pas laisser passer ça, frérot. Mais Mich, allez, allez. Prends le rebord, moi. Michou, laissez le rebord. Oh, oui oh, là, elle est magnifique. Le coin, il rapporte oh tellement le coin. Oh, oh, mec, oui, t'as eu 13 ouais, points. Oh, le coin, c'est une dinguerie, c'est pour moi. Je suis dernier, je suis en chance de ça. Putain, Michou, incroyable. T'es pas dernier, t'es pas dernier, t'es cinquième. Il y a le septième. Ouais, t'as un accident là. Mais Ocamel, c'est quoi ça? Il y a un big accident là, ouais, à côté. Pourtant, t'étais à 10 mètres du rebord, frotté, t'étais dans les gradins de la map là. Il a louché. Attends, pourquoi c'est encore à moi? Demande le match de foot là. C'est encore à moi? Ah, mais je vais à toi, Michel. Dans les grades. Ok, les gars, je vous montre, je finis à 50 points. Allez, allez. Il va rater, il va rater. Elle est belle. Hein. Oh, il est trop belle. Elle est belle. Hein. Fort. Ah, non, c'est, chaud. C'est mon mode en fait. C'est le meilleur joueur du monde. Quelqu'un essaye de faire le coin, je le respecte. Moi, je le, pas. On joue le coin là. Ok, Bob. Bob, c'est ton jeu. Oh putain, très difficile. C'est Bob, ton jeu. Un bonhomme. Ah, Bob, un c'est bonhomme. Ton jeu. Un bonhomme. Bob, il le tente. Bob, c'est maintenant. En le pur coin. Bonhomme. En pur bonhomme. Le coin. Oh putain. Oh Bob. Un bonhomme. Oh là là, elle est belle. C'est trop beau. Oh là là là. J'ai 0 points ça. Ok, Squeezie. Je tente lequel, attends. Squeezie. Le coin, le coin. Le milieu, le milieu, le milieu. On va tous. Le coin en bas à gauche là ou pas? Ouais, le coin tout isolé, tout seul. En bas à gauche? Bah, il y en a que un où il y a une case dans le coin. Ah non, c'est tout en haut. Ouais, ouais. Ah ouais, lui c'est tout en haut. C'est le max de points là. Hey, okay, si tu fais celui-là, je te respecte. Celui qui fait ça, il a gagné, je pense, celui-là. Ouais, c'est 50 points. Oh putain. Michou, t'as 45 points, Michou. Attention, oh, oh, oh. Ouais, le rouge du ciel. Non, dommage. Là, je vais faire ce coin, frérot. Ok, vas-y. Après, dès que c'est à moi, je fais ce coin. S'il te plaît, fais-le. Dès que c'est à moi, je fais ce coin. Eh les gars, moi, ça fait une heure, j'ai pas sauté. Ah, mais Gotha, il a pas joué depuis une heure et demie. Mais moi, j'ai pas sauté depuis une heure. Parce qu'en fait, vous faites t'es obligé, t'es obligé de jouer une fois par tour. Voilà, c'est aléatoire. T'en fais. T'es prêt, Kamel? Ouais, nous, on tente, nous. Comment t'es prêt? Moi, je tente des choses. Bah, t'as zoom sur Optifine. Genre, tout le monde a le zoom. Non, mais il est. Il a installé Optifine. Mais tout le monde a Optifine. Et Étoile, c'est de la triche. Tout le monde a Optifine, frère. Tout le monde peut zoom. Bah mec, il a codé 3 bots, tu sais, pour... Le coin, pour le coin à coup, donc, quoi. Le coin, le j'ai raté, hein. Bah t'as fait comment oh. T'as détruit le coin. Non mais le coin, il est trop chaud. Ah oh, non, on peut plus y aller, je l'ai plus y aller. Le milieu, il y en a deux au milieu. Ah ouais. Non mais il y a un petit coin à gauche. Ah ouais, il y a un autre coin à gauche. Il y a en bas à gauche et en bas à droite, c'est des coins, les gars, vu d'en haut. Non, parce qu'il y a plein de... Est-ce que c'est des coins, quoi? Le, en bas à gauche, c'est un vrai coin. Aïe, 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 à deux doigts de désinstaller le serveur. À deux doigts de quitter le live. Non, les gars, je vais peut-être le vient de te coûter une contrat, si tu veux. Eh, mais vous êtes en train de niquer tous les coins, les gars. Excuse de tenter des choses. Ok, je vais te montrer comment on fait. Vas-y. Y'a pas de problème. Non, non, s'il en remet un. Attends, c'est à qui là? C'est pas à moi, c'est pas à moi. Kamel, bon, concentre-toi, s'il te plaît. Oh, oh, waouh. Kamel? Kamel? Mais vas-y, frère! Oh, les gars, vous niquez tous les coins! Ah, il est trop Kamel, t'es chaud! Il a zéro point. Non, mais arrête, je suis un bonhomme! Kamel, il a zéro point. Ouais, Kamel, je suis avec toi, on tente des choses! Non, quel truc de fou! Bah oui, frérot, voilà. Moi aussi, je tente des choses! Quoi? Oh, magnifique! Oh, eh, je l'ai eu! Mais non, il s'est pas mis en mais très mais il était en face! Ah, pas mis en truc. Oh, il a mis en face! Oh, le tryharder! Ah, le tryharder! Oh, le tryharder! Tu prends que l'abonnement à 5 balles! Non! Non, Squeezie! Allez, c'est l'heure! Allez, c'est l'heure! C'est l'heure! Voilà! Allez, Bob! Montre-nous! Une grande respiration. On se place, on respire. Oh oui! Oh, il le tente. On demande aux gens de s'abonner à ma chaîne YouTube Bob Lennon. Allez, Bob! Il a bien raison. Elle est pas mal, Bob! Bien calé! Et on plonge! Oui. Oh! Oh, elle est belle! Oh là 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 là! Le roi! Un maximum de flammes! Le roi, frérot! Elle était magnifique! 31 points! Et il me rattrape là! Oh là là! Michou, il faut que tu traques! Ouh là là, ouais. Michou, ne loupe pas, qu'on gagne! Je me loupe pas, frérot! Gotha en bonhomme! Pète-toi une jambe! Pète-toi une jambe! Mais non, je suis un millimètre à chaque fois! Gotha, toi, arrête de jouer, c'est mieux! Eh, parle pas, mon mate! Gotha, Gotha, je te respecte! Eh, Gotha! Voilà! Je te respecte! Fanta! Oh non, Fanta! Oui, c'est bon! C'est bon, il est dans le top 6! Je veux rien savoir! Attends, regardez, regardez, Michou! Non, attends, t'as pas mis très difficile! Super haut! Oh non, il a pas fait exprès, il a pas mis très difficile! Oh non, oh non, oh non, oh
ça me déconne. Oh, ça me déconne. Oh merde, j'ai oublié de mettre difficile. En fait, hey, je m'excuse, et toi, oh, c'est les deux plus gros trucs. Mais ceux qui s'habillent en costard, ils sont moins fun. Wow, je suis pas en costard. C'est vrai. Tu l'as déjà fait. Je l'ai déjà fait, t'inquiète. Ok, c'est qui le prochain, là? Tu l'as déjà fait. Attends, il reste. Tu l'as déjà fait. Mais je l'ai gagné. Bien joué, les amis. Je félicite pas, je félicite pas. Oh là, non, mais comment ça, je félicite pas. Comment ça, comment ça, je félicite pas. C'est mérité. Je félicite pas, je félicite pas. Le chat, t'as vu, c'est mérité. Oh là là, c'est pas grave, c'est pas grave. Je suis pas rageux. Les gars, sur le chat, le mec, il serre pas les mains, mais t'as raison, il serre pas les mains. Tu sais pas jouer. Allez, les gars, on a gagné. Les gars, tu transpires, les gars, t'as pas mis un dé à coudre, t'en as pas mis un. Ouais, Godot, t'en as pas mis un. Attends, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, Non, mais en fait, j'en ai mis un, puis après, on a remake, il a encore commencé. Gota, il a moins 8. Moi, ce que je veux entendre, ce que je veux entendre et ce que je veux savoir, c'est Gota, qu'est-ce que tu as pensé du jeu? Bah, je pense que les gars, vous avez, comme vous avez pu le voir, faut pas prendre l'abonnement, ça sert à rien de jouer à ce mode de jeu. Non, de vrai. Voilà, demandez à moi. Et Michou, t'en as pensé quoi de ce mode de jeu? Héros, c'est le meilleur mode de jeu du monde. Okay. Vendu. Vendu. Bah, non, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé le chat. Hey, non, on repart tous avec un abonnement. C'est pour ça, moi, non, que vous avez le grand. On est super stars. En fait, je vous explique. Non, mais nous, on est stars. Ouais, ah, ouais, c'est vrai, pardon. Même pour tous ceux qui auront le grade star sur le serveur, s'il y en a qui l'ont, j'explique vite fait. Il faut quoi pour avoir le grade star? Non, bah faut. Il faut payer 8 euros sur Twitter. Je vous aime, je vous aime. Non, mais Inox, vu que nous on est venus, on peut avoir un grade genre star plus plus. Ouais, en mode, genre star. Il y a une surprise que j'ai pas parlé. Ah, ok. Oh. Oh. Désolé. Dans le hub, vous avez pas vu, mais à la fin du live, je vous montrerai un truc. Il y a un podium. Frérot, tu ferais gaffe, il y a un. Et il y aura les 3 grands gagnants de la soirée. Il y aura. Les deux grands gagnants en haut, il y aura les moyens au milieu et les perdants dans une tombe sur le hub. Tout le monde pourra vous voir. Ah, vous serez affiché sur le hub. Et tu dis ça à la fin quand on t'entend. Et je vous dis ça à la fin. Attends, mais Inox, faut qu'on gagne. Bah oui, faut qu'on gagne, on sera sur le hub. Non, par contre, t'as un gars parce que tu me dis ça. Je tiens à remercier. Ah, regardez le rageux, il a trop de seum. Quand il est dernier du classement, il nous dit rien. On est mort maintenant. Dans le serveur. Sur le ranking dès le début, en fait. Ouais, et dans le serveur, il y aura nos statuts, les grands gagnants, les grands perdants et ceux du milieu. Bah, et du coup, en il faut que le leaderboard marche. Non, c'est nos skins. Qui ça, en mode. Okay. Tu veux pas les mettre en immense vos skins? Je peux mettre des skins énormes dans le ciel, mais ça va gâcher le hub. Les deux premiers jours, faut qu'on soit en énorme. Zéro, non, pendant un mois, on restera sur le hub. Oh, c'est incroyable. Après, il y a le hub de Noël qui viendra, etc. Ah, bref, les amis, j'espère pour l'instant vous kiffez cette soirée. Et on va faire un autre mode de jeu. Alors, c'est les scores qui sont affichés? Ouais, c'est les scores qui sont affichés. Ah! Kameto, 4 points. Inoxta, 4 points. Bob, 1 point. Par équipe, hein. C'est par équipe. On est égalité, là, ça m'a l'air. En vrai, là, ça m'a l'air carré, les scores. Parce qu'il y a 3 points. Il y a qui? À 1 point? Moi, j'ai un point, donc l'honneur est sauf. Hein, je m'en bats les couilles. Ouais, la raison. Vous êtes dernier, vous, dans tous les cas. Mais après, ouais, ils ont, non, mais ils ont pas fait le premier mode. Hein? Vous avez pas joué le premier mode. Mais de toute façon, Fanta et Bob, j'espère que vous avez kiffé. Moi, je pense qu'on va vous laisser là parce qu'après, on va faire une game du H-Run. Mais en tout cas, merci d'avoir été là. Merci infiniment, les gars. Et on va se faire déglinguer, c'est rien dire. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est si les gagnants, ils ont leur statut, ils tombent, machin et tout. Je veux juste que moi et Fanta, on ait une plaque commémorative qui soit écrite Fanta et Bob et en dessous, tout est de notre faute. Voilà, c'est bon. Ok, ça marche. Je le ferai avec plaisir. Les gars, un maximum de bruit dans le chat pour Fanta et Bob. Ouais, merci. Évidemment. Bienvenue. Les légendes de Minecraft qui sont passées, ça fait plaisir, les gars. Je vous souhaite bonne continuation et j'espère que vous passerez sur le serveur de temps en temps. Et si vous voulez, ça fait plaisir. Voilà. En tout cas, merci. On se tient. Abonnez-vous aux chaînes de tout le monde. Abonnez-vous au Twitch de tout le monde. Abonnez-vous à Twitter. Abonnez-vous chez Fanta. Crypto. Mais vous mettez pas sur ce serveur. Le nôtre était mieux. Voilà. La dinguerie. Je déconne. Ok, c'est bon, il a dit je déconne. C'est bon, il a dit je déconne. Le décor est exceptionnel et j'aurais voulu voler une abeille, si tu veux. Eh ben, je t'en garde une, Fanta. Quand tu passes, je te la donnerai. Ça marche. Les gars, merci d'avoir été là. Nous, on va enchaîner. Est-ce que pour l'instant, vous kiffez? Est-ce que le chat, vous kiffez le live pour l'instant? J'espère que ça vous plaît. Le décor, tout. Merci à la régie encore pour le taf monstrueux. Tous ceux qui veulent. Mais c'est vrai que les abeilles sont belles. Hein. Les abeilles sont très belles. Ouais. Le serveur ouvre demain à 1h dans la journée. Vous verrez. Je vous dis pas.
Donc j'espère que ça va vous plaire. Tous les renseignements sur la chaîne de OneCube, il y a une vidéo qui explique tout le serveur. N'hésitez pas à aller voir, ça fait toujours plaisir. À réagir au live avec le hashtag OneCube. Merci, on est en tendance Twitter, ça fait trop plaisir. Et mettre le pouce bleu sur le live, vous abonner, mettre la cloche, etc. J'espère que vous allez passer un moment sur le serve, la communauté Minecraft. Tous ceux qui veulent des renseignements, allez sur le site. Si vous voulez mettre des ajouts en jeu, créer des nouveaux jeux, vous avez des idées. L'OP est trop longue, frérot. Mais c'est mon propre, ma propre OP. C'est vrai, j'en profite. On en profite, frérot. C'est ma propre OP, frérot. Mais en vrai, les gars, j'espère que vous avez kiffé. Et je vais pas vous faire patienter plus longtemps. Il y a un mode de jeu sur mon serveur. C'est le dernier que j'ai pas annoncé. Je l'avais mis dans le trailer sur le serveur pour ceux qui veulent se remémorer le bon vieux temps. Il y en avait plus des serveurs avec des UHC normales. Oui. Et c'est le retour de l'UHC classique sur le serveur. J'espère que ça va vous plaire. Mais nous, ce soir, on n'aura pas le temps. Parce que l'UHC normal dure 1h30. Faut se stuff. Et après, c'est un peu comme Fortnite. On est 100 sur une map. Faut être le dernier avec une zone qui rétrécit. Il y a une spécificité qu'il n'y avait pas sur les autres serveurs, sur mon UHC, sur OneCube. Les amis, si votre allié meurt, vous pouvez le réanimer dans une zone de réapparition. Un peu comme Fortnite. Les amis, je vous mets avec l'UHC run qui dure 30 minutes. N'hésitez pas à passer sur le serveur, faire l'UHC classique de 1h30. C'est un peu plus long, mais en live, c'est cool. Maintenant, nous, on n'aura pas le temps. Donc UHC run, c'est parti. Explication, let's go. Putain, t'es chaud. En UHC Run, tu apparais dans un monde où les ressources précieuses sont boostées. Tu as peu de temps pour t'équiper, mais ça ne devrait pas être trop compliqué, car il y a beaucoup de grottes. Alors fonce miner. Dans ce monde, des nethers apparaissent sous terre. Pour les trouver plus facilement, fais-toi un briquet. Mine quelques blocs d'obsidienne et mets-les dans une enclume. Tu obtiendras un briquet spécial qui te créera un portail vers le nether le plus proche. Reste sur tes gardes. Ta vie ne se régénère pas naturellement. Le seul moyen de la récupérer est de manger une pomme en or. Prépare-en un maximum. Pour te faciliter la tâche, les arbres se cassent automatiquement. Au bout d'un certain temps, le PVP s'active. Prends garde à la bordure qui réduit, déniche tes adversaires et tu l'es. La dernière équipe en vie gagne la partie. Diamants sont à toutes les couches. Est-ce que vous avez tout compris, les amis? Les diamants sont à toutes les couches. Attends, moi j'ai juste pas compris bien vraiment le portail du Nether, genre. En fait, pour aller dans le Nether, vous pourrez pas créer un vrai portail comme d'habitude. C'est pas 9 blocs d'obsidienne. Vous devez miner 6 obsidiennes, mettre un briquet dans l'enclume avec les 6 obsidiennes et ça vous crée un briquet spécial. Vous le posez, ça crée automatiquement le portail. Ok. Et les Nether, et pourquoi aller dans le Nether juste pour avoir des potions de soins, potions de vitesse, etc. Nous concerne pas. Voilà, c'est ça. Les nethers, vous pouvez en trouver comme par hasard dans les grottes aussi. Ouais. En fait, ils sont sous terre, les nethers. Pareil, si vous trouvez de l'émeraude, vous pouvez la miner, ça vous donnera des fioles d'XP pour vous claquer pour les enchantements et tout. Voilà, tout est accéléré, il n'y a pas besoin de four. Oh non, non. C'est connu. Excuse-moi, Inox, j'ai un élan de nostalgie, je suis sur le hub et ça me rappelle trop de souvenirs. Là, regarde, pour les anciens, là, si quelqu'un peut mettre la pauvre. Ah oui, oui. Oh là là. Les souvenirs. J'ai fini d'expliquer, les amis, et on va lancer. Attends, mais on est super nombreux. Non, bah oui, là, les gars, c'est des games à 60, 100. C'est en duo. Ah oui, c'est en duo, les amis. Rejoignez bien le mode duo. Est-ce qu'il y a une immunité au début? Non, oui, au début, il n'y a pas de PVP, ça s'active au bout d'un certain temps. Ok. Après, on va tous TP, il y aura une zone. Tu peux aller dans ta grotte et après ça va te TP. Voilà. Le but, c'est de stuff pendant 19 minutes, 20 minutes. Ok. Et après, le UHC normal, c'est beaucoup plus long. Par contre, perdez pas de cœur. Faut que des pommes en or pour pouvoir régénérer les cœurs. Okay. Faites attention, les amis. Et pour tous ceux qui demandent, le serveur, il y aura des UHC normal, mais j'ai une bonne nouvelle. Tous ceux, il n'y a pas vos modes de jeu préférés. Peut-être dans le live, j'ai pas présenté vos modes de jeu. Peut-être qu'il y en a, ils auraient voulu du rush, du Ika Brain, etc. J'ai une bonne nouvelle. Je vous le dis maintenant. Toutes les semaines, tous les mois, il y aura des événements spéciaux. Il y aura un PNJ sur le hub, ou par exemple, pendant une semaine, il y aura le Ika Brain sur le serveur. Donc ça restera pendant une semaine et ça partira pendant deux mois. Ça reviendra peut-être. Oh, c'est incroyable. Il y aura aussi, j'ai vu une grosse communauté FreeCube qui attendent le FreeCube. Il y aura FreeCube sur le serveur, vous inquiétez pas. Mais dans un mois environ, il y aura un nouveau jeu sur le serveur. Ça sera à vous de le choisir. Vous verrez, soyez à l'affût sur le serveur. Il y aura quelque chose dans le hub, il faudra faire votre choix. Il y aura deux jeux, ça sera à vous de jouer. Je vous dis pas les noms des jeux, c'est la surprise. Mais en tout cas, même pour les UHC, tu vois, Étoile, toi qui aimes UHC, des fois il y a UHC loup-garou. Enfin, je sais pas. Il y aura des scénarios, ok. Il y aura des UHC scénarios, mais pas tout le temps. C'est-à-dire, par exemple, le dimanche soir, des fois on mettra. Ça sera des événements. Pour comme ça, les gens ils se lassent pas, c'est pas chiant. C'est bien ça, les modes de jeu temporaires. Voilà. Cool. Est-ce qu'il y aura des modifications par rapport au temps? C'est-à-dire, est-ce qu'il y aura des UHC 1h30, des UHC 1h des fois? Je pense que oui, il y aura des UHC. Moi j'ai envie, mon but c'est de faire des UHC à 100. Là c'est à 60. Ouais, trop bien. Mais il y aura des événements à 100, on va tester. Il y aura des ajouts, des retraits. Des fois il y aura des discounts de 10, des équipes de 10. En fait, il y aura plein d'événements. Tu seras à l'écoute, quoi. Voilà, je serai à l'écoute. C'est vous les gars qui choisirez. Et le support du serveur, c'est quoi? C'est ton Twitter? Le support du serveur, pour tous ceux
qui veulent, il y a le site, donc oneq.com. Il y a un forum, d'accord, un peu à la Discord. Tout le monde peut créer un article. Il y a un Discord d'ailleurs. Il y a un Discord, voilà. N'hésitez pas à join le Discord dans la description. Les gars, c'est là où tout va se passer. Toutes les actus, le Twitter, OneCube. Rejoignez tout maintenant, abonnez-vous. Parce que c'est là où il y aura toutes les infos sur les nouveaux jeux. Il y a même un YouTube. Il y a même un YouTube, il y a une vidéo explicative du serveur. N'hésitez pas à aller voir. Et tu vas mettre toutes les petites vidéos d'explication. Ouais, je vais tout mettre. Il y a déjà une vidéo exclusive que je viens de mettre. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Et tous ceux qui veulent des modes qu'il n'y a pas sur le serveur, vous inquiétez pas. Il y aura des événements spéciaux, il y aura des jeux. Et comme je vous l'ai dit, il y aura 8 jeux définitifs sur le serveur. Là, il y en a 3. Il y en aura 8 à la fin. Et avec plein de petits jeux qui s'enchaîneront toutes les semaines. Pour ceux qui veulent. Voilà, j'espère que ça vous plaît en tout cas. Oh, t'as créé un empire là. On a que le là dans le serveur. Donc voilà, voilà, voilà l'équipe. Bon bah c'est parti. Inox, j'arrive, je vous rejoins. On se met dans la team Ra. Donc UHRun, team Ra, vas-y. Alors attends, UHRun. J'ai vu les teams, c'est des animaux. Duo. Hop là, team Ra. Elle est où? Oh, MG, c'est la première, la première. Mon pote crame comme un entraîneur. Ok, vous êtes tous dans vos teams les gars? Combien? Ouais. Vous êtes team quoi, Squeezie et Gotha? Nous on est des chiens, nous. Team chien? On est team énorme chien. Ok, les chiens, ok. Et vous êtes quoi les gars? On est les koalas. On est la team koala. Ah, ok. Oh, ils sont mignons, puis après ils te niquent la gueule. Exactement. C'est ça un koala? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est globalement à peu ça. Près. Les amis! Wesh! À partir de maintenant, ça passe en mode tryhard. Attends, mais comment ils font? On est. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, c'est la petite queue, ils font la queue. Ouais, c'est la queue leu, on s'en fout. C'est trop stylé. C'est trop bien. Les amis, à partir de maintenant, c'est du tryhard. Chacun va parler dans son vocal. Oh, c'est vraiment un Fortnite. C'est le top 1. Il n'y a que ça qui compte. C'est la survie. Stuffez-vous bien. Pas d'animation, c'est que du dur. Ouais. Le chat, dites pour quel team vous êtes. Les modes de jeu temporaires. C'est, le dernier mode, c'est l'idée du siècle. Bah, merci. Ouais. Non, c'est l'avant-dernier. Il en reste. Et après, on refait un Bed Wars. Peut-être. Allez, les amis, c'est parti, let's go. Mon pote crame. Moi, je merci les gars. Je me désabonne du serveur hein, s'il n'y a pas un Bed Wars. Non. Fais un dé à coudre. Non mais en tout cas les gars, même si vous voulez jouer quelques semaines et vous voulez vous refaire des soirées, non, mais moi je serai là les gars. On va plus s'entendre. Demain 10h30. Demain 10h30 t'es dessus. Ah, on vous entend plus. On s'entend plus. C'est parti, c'est le tryhard. C'est le tryhard, mon Chiro. C'est le meilleur mode de Minecraft. Là, il y a quand tu pètes des arbres, là prends plein de pommes, tu des mobs. En fait là, le truc qui est bien, c'est que ça reprend. Les arbres ils se cassent tout seuls. Bah oui, c'est UHRN, tout va vite. Ah, je connaissais pas. Dans l'UHR normal, ça se casse pas vite. En fait, là, ce que j'aime bien, c'est que ça reprend même les bases de la survie. Oh, c'est bien. Ouais. Et la survie, c'est un peu mon point fort. Là, tu vas être peut-être plus à l'aise. Genre. Ouais, de ouf. J'avoue que ça. Attends, la casse bien les arbres. Tous les arbres, faut des pommes. Faut qu'on ait au moins 10 pommes. Ah oui, faut faire. Ouais. Mais attends, mais le stuff il est enchanté. Bah ouais, le but c'est d'aller vite. Normalement, est-ce que ça va faire ce mode là il est connu, on l'a pas fait. Le mode tu fais le truc. J'avoue, moi je dis. Ah ouais, ok, t'as. Il y a plein de gens, je pense que. Ah ouais, bien sûr. C'est la base. Mais tu sais qu'avant il y avait pas ça. Je vais prendre 10 cuirs et ciao. Vas-y. Il y a des ports là à côté. Je pourrais te donner un avis ultra extérieur. Ouais, de ouf. Carré. Pour l'instant, je kiffe de ouf. Bah ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir. J'espère que la commu Minecraft kiffe. C'est un peu des trucs un peu que tout le monde a déjà vu, mais c'est le début, tu vois, c'est l'ouverture en bêta. Je peux pas sortir tous les trucs que j'ai en tête, mais j'espère qu'en attendant, ça va leur plaire. Et de toute façon, je leur ai dit, il y a une mise à jour par semaine sur le serve, donc j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte. Le chat, vous m'entendez? Tout est bon? Oh, c'est 15 minutes, mec. Et il y a du diamant à toutes les couches, ce mode? Ouais, toutes les couches. Trouve de la canne à sucre, Mich? Ouais, t'inquiète, mais... Il faut ça, là? Ouais. Vous entendez? Ah, la régie, est-ce que vous pouvez mettre tout le monde en séparé? Vous pouvez gérer les micros pour pas qu'on nous entende tous en même temps? Parce que là, la régie, le chat entend tout le monde. Ah, c'est fait. Ok, parfait. C'est mieux le son, le chat? Pourquoi le chat me dit bug? C'est eux qui disent ça ou... Il n'y a pas d'alternative. Je sais pas si ça bug. En fait, c'est soit ça, soit un village. Le chat me dit bug. Moi, j'essaye d'aller trouver du diamant direct, Inox. Hein? J'essaye de trouver du diamant. Moi, faut que je trouve des cannes à sucre, gros. Est-ce que le chat, tout marche, le son, là? Ouais. Putain, mais je crois rien. J'ai de l'or. D'accord, ok. En fait, faut que quand vous êtes sur la pof de moi, Michou, vous mettez que notre voix. Quand vous êtes sur la pof de Kamel, machin, vous mettez que leur voix. Ah bah parfait. Oh, mais l'or, ça vient direct en lingot et tout. Oh, c'est une dingue. Ah. Non, le chat, c'est normal si vous entendez tout le monde en isolé. Là, on est en mode tryhard. Ça veut dire ils vont switch les pofs. La régie, on va pouvoir faire des pommes en or. La régie va faire en sorte de switch les pofs fréquemment pour que vous puissiez entendre tout le monde. Ah, là, mec, c'est du charbon. Trop bien. Demande-leur dans le chat, dis-leur de la canne. Les directs des torches, le charbon, je veux vos retours. T'en as trouvé, toi? Non, mais genre, si tu croises des gens, tu vas devant eux, tu leur dis demande la canne. Non, mais ils sont descendus déjà. Attends, moi je vais bouger un peu. Les gars, moi qui a un peu. Ah, moi j'ai bougé de baiser. L'évolution d'Inox en mode, je le voyais dans ce studio tous les soirs, il est en appel avec les. Tu veux des torches?
T'as trouvé du charbon? Ouais, j'en ai, j'ai plein de torches, j'ai 50 torches. J'attends, fais attends. Vas-y, t'inquiète. Comment je. Vas-y, t'es obligé de split pour la cadavre. Ah ouais. Ok, Mich, tu mines? Ouais. Vas-y, au pire, faut. Tiens, attends, je t'en ai mis par terre, vas-y. Parfait. Il y a de la. Du charbon, ça te donne direct les. Vas-y, viens, on va. Vas-y, bah ouais, direct. Trop bien. Vas-y, cross. De toute façon, au début, y a pas de PVP. La régie, n'hésitez pas à switch sur les autres POV, hein, pour qu'ils voient un peu tout le monde. Non, parce que je crois qu'il y a que moi, je me vois dans le retour. Non, t'inquiète. Ah ouais, j'ai pas ramené ou pas. Là où j'ai fait mon truc. Elle est où la canne à sucre? Y'a pas de canne à sucre? Mais là, bah, attends, vas-y, je remonte, on fait un plein de bouffe et après on. Y'a pas de canne à sucre? C'est d'être full, vraiment full. Ça dégoûte. Full diamson. Et les poulets. Je trouve Carmel, t'es tellement en place. Mais y avait des poulets. Les poulets vilainceaux, les coups de souris. L'or, tu prends. Là où il y avait les arbres, il y avait des poulets, mec. En fait, le must, c'est de trouver vache cochon. Non, je crois. Qui donne le plus de viande. Pas d'assurance. Okay. Pas d'assurance. Et quand tu cours, ça te nique plus de. Ouais. Mais là, tu vas faire nuit, donc il va plus rien avoir. Bah, mec, je suis en train de. Ouais, j'ai bientôt plus de bouffe et j'ai aucune viande. Moi, je pense que l'UHC run, c'est déjà mon mode préféré. Je vais t'en passer un petit peu là, je trouve des poulets, mais. Ça va tryhard, ça. Là, il va y avoir des mobs en plus. Je suis dans une maxi merde, frérot. Mais gros, tu vas. Le UHC normal, tu vas kiffer. Hein. C'est une heure et demie et c'est pas rapide, tu vois. C'est tout à la main. Et attends, UHC run, c'est un mode qui est dispo sur le serveur ou c'est que pour nous? Non, les deux. Ils sont tous dispo. Ok. Ah oui, donc l'UHC normal, je pense que je vais trop aimer, moi. Il y a UHC run et UHC normal. Moi, j'avais testé UHC normal aussi. Parce que moi, c'est mon truc préféré, recommencer des nouvelles survies. Comme là, ça reprend un peu le délire. Genre, sur LOL, le mode ranked et là. Bah, c'est ça. Parce qu'en fait, t'as beaucoup. Kamel, tu vas kiffer le UHC normal. Attends, en live, ça te prend une heure et demie. Faut qu'on fasse ultra bénéque aux zombies. Attends, mes communications. Ouais, j'entends, puis t'es à côté de moi. Bien sûr que j'entends. En fait, c'est normal, chaque fight que tu prends, c'est ça. Ouais, il y a la tension. Mais ce qui est bien, Étoile, c'est que là, tu vas avoir un peu plus de couilles comme tu peux réanimer ton pote. Bah ouais, oh le bâtard. C'est cool aussi, mec. Ouais, faut pas commencer. C'est. Y a pas énormément de cannes sur le serveur. Et chichi, ça va faire que les stuffs ils sont pas broken. Le gold est encore tendu, quoi. Après, c'est juste qu'on a pas eu de chance, je pense. Bah non, en vrai, je pense que la génération elle est moins élevée. En vrai, c'est mieux. Si tu veux miner, trouver des grottes couches. Je trouve pas grand. Enfin, je trouve une grotte, elle est dure. Moi, j'aurais pu tenter la MLG pour les kills. T'as du diams, toi ? Non, pas encore, mais t'inquiète. Ok. T'as trouvé des diamants quand même pour l'instant ? Le chat, vous voulez quoi comme prochain jeu sur OneCube ? On va voir si j'ai touché bon. C'est couche 11 le diams, hein ? Ouais, couche 11. Après, encore une fois, en UHC run, c'est toutes les couches, mais. C'est bizarre. Ouais, c'est mieux couche 11 quand même, quoi. J'ai pas trouvé les. Bon, j'ai pas de grotte, c'est ça qui me fait chier. Ouais, moi aussi, j'ai pas de grotte. Oh, j'ai de la redstone, c'est important ou pas? Hein? C'est nul à chier la redstone, non? La redstone, nul à chier, ça sert à rien. Okay. Ça donne des niveaux en vrai. Hein? Ça donne du level. Ouais, voilà. Ok, il y a un lac de lave sur moi. Eh, hey, mais il y a le. Ah non, il y a pas la double. La double quoi? Le double inventaire. C'est genre, quoi, je peux pas prendre deux trucs dans les mains. Non, bah non, t'es en 1.8. Ah, t'as fait ton serveur genre à l'époque? Ouais. C'est stylé. Non, tu peux te connecter en 1.9 sur le serveur. Mais c'est le PVP de l'1.8. Ok, d'accord. Après l'1.8, ça a changé, c'est plus les mêmes mécaniques. Ouais, genre là, faut spammer pour faire mal. Ouais, c'est ça. Genre après, en autre version, tu vois, faut attendre 2 secondes de cooldown, je crois, à chaque. Okay, je vais faire le portail du Nether. Michou, je vais aller chercher les potions. Toi, ça, je te laisse gérer, frérot. Moi, dans le Nether, je vais mourir. Vas-y, je vais le faire. Je vais le faire. Moi, je charbonne pour avoir du mec. T'inquiète, moi je pense que là je vais. Max de diams. Je me mets juste full diams. Tu t'en souviens juste du quoi? Du build. Ouais, de. Pour faire quoi? Ah ouais, t'inquiète. Pour le Nether. T'inquiète, frère. Tu fais pas conf. Si, j'ai carrément confiance. Tu fais pas conf, mais. J'ai carrément confiance, moi. Là. Mais alors, carrément. Le mec il s'est accueilli. Mais frère, tu sais que je suis tellement habitué à avoir la lumière de fou. Ouais, que même avec les torches, je vois rien en fait. Ah, c'est bizarre. Oh, le diamant. Oh, le X-ray. Oh, le X-ray. Parfait. T'en as eu de fou. Oh, gros, je suis full diams, c'est une dinguerie. Je suis full diams et j'ai de quoi te mettre bien aussi. Ok. Essaye de te faire une pioche en fer pour avancer un peu plus vite. Je prends la pilasus au cas où pour l'XP. Tu veux pas que je fasse armure en fer et épée en fer comme on s'en bat les couilles, tu vois? Ah oui, si, fais. Le fer, tu l'utilises de ouf, on s'en fout. Non, mais j'ai trouvé du diamant. Parfait, prends-en massin. Oh, ça fait plaisir. Oh, ça fait plaisir. Putain, il faut du fer, fais chier. Putain, bon, j'aimerais bien trouver une grotte parce que là, si j'en trouve que un par un, je vais galérer.
J'ai vu du Fallen Kingdoms dans le chat. Frérot, on a 12 diamants. Merci pour toutes vos donates, les gars. Je peux pas remercier tout le monde, je vois pas. Mais j'ai vu un Fallen Kingdoms dans le chat. À tes souhaits. Merci, les gars. Ça se passe bien. Et vous, tout va bien? Ça sent très bon. Ça va très bien. Est-ce que vous passez un bon moment? Bah, évidemment. Ouais. Bah, c'est bon alors. Le moment est ouf. Ok, vas-y, je continue de pioche en 16. J'ai re du bon char, mais on s'en bat les couilles. C'est en 11 que je dois aller, on est d'accord? Ouais. Ah mec, j'ai re du fer, je crois. C'est bien, c'est bien, continue. J'ai une grotte, frérot. T'as une grotte? Oh non, mais c'est une mini grotte, c'est de la merde. Moi, ça fait chier. Je peux pas. T'as, j'ai que 26 jams, dis-toi. Hop, comme ça, tu sais que. Tu sais que c'est la hesse ou c'est l'aile. Ah, vous, tu vas dire la prochaine note du serveur, le chat. Hein, la pilazuli, ouais, faut que t'en prennes. Gotha, si tu veux du diamant, le mieux c'est de trouver des grottes. Mais vrai, tu lui dis. Gotha, le diamant c'est couche 24 qui en a le plus en UHC run. Ouais. Vraiment? Non. Vraiment ou tu mens? Kameto est mort, toile, c'est pas fini. Kameto, tu peux aller le réanimer. Oh non, Kameto! Frère, il y avait un truc de lave! Il y avait un truc de lave caché, wesh! La vie de ma mère, il y avait un truc de lave caché, frère! Non, mais tu sais pourquoi il meurt? Il mine sous ses pieds! Non, bonhomme! Wesh. comment je peux le raise? Tu pourras le réanimer quand on sera tous téléportés. Deux minutes après, il y a des zones de réanimation qui apparaîtront. Donc. Non, le but c'est que tu lui prépares son stuff, étoile. Eh, on sait dans combien de temps on se fait téléporter. Ah ouais, ça me... Oh non! Quoi? Squeezie? Il va mourir. Oh là là, non mais c'est trop. C'est catastrophique. Moi je propose un double revive. On va gagner. Moi je suis pour le double revive et je suis impartial sur ce choix. Squeezie, faut attendre la TP. Inox, regarde-moi ça. Regarde-moi ça comment c'est beau, frérot. Regarde ça comment c'est beau, Inox. Oh là là, oh là là, il y en a plein. Qu'est-ce qu'il y a, Mich? Frérot, on est couvert de diamants. Ah ouais? Ouais, que du diams. Que du ice, frérot. Ça va? Ouais. Tranquille. Moi, je voulais juste spec la game pour avoir une vue d'ensemble, quoi. En plus, tu peux traverser les murs. T'as dit quoi? Vas-y, go team. Vas-y. Ça va, moi, ça fait une meilleure équipe. Direct dans la grotte. Je pense. Normalement, on peut pas avoir de réa, mais non, je vais demander. Non, comment ça? Si Ben. Si, les gars, si vous êtes pas réa dans 3 minutes, c'est qu'on peut pas. Et que vous devez aller à une zone de réanimation. Mais vous inquiétez pas, hein. Étoile. Moi, je pense que Inox, pour qu'on comprenne bien les zones de réanimation, il faut qu'il se fasse pas réa. Ouais, en vrai. Gotha et toi, le mieux c'est que vous allez à une zone de réanimation, comme ça les abonnés ils peuvent voir. Voilà, je suis d'accord. Je réanimerai pas Squeezie parce que moi je suis vraiment à un niveau amateur. Après, toi, vu qu'il est trop fort, il arrivera à réanimer Kamel, c'est vrai. Non, arrête de sous-estimer, Gotha. Arrête de sous-estimer là. Ah, mais il se sous-estime vraiment pas, t'inquiète. Il se sous-estime pas, frère. Putain, je suis désolé, Rayou. Y'a aucun problème. Il y avait un petit coin, je le savais en plus, ce coin il me disait viens pas. Y'a aucun problème, Kram. Y'a tellement de problèmes, frère. Y'a tellement de problèmes de fou, Kram. Merde. Wesh, il m'a donné. Oh, trop marrant. Je le déteste. Là, j'ai trop. Frère, regarde les gens qui me donnent du sucre. On a compris pourquoi tu me donnes du sucre, toi. Hein. Je fais, hey, gros, lui, je retiens son pseudo. La vie est terminée, frère. Je sais pas comment on gagne cette game, Kamel. Hein. C'est à la téléportation, t'attends 2 minutes. Tu suivras les flèches. À droite, ça te dira cube de réanimation. Rien? Hein? C'est gratos pour réanimer. Ah, mais c'est gratos? Ouais, juste fais le stuff de Squeezie, sinon tu pourras pas. Regarde, alors là je me fais un briquet, je vais aller dans le Nether, Mich. Ouais. C'est parti, le portail il se crée. Ah, mais tu fais un portail comme ça? Ouais. Quoi? Mais il se crée. Test! En fait, j'ai mis ma main sur ma souris. J'ai appuyé clic droit. Tu peux rejoindre la game normalement. Ah ouais? Comment je fais? Bah, reviens, je vais aller faire clic. Je sais pas si ça marche. Oh non, on me dit pas que t'as quitté. Il a quitté, frère. Tu peux revenir. Kamel, t'as quitté? Non mais les gars, vous êtes vraiment les pires mecs pour mettre en avant un serveur. Ah, je suis vraiment un âne. Oh gros, y'a rien dans Kamel. Bon bah voilà, ne faites pas comme Kamel si vous jouez. Putain, mais vas-y. Je me suis entraîné et tout, je suis quand même le pitre, je suis tué de pleurer. Ouais. Comment on fait pour le briquet? Un petit dé à coude? Il faut un flit.
Viens, on quitte, on relance un dé à coudre. 6 obsidiennes, un briquet dans. Tu nous autorises à faire un dé à coudre en attendant tous les deux. S'il te plaît. Oh la noob, frérot. Il joue au dé à coudre le matin. Kamel. Oh non, t'inquiète. Ça, frérot. Je vais dégager, j'en profite le temps que je sois à respawn par tes. Vas-y, pas de soucis. Inox, Gotha qui va respawn. Je vais remonter, on a assez de diamants. Ok, tu remontes à assez de diamants? Ouais, largement. Ok, parfait. La canne à pêche? Ouais, j'ai pas de canne à pêche et j'ai pas de quoi faire le. Le nether? Le nether parce qu'il y a pas de gravier. Il reste quoi? Tu peux t'enchanter? Non. T'as des livres et tout? Bah. Pas d'obsidienne. Bah, farm de l'XP, moi je. Je suis en train de chercher des blaze rods et tout pour faire des potions. Tu crois que je farme de l'XP là? Hein? Je farme de l'XP, c'est le mieux. Ouais, farme de l'XP, c'est mieux. Après, quand on se fait téléporter, on peut quand même tuer des animaux. Ouais. Ah, donc c'est bon en fait, j'ai pas besoin de trouver de bouffe. Non, t'as pas besoin. Là, faut des blaze rods pour faire les potions. Bah, ça, c'est toi qui gère, t'es dans le nether, frérot. Vas-y, moi, je prends juste de l'XP, comme ça, je vais m'enchanter au max. Son monument tout. Je le regarde, il trahir de malade là. Après, je pense, en vrai. Que. On peut faire un. Attends, mais tu t'es vraiment entraîné 2 jours. Ouais, il s'est entraîné pour mourir. Non, frérot. Mais finalement, j'ai raté. Ouais. Ouais, Mathieu. Eh, mais le nombre de gens qui meurent par la lave. Putain, c'est j'ai très qu'une grave. Blaze Road, ça craint. Il m'en faut une deuxième, mais. Ils spawnent pas les blazes. Pour faire le. Ouais, mais ils spawnent dans la lave, je peux rien faire. Ah, mais oui, tu veux faire des potions? Bah ouais. Ah, tu veux faire des potions de force? Potions de force, je crois pas qu'on peut. Je sais plus si je les avais désactivées ou pas. Mais si, on peut, mais elles sont réduites. Potions de speed, potions de soin. Oh non! J'ai canné! Non, arrête! Non, Inox! T'es mort? Non, Inox! T'es mort? Non! Depuis tout à l'heure, tu te fous de ma gueule? T'es mort comment? Je me suis fait tuer par un blaze. Non, Inox. Oh non, pas après tout ça. C'est pas grave, Mich, tu vas pouvoir me réa. Et là, les gars, c'est chacun de nos teammates, ils doivent nous réa. Ouais, de ouf. Mais non, mais là, tu m'as donné une trop grosse responsabilité parce que putain. Moi, je suis pas. T'as vu, je suis pas. Voilà quoi. Oh, fais chier, les gars, je suis trop nul. Non. Ok, téléportation dans 10 secondes, les amis. Ok, Michou, prends-toi du diams. Ok, là, regardez tous à droite. Étoile, Michou, Gotha. Là, on va ouvrir les vocales. Tu peux ouvrir les vocales, Mathieu. Mathieu, tu peux ouvrir les vocales. Bien, mais... La réapparition commence dans. Yo. Ah, on se rend-entend ? Ok, on s'entend, parfait. Oh, attends, je suis mort là ? Non, c'est bon. Ok, là, Michou, tu vas voir à droite, dans 25 secondes, il y a les zones de réanimation qui apparaissent. Ok. Tu suis la flèche, il y aura une flèche, vous allez tous au cube de réanimation. Il me faut des animaux. Là. Vous tuez pas si vous êtes au même. Ouais, il me faut des animaux. Bah, où t'as dit ? Regarde, dans 14 secondes, regarde à droite, va y avoir écrit cube de réanimation. Allez-y pour nous réanimer. PVP dans 10. Attends, Inox, il est mort ? Ouais, il est mort. C'est karma. Mais non, karma. Mais tu t'es pris de la lave ? Non, je me suis pris un blaze. Il faisait que de se foutre de ma gueule. Mais non. Ok. Inox, c'est que je suis fou. Ils sont où les zones de les cubes de réanimation là ? Moi, je suis mort pour montrer la fonctionnalité. Normalement, ils arrivent. Ouais, pareil. Ok, 3 cubes sont apparus dans le monde, ils permettent de réanimer. Là, vous suivez les flèches, il y a écrit cube de réa. À droite dans vos leaderboard. Vous le voyez ouais, ou pas? Ouais, je le vois. Bah, pas suivez les flèches. Là, Mich, je suis la flèche là. Moi, et va au cube de réanimation. Là, tu le vois, il est là? Si, regarde. Cube de réa. Voilà, là, t'es cube de réanimation, tu vas pouvoir me réanimer. Ouais. Ouais, je le vois. Donc, ouais, si, vous êtes si vous êtes mort en UHC, le chat, vous pouvez réanimer vos potes. Ah, mais ouais, moi, je peux pas te réanimer. Ouais, moi, tu peux pas me réanimer. Vas-y, Michou. Oh oui, non! Cube de réanimation. Là, tu cliques sur moi. Oh oui! Regarde dans le ciel. Je suis là. T'es où? Tu vas voir, je vais descendre. Aïe. Regarde, je suis là. Oh non, y'a un mec qui t'attaque. Let's go, Gotha. Regarde dans le ciel, mon ref. Dans le ciel. Attends, regarde, parce qu'il y a une autre qui va arriver. On a dit on se tue pas. Voilà. On a dit on se tue pas, c'est un bâtard. Y'a le stuff de... On avait dit on se tue pas. Il va tomber, il va... Mais dis ça. Camp de réanimation, on a dit on se tue pas. Mais non. Ah merde, on devait pas se tuer. J'avais pas le son. Bah si, c'est... Quel tryharder de... Non, mais c'est fait pour ça, les gars. Ok, les gars, regardez. Après, c'est fait pour ça. Parce que mon ref, Scoozy, il y a un stuff complet ici. Regardez, Scoozy revient à la vie, les gars. T'es en train de revenir, regarde, je suis en train de... Je reviens en diamant. Regarde le kill, Kamel. OMG. Mais comment ça, il revient en diamant? T'es mal les moves. Bah, parce qu'il se fait réa, t'es obligé, sinon tu meurs en UHC normal. Là. Mais attends, t'as meilleur save que moi, Lucas. Hop là. Voilà, GG. Bonjour tout le monde. Non, mais attends. Là, j'ai tryhard pendant 20 minutes ouais, à chercher du diamant dans ma grotte. Normalement, t'es enchanté. Normalement, tu t'es enchanté là à ce stade de la game. Ah, je suis mauvais. Ouais. Normalement, on est enchanté. Ouais, t'as pas été ouf, toi. Faut qu'on.
Et toi, après Inox, t'es dans le nether. Il faut qu'on ait une table d'enchantement. Et toi, Real Kamel, Real Kamel. Mais il a quitté la game, Kamel. Oh le con. J'ai pas fabriqué. Je peux pas avoir Kamel. J'ai l'obsidian. Merde, j'ai quitté la game. Ah voilà, oh là voilà là. Merci. Merci. Bon bah Inox, essaye de changer voilà ça parce que j'ai l'impression que c'est trop facile de quitter les games. Oh non. Qui a quitté la game? Moi Inox. Sans faire exprès. Mais normalement tu cliques pas sur les trucs, je suis trop con. Mais les gars, vous êtes mis d'accord pour laisser Gotha et moi gagner les ou ah, pas? Mais vous fait de la peine. J'ai cliqué sur ça, ouais, j'ai cliqué sur rejouer. J'ai un fight. Viens, viens mon ref, viens. Ce qu'on fasse alors? Il veut pas fight. Là, faut qu'on trouve un truc. Ok, du coup, il reste étoile. Il me manque un bouquin. Gotha, il faut trouver une bibliothèque, je sais pas où là, non? Et Squeezie. En fait, faut de la canne à sucre. C'est de la canne à sucre, c'est bon. Attends, je rêve où il y a même des caméramans dans le jeu. On fait un dé à coudre. Mec, il y a des caméramans dans le jeu, frérot. Mais oui, il y a des hommes. Va vers l'eau, de la canne à sucre, vraiment. Pour voir les fights. Et qui a fait ça? Bah. Where are you? Chaud, là, where are you? Where are you? Tu le grailles? Tu le grailles, Rayou? Oh, tu le grailles, Rayou? Lui, il s'est joué en plus, hein. Ouais, mais il est trop nul le fight parce qu'il est dans l'eau. Non, mais viens. De la canne à sucre. Allez, Rayou! Allez, Rayou. Allez, Rayou. Oh, j'ai tellement le seum de ma mort. Oh, aïe aïe aïe. Je savais que j'avais pas. Non, par contre, la vie de ma mère, j'ai pas entendu. Tu vous l'avais vraiment dit? Hein? Ouais, on l'avait vraiment dit. Ah, je savais vraiment. C'est pas grave, Gotha et Squeezie, gagné mais au c'est moins. Pas quand j'étais aux toilettes? Si, si, c'était quand t'étais aux toilettes. Ah, mais ah, voilà. Moi, j'entendais des gars qui me disaient fume-le, fume-le. Non, c'est pas grave, les gars, c'est pas grave. Ah, je suis dingue, vraiment, je savais pas, je suis désolé, les gars. Ok, ils savaient. Hey, je regrette pas du tout, hein, mais je savais pas. La canne à sucre, le gars. Mais oui, mais attends, regarde. Et toi, les gars, sans qu'on fight. T'as vu comment ils ont trahi le truc? Bien joué. Boum. Fais gaffe à la pieuvre. Boum boum. C'est un poulpe, mais c'est pas grave. C'est près de l'eau, près du sable. Un biome avec du sable. Là par exemple, tu vois, il y a du sable. Okay, Squeezie et Gotha qui s'approchent du centre, les amis. Étoile qui est encore en vie. Ouais, moi, pause. Michou et Kameto, nous sommes morts, mais nous regardons la game. A votre avis, qui fera top 1 dans le chat? C'est le moment de le dire. Étoile, tu le fais, tu l'as déjà fait. Pas, Gotha et moi. Non, mais là, tu l'as déjà fait. Tu l'as déjà fait. Il y a encore 10 équipes. Si Étoile fait top 1, c'est monstrueux parce qu'il est tout seul. Étoile, solo. Michou, il me manque un truc pour faire top 1. T'as quoi dans ton stuff? C'est une canne à pêche. C'est un truc qui s'appelle une canne à pêche. Mais pourquoi la canne à pêche aussi? En fait, je vais t'expliquer. Joue, t'inquiète. En gros, la canne à pêche, elle envoie des coups plus loin que l'épée, tu vois. Mais elle fait pas de dégâts. Du coup, en gros, tu peux renvoyer un mec, genre le repousser. Et arrête avec ton épée et tu l'enchaînes. Attends, tiens, quand t'as un combo. C'est un combo. Ah, wow. Mais c'est un vrai truc. Fais-toi de un saut. Et toi, il a la canne à pêche, là? Non, il cherche, justement. Là, tu prends de l'eau. Attends, ici, donc là, Étoile, tu vas me dire que si t'as pas de canne à pêche, tu fais pas top, hein. Avec une canne à pêche, il a beaucoup de chance de le avec faire. Avec une canne à pêche, sans canne à pêche, c'est juste des coups d'épée, donc il peut pas. C'est un V. De chercher une canne à pêche en game. C'est un V. Ouais. En fait, il me faut trop une rod, mais vas-y. Il y a pas. Je crois qu'ils ont. Oh, il y a du diamant, là, mec. Y a pas de moutons? Les moutons, ouais. En fait, il y a pas de mob là. Putain, c'est incroyable, il y a pas de mouton. Mais ouais, moi je cherchais de la boue. En fait, ce qu'ils ont fait, Rayou, c'est pour les tryharders canne à pêche. On a fait un truc avec la canne à pêche. Elle est nerf un peu. Hein. Ah, elle est nerf, ok. Tu peux l'utiliser, mais elle est pas surcheatée. Tu vois un mec qui est nul à chier et qui arrive face à un mec canne à pêche. Il court. Et attends, il fight pas en 1v2 là. Il court, mec. Il court en 1v2. Mec, tu l'as déjà fait, Rayou. Tu l'as déjà fait. Rayou, là, la étoile. Faites des trucs. Étoile. C'est pas du diamant. C'est pas le moment de perdre. Le 1v2 d'étoile. Il y a de l'or en bas. Ouais, étoile, en HP. Bien joué. Il en a tué un. Tu l'as déjà fait, Rayou. Étoile, le clutch. Prendre son pote, c'est. Et son pote s'est barré. Il a trop peur. Il a trop peur. Son pote, il s'est barré. Viens. Comment il s'est fait? Non, c'est trop. Viens. Il a laissé. Il a laissé tout seul son pote. Mais viens, faut aller vers le centre. Rayou, tu l'as déjà fait. Il y a pas de canne à sucre. Rayou, tu l'as déjà fait. Allez, Rayou. Tu l'as déjà fait. Oui. Voilà. Oh là 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 là. Voilà. Et toi, ils se sentent bien, y'a que des noobs là sur le serveur. C'est vraiment des noobs. Ouais. C'est trop la vie de bah les gars, au cas où, je voulais pas que vous fassiez slay par des mecs trop chauds. J'ai vu dans le PVP swap, j'ai Inox, c'est trop fort. Inox, pourquoi y'a pas de canne à sucre dans ton serve là? Si, y'en a, mais faut les chercher quoi. Mais frérot, on a fait trois fois le tour de la map là. Bah c'est bizarre, mais normalement, moi j'en ai eu direct, hein. J'en ai trouvé. Ah ouais? Ouais, moi j'en ai eu pas de chance. Peut-être qu'Inox les a tous récup. Voilà, peut-être. Rayou, t'as eu des cannes à sucre, toi? Ouais, j'en ai pas. Moi, j'en ai eu aussi, mais... Ouais, les gars, arrêtez de faire les rageux. Non, voilà, arrêtez de faire les rageux, un peu. On est à chercher. Ouais, putain. J'ai galéré à en trouver, j'ai galéré. Sur le serveur de Bob, en tout cas, j'en avais plus. Allez, bah, voir que ça peut me faire. Putain, j'ai pas ce que je veux. Et toi, là, il est dans son élément. Là, il est bien, là. Ah bah, j'avoue. Juste qu'on est ça, et on s'enchante, et on peut pas être étoile. Putain, du coup, Squeezie est réanimé et tout, ils sont trop. En fait, le problème que j'ai. Ouais, là, t'as pas vu le stuff de réanimation? On l'a montré du coup. T'as le stuff, il est incroyable. Il reste 8 équipes, les amis. Ouais, je l'ai bien vu le stuff de réanimation. Attends, je me feed là. Malheureusement. Tu l'as déjà fait, il y a des mecs. Il y a des mecs. En fait, j'ai vraiment d'huile, ça c'est bien, mais il faut que. Kameto a spoil une dinguerie, le PVP swap. Qu'est-ce qu'il a dit, les gars?
Ah non, on l'a fait juste avant. On l'a fait juste avant, tu viens d'arriver, mon ref. Voilà, j'ai peur, tu plies jamais ça. Oh, des prochaines victimes. Il était là. Ryu, tu l'as déjà fait. Tu l'as déjà fait. Squeezie, Gotha, qui sont très bien full diam. Je sais pas s'ils sont chantés. Il dort debout. Non, on est pas chantés, on a pas de canne à sucre. Viens, Coco, là où je suis, Et de la canne à sucre, là où je suis. Étoile 1v2. Étoile 1v2. Coco, viens vite. Ils m'ont vu. Étoile, est-ce qu'il va faire son 1v2? Oh là là, le spectacle. Évidemment, ouais, quoi, le faire. Moi, attends, il a l'air chaud lui ils quand même. Là, ouais. Ils sont là les deux. Tu l'as déjà fait. Étoile. Oui. Étoile. En tout cas, là encore. Avant qu'on se chante. Oh, il y a du monde là. Oh, il y a du monde. Peut-être là, il y a du sable. Il y a du monde. Oh là là, non mais là c'est. Il faut savoir faire discuter toi. Ouais, il y a une autre team. Étoile, les gars, ils sont tous. C'est son moment de gloire, Étoile. Et frérot, il est un versus le monde. Tu fais ça en carré en fait. Ouais, je fais ça en carré. Ah, c'est incroyable. Et t'as vu la technique de tryhard? Il a pris sa souris, il fait tout. Quand je dois ramener un stuff, j'ai envie de pleurer, c'est trop dur et tout. C'est large, comme ça. Mais là, j'ai essayé de trouver un truc, Étoile, pour que quand tu récupères un stuff, ça soit automatisé. Mais ouais, c'est la fête ici. C'est un peu le bordel quand tu récupères trop de stuff. Étoile, encore un kill. Oh là là, mais Étoile. Encore Étoile. Canne à sucre. Mais il détruit le serveur à lui tout seul. Ouais, ouais. Étoile, mais c'est trop. Plaisir, Étoile, qui se fait plaisir ce soir. Étoile, il est trop fort, les gars. Mais attends, t'as combien de kills là, Étoile? J'en ai 7. Mais Étoile, comment ça se fait que tu sois aussi fort à Minecraft? T'as énormément joué? Ouais, à l'ancienne. En fait, c'est la première chose que j'ai fait sur internet. Mais non! Ah ouais, j'étais un Minecrafter. Un Minecrafter? Et après, j'ai stoppé de ouf. Pourquoi t'as stoppé? Parce que j'ai découvert Smash Bros. Ah, ah là là là. Il est humble, c'est parce qu'il est crasé. Et grâce au serveur d'Inox. Et ouais. Étoile est de retour. Ah. Là, ça me donne trop des feelings de fou. Vas-y, enchante-toi de ouf, frérot. Non, mais c'est toi aussi, toi. Mais attends, mais là, ouais, non, j'ai pas de level, moi. Écoutez, Squeezie, si vous tryhardez comme ça pour perdre, c'est la honte. Ouais, vrai. Mais direct dans la tombe, dans le lobby. Toi, insolent. S'il y a autant de tryhard, et du coup, face à Étoile, il est en Inox, il est bien ton mode spec, du coup, ça, c'est bien. Tu vois bien et tout comment les gens jouent. Ah, oui, oui, fais le mec, t'as pas mis un dé un coudre. N'oublie pas. Oh non, le duel d'ego. Il y a un duel d'ego à côté de moi, là. J'avoue, il y a un duel de Minecrafter, mon frérot. Allez, enchante tes armes là. Ah, Benof Arthropode, ouais, t'es chaud, c'est lourd ça, c'est trop bien. Il a fait un Benof Arthropode. Oh l'enchante de merde. La zone, j'ai pas fait, bouffon. Ah, tu l'as pas fait, ok. Fais vite, la zone, elle sera proche. Je suis un mec de tout à l'heure, il y en avait. C'est vrai? Ouais. De quoi? Fais un coffre quand tu meurs, Inox. Ça permet de prendre le stuff qu'on veut. Oh, c'est pas mal, Yato, ce que t'as dit. C'est pas très gentil, ça. J'espère que tu vas te faire avoir par derrière. L'idée du coffre, tu m'as fait. On va le faire. Passe-moi ton stuff. Ah, dès que tu tues, ça fait un coffre avec le stuff du mec. Il est surtout contre déplo. Oui, les gars, étoile et contre déplo. Étoile et contre déplo. Les gars, je le redis, étoile et contre déplo. Ouais, c'est pas. Tiens, hop, le pantalon. Mais les gars, il faut le spectacle. Je pense qu'on dira la même quand il se raconte Gotha et Squeezie. Là, on va voir ça. Étoile. Attends, là, il a un combat difficile là. Ok, là, il y a un mec chaud alors. Wow. Attention. Étoile en fight. Faut avec le goal que tu te fasses une pomme en or. Dès qu'on fight, tu mets rien dans la nuit là. Ah, la nuit, c'est dur. Mon quoi? J'ai pas compris. Des pommes en or. Gros, c'est une pomme au milieu. Mais pète des arbres. Pète des arbres. Ah, attends, il y a les mobs la nuit. Oh, il y a des creepers. Ouais. Pète des arbres, il y a des pommes. Ah non, mais là, la nuit avec les mobs et tout, ça va être dur. Peut-être pas. Là, c'est la nuit, on voit pas grand chose. Ouais, je vois rien. Il y a un truc qui tire dessus. Bouge. On peut pas mettre le jour, pitié. Putain, mais Gotha et Squeezie, ça tryhard, frérot. Mais en vrai, ils ont raison. Mais frérot, je tryhard et pourtant, je suis dernier. Frérot, nous, on tryhard en UHC, papa, en Ils sont en train de se faire le meilleur stuff. Dans le mode de jeu de tryhard, on essaie. Moi, je n'ai aucune prétention. Ah, creeper. Il a pas de pomme. Oh là là, étoile. Tu l'as à l'usure. Tu l'as à l'usure. Il a pas de pomme. Il est mort. Oh, étoile le kill. Il avait un vrai stuff. Il a pas de pomme. Il a détruit. Voilà, et là, après, avec ton goal que t'as du goal, c'est pas t'en as pas. J'en ai que deux. Ah. Oh les bâtards. Et ouais mec, ça. Oh le creeper. Oh là là. Ah j'ai une pomme. Putain mais il est solide et tout. Ça y est, ouais, je suis encore un arrière étoile. Mais frérot, je sais pas, j'en fais. Les seuls étoiles, il se fait plaisir là. Non, mais trop. Eh, le gameplay d'étoile, il est satisfaisant. Ouais, t'es ouf. Le gameplay de Squeezie et Gotha, campouze. Je vais rien dire. S'amuse-nous. Oh, on est encore en vie, tous les deux. Qu'est-ce que c'est cool de courir entre les arbres avec toi, Gotha. Allez, patin. Après, c'est un CSC de fou tout à l'heure par rapport au PVP swap. Ouais, voilà. On a fait la même chose sur le PVP swap. Donc, parle pas trop. CSC. Ah là là, on est là au middle de la map, on est bien. On est bien dans cette forêt. Non mais moi je veux voir la fin. Étoile, il fait le mec contre des plots depuis tout à l'heure. Là il reste que eux là, non? Il y a combien? Deux équipes? Ah bah oui les gars. Ah, c'est un V1, c'est un V2. C'est Étoile, Gotha et Squeezie. Oh, j'étais fatigué. Oh, le 1v2.
Oh, vous avez commencé dans le dos comme ça. Oh là 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 là. Attends, mais non. C'est le 1v2 final. Si Étoile il clutch, ils sont en train de poursuivre Étoile. Squeezie seul. Squeezie, t'es en train de prendre. Tu l'as déjà fait, Rayou. Rayou 1v2. Tu l'as déjà fait, Rayou. Non, mais s'il le fait, c'est magnifique. Tu l'as déjà fait, Rayou. Tu l'as déjà fait. C'est bien. Gota, stresse pas. Oh, le saut de lave. Oh, le saut de lave. Ils vont se baiser eux-mêmes avec la lave. Oh le son live, Rayou qui les match à distance. Étoile qui est tellement bien. Oh là là, Étoile qui est full live. Squeezie 6 HP, 3 HP. 3 HP. Squeezie qui est mort. Gotaga 18 HP. Gotaga. Gotaga. Oh là là, Gotaga qui vise le sol. Rayou. Rayou. Oh là là, Gotaga qui est en sol. Rayou. Oh, c'est serré. Oh là. Elle est trop forte. Elle est trop forte. Elle est belle. Rayou 1v2, c'était sa game. On forme une équipe de fou. Oh, c'était incroyable. Kamel, t'es mort. Hein. Rappelle-toi, Kamel, tu jouais au Deacon pendant ce temps. Les gars, j'espère que vous. Est-ce que vous avez kiffé ce mode de jeu, putain, les gars? Ouais. Ouais, fou. Ouais, 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 ça fait plaisir. Là, le moment où il y avait Michou qui te réanimait. En fait, voilà, moi j'ai kiffé jusqu'à ce qu'il y ait Gota. Ouais, voilà, Gota qui nous. Voilà, on va rien dire, on n'est pas des rageux. Les amis, c'était le mode run. J'ai eu une idée. C'est un vrai truc de rageux. C'est vraiment un truc de rageux. Ce que tu viens de dire, c'est un truc de rageux. Par contre, les réas, c'est très bien. C'est trop bien d'avoir rejeté les réas. Moi, j'aurais bien aimé réanimer mon mec qui a malheureusement quitté la game. J'ai fait il jouait un dé à coudre, les gars. Il a quitté la game, Kamel. T'as gagné la game de dé à coudre? Ouais, j'ai gagné. Ah ouais. J'ai dé à coudre. Non, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé. J'ai eu des commentaires dans le chat. Ouais, Enox, mets des coffres quand les gens meurent, comme ça on peut piocher ce qu'on veut. C'est lourd de fou, on va sûrement l'ajouter du coup, comme vous venez de me dire. C'est pas mal. N'hésitez pas, si vous voulez, sur le forum, vous pouvez dire plein de choses comme ça pour améliorer le serveur, des nouveaux jeux, toutes vos idées. C'est dans les liens dans la description, sur le site OneCube. Ça ouvre demain, je compte sur vous pour être là. Les amis, sur ce, on va enchaîner parce que la soirée avance très bien. Je pense que le leaderboard est très bien. Kameto, Étoile, 6 points. Moi et Michou, 4 points. Squeeze. Ah non, si, on est égalité avec Squeezie et Gota. Et non, je crois que vous avez un peu plus, non, non. Mais non, non, égalité. On a fait mais Bob, ils ont fait un jeu, ah, fait un jeu. En fait, quand tu finis. En fait, attends, de ce que j'ai compris, quand tu finis premier, tu gagnes 2 points. Ok, 2 points quand t'es premier. Deuxième, 1 point quand t'es 1 point. Et aucun point à 0. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Mais il reste un mode, les amis. C'est un mode que dans le chat, vous connaissez tous, peut-être pas sur Minecraft. Je sais pas si un serveur l'a déjà fait. C'est un serveur. Non. C'est un serveur que. Pour les VIP, donc tous ceux qui ont le grade VIP, non, c'est pas le serveur que pour les VIP, c'est un jeu que pour les VIP, comme le dé à coudre. Mais si t'es pas VIP, ton pote VIP peut t'ajouter dans son groupe et jouer avec toi. Comme Mario Kart sur Nintendo DS. Voilà, c'est le Block Run. Je sais pas si vous connaissez, si ça vous dit un truc. Étoile, tu connais? J'adore ce mode, je connais pas. Ok. Je pense que la plupart des mecs sur Minecraft l'ont. Je sais pas si ça a été fait sur un serveur. Attends, mais Inox, t'as pas une vidéo J'ai peut-être une vidéo explication du Block Run. C'est parti, c'est maintenant. Dans le Block Run, tu cours, tu sautes et tu fais tout pour ne pas tomber. Les joueurs apparaissent sur de grandes plateformes constituées de cases. Quand quelqu'un marche sur l'une d'elles, elle se détruit. Si tu tombes dans le vide, tu as perdu. Ça te paraît simple, hein? Eh ben, tu te trompes. Mais bon, juste pour toi, voici 2 petits conseils. Premièrement, tout le monde peut se taper. Alors, frappe tes adversaires pour les gêner. Deuxièmement, anticipe toujours ton chemin et celui de tes adversaires. Sinon, tu risques de tomber et de mourir. Minablement. Si tu appliques ces conseils et que tu es le dernier en vie, c'est gagné! Voilà! Est-ce que le chat, le mode de jeu vous a chauffé? Est-ce que vous, ça vous a chauffé? C'est facile, c'est un mini-jeu, il dure 1 minute. Moi, je sais que on va enchaîner les games. Je sais que normalement, t'es nul à ça. Enfin, pour connaître sur un autre jeu, enfin bref. Totalement nul on a un petit passif ensemble. Non, on va voir si Gota, t'es meilleur que moi. Cette rivalité me régale, continue. Oui, c'est bon ça, les amis. Go Block Run. Le chat. Vas-y, 1v1 des losers. D'ailleurs, je tiens à remercier. Je sais pas si vous avez. Tu as remarqué la voix qui parle à chaque trailer? Spider-Man, c'est Spider-Man. C'était Batman, c'est pas grave. C'était Spider-Man, merci Donald Renew d'avoir fait les voix. C'est Titeuf aussi. C'est Titeuf. C'est tellement de trucs. C'est le boss des voix. Du Master Kill. Enfin, c'est lui qui fait le Master Kill. C'est lui aussi. Bah, on l'a tous taxé alors. Ça nous, les gars. Laissez-le tranquille, il en peut plus. Les amis, c'est parti. Block Run, c'est le moment. Ça va se taper dessus. Donc là, on se TP avec. Donc là, c'est dans la zone VIP, le Block Run, les amis. Attends, mais on est dans une regardez la zone VIP, comment elle est trop bien. Ah oui, elle est trop bien, incroyable. Kamel, est-ce que faut acheter le grade VIP? Mais de malade. Non, mais parlons de la map aussi. Les gars, c'est exceptionnel. Quoi cette map? Regardez-moi la map. Elle est incroyable. Étoile va adorer la map. Elle est tous en solo. C'est solo? Ouais, c'est solo. La map est incroyable. La map, c'est une vraie dingue. Les gars, la map, les mappeurs se sont tués, les amis. Franchement, est-ce que t'as le nom des builders ou je te mets dans la merde? Le nom des builders, ouais, en fait, il y en a 40, donc j'ai tout mis à la fin. Un milliard. Les gars, dites-moi, sur 10,
Comment vous notez la map? Franchement, c'est un 10. Hein. C'est un 10. Ouais, c'est vraiment un 10. Ouais. Mais ouais. Ça rappelle des souvenirs. C'est 6, 7. 9 et demi. Okay. Oh, le gris. T'inquiète, mais Squeezie, sois honnête. Moi, ça me dérange pas. Non, mais... Alors que c'est magnifique. Franchement, 6, 7. C'est pas mal. Allez, oh, c'est parti. Oh, c'est le début de la game. Oh. Et on l'a pas dit. C'est la dernière map. Les points contre triple. Hein. Allez, let's go. Et toi, je suis sur tes côtes. Il faut faire quoi? On peut se taper. Ah oui. Gotaga, c'est un tryhard. Oh, je suis déjà à l'étage tout en bas. Mais non. On va faire plusieurs games, avec vous inquiétez mon pas. Mon frérot et toi. Oh mon pote Squeeze, mon pote. Oh, non, non, non. Non, arrête, arrête, lâche-moi. Salut, bro. Ouais, Inox, il connaît le mode de jeu par cœur. Je l'ai vu au top. Mais frérot. J'ai rien fait, frère. T'es tombé tout seul, je te jure. Frérot. Je te jure, t'es tombé tout seul, comme un grand. Frérot. Non, arrête de faire ta voix attendrissante. Frérot. 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 Allez, l'équipe. Qui sera le... Qui est tombé, là? Mais je sais pas pourquoi, je me suis entêté à vouloir faire tomber étoile, mais c'était perdu d'avance. Ah non, Squeezie là. Bah ouais, mais bon, je passe quand même un bon moment. Bon, c'est meilleur s'il n'y avait pas étoile, mais. Ouais, je... Non, j'ai voulu jouer étoile aussi, je suis trop bête. Non. Oh non, non. Ouah, wow, Inox, il est tellement haut. Il est tellement haut, Inox. Eh, Gotaga aussi, mon frérot. Attends, mais Inox, c'est monstrueux, frérot. Oh non. Oh. Je suis mort. Non. Fais chier, j'ai failli mon jump. Non, étoile, GG. Le tryharder, toujours le même. Non mais là en vrai bah, fort, et du coup, là, j'ai top 2 du coup. Hein, ouais, top 2. Ça relance. On en fait plusieurs. Ouais, on en va en faire plusieurs, elles sont pas mal. On en fait plusieurs et on prend que celles où on gagne. OK. Voilà. Merci à tous ceux qui réagissent, les amis. Merci à tous ceux qui réagissent sur Twitter avec le hashtag #OneTube. Non merde, on m'entend. J'espère que vous passez une bonne soirée. Dans le chat, est-ce que vous passez une bonne soirée sur 10? Moi, je kiffe. Je suis tellement heureux. Allez, oh, bof, on peut relancer les amis la game. Ouais, pas de Bedwars. Yeah. Ouais, on peut tous juste faire du Bedwars, mais bon. Du Bedwars après. Et en vrai, non, moi rigole, je kiffe ce genre de mode. C'est plus fun. Ouais, mon pote Kamel. C'est rapide. En fait, moi qui suis grave nul dans le PVP, j'aime trop ce genre de truc. Ouais, mon pote Michou. Oh. Pote Michou. Mais frérot, je suis plus ton pote. Gota, t'es là? Kamel, mon frérot. Comment ça, Gota? Tu viens de tomber, Gota, ou quoi? Bah ouais. Oh, c'est Squeezie avec sa tête de Steve de base, elle me fume. Il a le skin de base, ça va être trop bien. Étoile, viens, on fait la paix, étoile. Vas-y, mec, viens. Viens, non, viens juste, on se check. Attends, fais gaffe, viens. Viens, viens. Sale bâtard. Non, on chill. Non, t'es non. Tombé. Squeezie, frère, t'es tombé tout. J'ai un problème Michou, au cerveau. Michou, viens, j'ai un grave problème au cerveau. Je sais que t'es... je t'ai vu, mais ta simple prestance m'a fait glisser. Ah ouais, de Laura. Y'a un chien. Non, je va te faire foutre. Mais toi, t'es... Ah, il me pousse. Non. Non. Let's go. Ouais. C'est gagné, frérot. GG. La game, j'avais la game, j'avais la game. T'es en plus que 60. Let's go, Inox. Let's go, c'est gagné, les amis. On s'en refait une, on s'en fait une. Ça relance. Moi, je veux gagner ma game. Lag de ouf. Ah non, mais... Je veux gagner mon block run. Attends, mais du coup, comment c'est compté les... Eh, Gota, c'est toujours de ta faute. Là, c'est pareil, le premier, le deuxième, et après, c'est fini. Toutes mes games. Tu rentres chez toi. Dans 10 secondes, ça relance. Kamel, t'en penses quoi de ce mode? Franchement, je kiffe. Ok, mais là, je pars à mon meilleur niveau, là. Ok. Vas-y, Kamel, suis-moi et tu peux me faire confiance. Vas-y, je te fais confiance, mec. En fait, Squeezie, le problème, c'est qu'il est très positif, mais il tombe tout seul. Allez, c'est parti. Allez, Squeezie, casse-moi la gueule. Non, mais dès que je tombe dès le début, je te... Mais non, parce que ça revient à me péter moi-même la gueule. Regarde, je suis déjà au dernier truc. Non, bro. Déjà, mais... t'es le meilleur. Squeezie, il est trop nul. Non, vas-y, mec. Il est trop nul. Il est trop nul. Hey, Squeezie, marche. Genre, ne te retourne jamais. Ouais, t'inquiète, je fais ça. Non, bro. Je suis dessus. Non, bro. Non, Gota. Bro. Oh, Inox, il joue agressif là-dessus. Ok. Ok. Pourquoi personne ne parle, oh les non, gars, c'est une soirée fun. Oh, fais chier, toi, les matchs. T'as tryhard. Les gars, c'est une soirée fun, je comprends pas. Oh, Inox. Oh là là, oh, étoile. Bien joué, Mich. C'est qui? C'est Mich contre. Ah, vous êtes trois. Mich, Kamel. Kamel qui est très bien placé. Oh, Kamel. Gota aussi. Oh, le level de Kamel. Oh, Kamel qui tryhard. Okay. Kamel tout en haut. Kamel, il est Gota. Gota, bye bye. Allez, oh, il est trop nul. Non, non, là, t'aurais pu y aller. T'es trop nul. Oh non, Kamel. Ouais, GG, Michou. J'ai eu ma game. Gota, je suis désolé, tu es seul depuis le début de cette soirée. Je suis désolé. Hé, Squeezie, réveille-toi sur cette game. Faut pas que je grille. Pourquoi tu viens bien une expression raciste? C'est ça que j'avais besoin d'entendre. C'est ça. Voilà. C'est ça que j'avais besoin d'entendre. Voilà. Je me réveille, putain. Voilà. Trop nul, Squeezie. M'approche pas à toi. M'approche même pas à toi. Mais gros, dis-moi. Mais tu me fais peur, là. Mais on vivait un amour parfait. Non. C'est que de se disputer. Les amis, attends. Regardez le scoreboard. Il y a égalité. Entre Kamel et Inox, nos deux teams. Inox, on gagne. Nos deux teams, c'est égalité. Ouais, trop bien, un enjeu de fou. Ok, on les focus, frère.
Non. Michou, attention. Arrête Squeezie, s'il te plaît. Moi, je sais, ma gamme est déjà morte, mon frérot. Ouais, mais justement. Attention. Hey, Michou, Michou, fais les chier, fais les chier. Je suis trop bien. Kamel, attention, Kamel. Michou, pousse les pousses. Laisse-moi tranquille. Michou, je win si tu les pousses tous. Mais ils sont tous tombés, je suis en haut, moi. Mais... Je suis tout en haut, je suis tout en haut. Hop là, dans le vide. Hop là, dans le vide. Ouais. Oh mais Squeezie, tu m'as sauvé la vie. Moi c'est Win, Michou c'est Win. C'est mais Win. Non. Oh, ok. Oh, j'ai fait tomber étoile. Ah ouais, c'est Michou. Inox, c'est qu'il y a plus que nous deux. Oh, ils ont gagné. Let's go, let's go. Oh là là. Il y a encore une game, oh, Squeezie, t'as ruiné ma vie. Attends, t'as envie vraiment de battre la. Mais on a plus rien à perdre, pas. Non, saute dans le vide, Michou. Non. Tout ce qu'on a à gagner, c'est ruiner. Je serai pas dans le vide, frérot. T'as plus de cubes que moi. Squeezie, les amis, GG. Je vais te fumer, Inox. On va finir dernier du coup. Oh bâtard! Let's go! Bien joué. Les boules! GG, GG. Une dernière. Et je suis heureux d'avoir perdu puisqu'on a 12 points. Les gars, attends, attends. On a 12 points. Ça veut dire que là on a. On a... Attends, attends, mais par. Ça veut dire que là si vous faites dernier. Par contre. Mais que... Attends. Y'a plus de game. Attends. Il passe à 12 points non, mais... et là c'est fini, genre. Est-ce qu'on peut rétablir un truc? Je propose on un truc. Sur toute la soirée, on est allé jusqu'à 6 points et le dernier jeu nous est monté à 12 points. Non, je propose un truc. Il y a quand même un. PVP swap. Dernière game en duo de PVP swap. Bedwars. Mais tous les jours, il faut bien sûr. Duo, quoi. Bon, allez, on va faire plaisir à Squeezie. Ouais, non, mais attends. Bedwars, on est que 3 duos. Ben, on prend un duo de viewers. Et acheter run. Non, mais le mieux. Non, les gars. Ah non, le mieux, c'est le chat qui décide. Bedwars, PVP swap. Ah, ouais. Comme vous voulez. Ouais, ok. Où le chat, c'est vous qui décidez. Est-ce qu'il y a non, mais en fait, en fait, on est en train de la game là. Non, mais les gars, je vous explique. Le problème, c'est qu'en fait, en Bedwars, si on joue à 3 duos, en gros, il y a une équipe. Enfin, ouais, deux équipes qui vont spawn à des endroits où, genre, ils auront pas de. Donc, ils auront Gold Infinite. Ouais, il y a une équipe. Ouais, non. Moi, je propose PVP swap, block run. Voilà, c'est un des deux. Ah, excusez, t'es trop nul. Ça sera un des deux modes. Moi, je dis PVP swap. En vrai, Bedwars, PVP swap ou block run. Sinon, t'es à coudre, mais tout le monde tryhard. Dé à coudre, PVP swap, dé à coudre, block run ou dé à coudre, tout peut se retourner. Dé à coudre. C'est le chat qui va choisir. On peut pas Bedwars, les gars. Dé à coudre, c'est le nôtre. Il y a un sondage qui va apparaître. Ouais, bah ouais, j'ai fait. C'est le pourcentage où il y en a le plus. T'as trop stylé le dé à coudre. Moi, je prendrai ça. Ils sont en train de faire ça. Dé à coudre, block run ou PVP swap, c'est à vous de choisir. La dernière game du live. Je crois que c'est dé à coudre. C'est quoi, block? Dé à coudre, c'est lourd en vrai. Dé à coudre. A, B, C ou D, les amis. Qui vote? Je rappelle encore, magnifique décor. Je suis trop fier, les gars. Le décor est incroyable. Et à la cam, ça rend trop bien. Attends, j'ai une question. Ouais. Là, genre quand on va couper le live, le décor il va être démonté, tu vas me dire? Malheureusement, oui. Non, mais non. Ça joue, les gars, ça joue. C'est trop triste. C'est trop. Non, mais ça joue de quoi? Ça joue de quoi, Kameto? Attends, mais comment ça block run, les gars? Non, pas block run. Non, go dé à coudre. Ah non, mais tout le monde me dit PVP swap là. Ouais, il vote. Ah ouais PVP swap. Ah ouais, il vote tous PVP swap, les gars. On a voté dé à coudre. Mais étoile, il va gagner, il y a pas de suspense. C'est si ennuyeux que ça, le dé à coudre en live. Non, tu sais quoi, Squeezie Gotard, on a le droit de focus étoile. Mais c'est eux les premiers de la team. On a le droit. Frérot, la remontada du dé à coudre. Oh attends, le dé à coudre qui remonte. Non mais le dé à coudre il remonte. Je pense qu'il faut relancer à zéro et c'est dé à coudre qui gagne. Inox, excuse-moi, je viens d'arriver dans la soirée. Est-ce que je peux savoir qui est la première équipe là actuellement dans le classement? C'est nous. Ok. Moi et Michou. Les amis, en vrai, non, y a que des le plus drôle, c'est dé à coudre. Tous ensemble, je pense. T'en penses quoi, Kamel? Moi, je suis d'accord, moi. Que le chat, vous êtes pas chaud. Au dernier saut, ça va se jouer. Ouais, ouais. Moi, je suis d'accord. Ça peut jouer au dernier saut. C'est plus spectaculaire. Vas-y, sympa. Go dé à coudre alors. Pourquoi t'as lancé un sens? Ah, parce que tu pensais qu'au sondage, en fait, le dé à coudre avait gagné. Ouais. Parce qu'avant qu'il lance. Enfin, le dé à coudre, il arrivait après le sondage. Oui. Oui, il arrivait après. Les gens avaient déjà spammé PVP. Ouais, je suis d'accord. Les amis, en vrai, dé à coudre, ça peut être drôle pour la fin du live. C'est le dernier mode. Et moi je suis chaud de faire un dé à coudre en vrai. Ok, vas-y, mais d'abord tu fais tomber la veste. C'est équilibré en vrai. D'abord je fais tomber la veste et après dé à coudre. Oh, look de barman, les amis. C'est vraiment un barman. Allez. Ok, c'est parti. Go dé à coudre, les gars, solo. C'est parti. Allez. Attends, faut retourner à la caille. Celui qui gagne fait gagner sa team. Voilà. Ok. Eh, venez, celui qui gagne, celle-là, il a tout win en vrai de vrai. Ouais, mais parce qu'on est à peu près tous le même. Vrai, oh, ouais, comme ça, la soirée, elle a servi à rien, lourd. Ouais, de ouf. Frérot, toute la soirée a été remise sur genre 3 rounds de trucs. Je suis chaud, on fait un truc. Cette game coûte double. Ok. En fait, si t'es premier, tu remontes. Ouais, mais si ça les remonte pas, ça change rien. Ouais, eux, ça change rien pour eux. Bah, dans cette game, c'est normal alors. Bah, après, ils avaient qu'à être meilleurs pendant la soirée. On avait le même nombre de points avant ce mode de jeu de mort. Mode de jeu de quoi? Il est pour les VIP, ce mode. Je prendrai pas le VIP, Je rappelle Gotha qui dit: ah, mais moi j'ai un passif avec Inox, il est grave nul.
C'est vrai. Et là on est en LAN. Eh, qu'est-ce qu'il a le barman? Là on est en LAN. Oh. C'est bon, j'arrête. Super fort au jeu, t'es censé remettre. Eh, 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 respecte tous les barman. Ouais, barman, respecte les barman de France. Respecte les barman. Ah, respect aux barman, mais t'es une fraude, t'es pas barman. Ça c'est vrai. Vas-y, fais-nous un cocktail. Vas-y, ok. Ok, vas-y. Quoi? Qu'est-ce qu'il va? La panique de fou, la panique. Vas-y, ramène-moi un verre. La panique, la panique. Et là, il ramène un truc. Ramène un truc. Imaginez. Ah non. Ah non, le flop. Oh, on vient à l'oreillette, mais faut pas que je sorte. Ah non. Flop, ah, le flop. Il est revenu avec rien. Flop de ouf. Bon, on commence la game ou pas? Attendez, Inox, est-ce que tu remets ton titre en jeu comme un boss ou pas? Attends, Inox, vous êtes passé de 4 à 12 points avec un jeu où il. Eh, Inox, je vais dire, ton barème, il était nul. Voilà, on le sait tous. Non, non. Alors, remets en jeu. Les vrais, les vrais. Attends, attends. Le serveur, il est incroyable. Les modes de jeu sont incroyables. Mais ton barème pue la merde. Le VIP est incroyable. Mais la notation, on peut mieux faire. Donc viens, on met tout sur le dé à coudre. Non. Bonne chance. Ouais. Go, fais voilà, ça. Voilà. Let's go. Voilà. Allez les gars, tout sur le dé à coudre. Vas-y, go rouge. T'inquiète. Et donc là, c'est, t'inquiète. Là, c'est en duo. On va être dernier, c'est ça. Ouais, c'est pas grave. Allez les gars, on peut lancer le dé à coudre quand vous voulez. Pourquoi on le lance pas en binôme? C'est pas grave, c'est celui qui en gagne. En vrai, solo, c'est d'art en vrai. Okay, celui qui gagne, il fait gagner sa team. Celui qui gagne, fait gagner sa team. Essaye de toucher l'eau. Non, on additionne. Attends. Essaye de toucher l'eau, Squeezie. Parce que sinon, on gagnera pas. Celui qui gagne, fait gagner sa team. Non, celui qui gagne, fait gagner sa team. Non, on additionne les points. On additionne les points. Bah oui. Mais non, les gars. Mais toi, tu aides. C'est héroïque. Et toi, arrête de tryhard. Excusez-moi, on va te faire foutre. Il a une balle dans sa team qu'il a dit. Imagine, tu fais un tour Minecraft, par contre, c'est chaud. Gotha, mets plus de 3 points. S'il te plaît. J'ai fait ma 15 kills. Moi, tout va bien. C'est qui commence? Je commence, c'est magnifique. Okay, parfait, commence tout en haut. C'est vrai qu'elle a gagné un nuage terrain avec 15 kills, ça lui a donné un point. Ça lui a donné un point. Ah ouais, la notation du serveur est frauduleuse. Non, c'est pas du serveur, c'est de la soirée. Oui, de la soirée. C'est même pas sur... Ok, la soirée merdique, dis-le. Non, la soirée. Non, bon. On le dira pas, mais. Tu t'es un peu vexé là, Inox. Non, vous inquiétez pas. Oh, le bâtard étoile. GG étoile. Ça commence déjà à te mettre des points. Sur les bords. Ah, il se met direct sur les bords. Ah, il se met direct sur les bords. Quel vénard ce type. Faut toujours jouer les bords, frérot. Alors, la notation, bah là, c'est le leaderboard du jeu. Bah, ah, Squeezie, t'as pas mis. Ah, si, voilà. T'additionnes les points, ceux qui ont le plus de points. J'espère qu'ils sont premiers. Faut juste s'éloigner de l'écran, regarde. Tu t'éloignes de l'écran. Avec Kamel, on additionne. Mais t'as même pas collé la bordure. En plus, les gars, c'est cool. Excuse. On est dans l'ordre des équipes. Ok, à moi de sauter. Ah ouais. J'ai joué. Kamel, enfin j'ai joué étoile Squeezie, donc c'est l'ordre. C'est un check à chaque fois. Ouais, c'est cool. Mais okay. C'est aléatoire, non? Ouais, c'est aléatoire. Par contre, c'est marrant, je suis toujours. Ah non, je suis pas dernier, je suis avant dernier, let's go. Allez, c'est moi le dernier? Allez, vas-y, vas-y, réussis. Les amis, tous les points comptent. Putain, c'est moi le dernier. Ok, c'est à Gotha de sauter. Allez, Gotha, il va se planter comme d'hab. Est-ce qu'il va toucher l'eau? C'est un joueur de LAN, c'est un joueur de LAN. Voilà, ok, 8 points. Bah là, pas 3-6, les gars, là, on va jouer. Ouais, là, y'a pas de 3-6. Kamel, en vrai, le premier qui rate, je pense qu'il fait loose à son équipe. Ouais, ouais, y'a moyen. Kamel, t'es le meilleur joueur. Fanta qui se met en normal. Kamel, manque déjà. Oh, Kamel était beau! Oui, Kamel, il était beau! Oh, Kamel! Kamel et étoile, ils sont en train de s'envoler. C'est un joueur de LAN, ce mec. Et Kamel, on fait que des normales. Comment ça, je suis en dernier? Ouais, mais c'est comme ça. T'as changé l'ordre normal, wesh. Moi je vais le sauter en dernier. À toi, Kamel. Ah, c'est à moi là encore. Encore, ouais. Oh, il refait un. Oh là là, la légende. On va y arriver. Kram. On peut voler la soirée. Sur Kram, you joue all work. You joue all work. Oh là 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 là, Kamel qui est trop on chaud. On est dans la merde. On est dans la merde, Kamel et toi. Quand on fait pas 3-6, quand ça m'amuse pas, regarde, 20 points. Comme tu veux. T'es pas content? 20 points. 20 points. Squeezie, plongeon très difficile. 20 points. Oh, Squeezie. Hein? Squeeze? Oh là là là! J'ai fait les mais là, comme un poisson. Non, là, Inox, on est dans la merde. Hein. La team des vins? Team des vins, ça va? Team des vins, mon gars, ça va, tranquille. C'est notre soirée, hein. Dis-y, t'es à coudre, c'est nous. C'est notre soirée. Oh mon rêve, Inox, c'est du voilà, Inox! Voilà, la team 21. La team 21, elle est là, frérot. Elle est belle. Ouais, mais il y a trop de trucs, les gars, là. Allez, allez, frérot. Allez, Gotha, il va se planter. Je vais voir ma POV dans ton sens, tu veux voir en bas, regarde, c'est comme ça. Tiens, j'ai pas intérêt à me planter. Je suis dans ton sens en plus. Ouais, je vais tenter là. Allez, allez, allez. Allez, saute, frère, wesh. Oh là 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 là, elle est magnifique. Elle est somptueuse. La vie de ma mère, j'ai trop de pression. Team 21 ici, Team 21. Oh Michou. On arrive. Oh, j'ai trop de pression. Tu tombes, tu vas perdre ton équipe, c'est pas que vous l'avez gagné en plus. De attendez, étoile. Oh, j'ai tenté. Oh non, étoile, moi c'est toi. Oh yes. Aïe aïe aïe. Ah, c'est terminé. Aïe aïe aïe. Tu es des six. Non, c'est pas exprès. Non non, mais tu l'as. Let's go. Il y a encore il y a encore le temps, ils vont rater. T'as une égalité avec la team de Gotha, Mich. Ils vont forcément rater. Non, non, ils ont un dans point le chat, vous êtes pour quel team? La team Gotha, un point plus que nous. Ok. Ouais. Dans le chat, vous êtes pour quel team, les amis? K-
Kamel qui va tenter son non saut. Yes. Aïe, 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 ils sont hors jeu. Ils sont hors jeu. Attends, tout peut se retourner, Michou. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est étoile, c'est étoile. Tout le temps, tout en haut. Si, si, mais la règle, c'est que très difficile. Ok. Waouh, étoile vient de faire un vrai saut. J'ai fait un plus. Ok, ok. La règle, c'est que très difficile. Non, on fait ce qu'on veut. Non, 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 ce qu'on veut. Les gars, il faut du show. Non, on fait ce qu'on veut. Ok, du show, très difficile. C'est pour que le stream soit incroyable. Allez, du show. Du show. On s'en fout. Du show. On s'en fout. Jamais saute de là-haut. Du show, du show. Du show, du show, du show. Non. Mais si. Allez, si. Du show, du show. Ok, bon, tous en très difficile. Voilà, voilà. Tous en très difficile. Oh, Gotha. Oh, elle est belle. Oh, non, la Gotha, Gotha a trop de points. Elle est magnifique, ça. Excuse, je fais plus 3-6. Ah non, là, tu Inox. Allez, Inox, tu m'as régalé, là. Ah, Inox, merci, frérot. Là, tu me régales. Ça, c'est la team 3-6 de Taylor. C'est points. Voilà, Inox. Voilà, Inox. On est trop. À gauche. 34 points. On est égalité. On est égalité avec eux. Faut que je rattrape Squeezie. En fait, Squeezie va rater. Là. Vas-y, Mich. Tu rates pas, toi. Ah non, c'est Squeeze. T'as un monstre. Mais jamais Squeezie rate. Il va rater. Oh, oh, oh. Oh, oh, elle est belle, elle est belle. Oh, n'ose plus parler sur moi. Elle est belle, elle est belle. Là, je suis dans la merde. Ah, ils vont vraiment gagner cette soirée. Mérité. C'est mérité. Mérité à 100% du début à la fin. Si ils gagnent, j'enlève leur grade star. Hein, c'est vérité. Tu mettras superstar. Kamel, ah non, c'est qui? Let's go, let's go, frérot. On a juste deux points de moins. On a deux points de moins. Il y a tout le monde qui est trop chaud là. S'ils en loupent un, on est trop bien, frérot. Attends, mais là on est dans la merde, regarde. Là c'est FF, frère. Là c'est vraiment FF. Voilà Kameto étoile, les gars. C'est bizarre. Mais on n'aura pas. Allez, Inox. Non, Inox. OMG, Inox qui rate. Non. Du coup, on peut sauter de tout en bas, vous avez dit. Non, 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 interdit. Tout c'est pas grave, Michou, okay. c'est pas grave, ça veut rien dire. On va y arriver. Ils vont se fail aussi. Kamel, c'est de plus en plus dur, c'est de plus en plus dur. Remontada, Kamel, remontada. Comment déjà, comment t'as sauté trop vite, Inox. Ouais, j'ai sauté trop vite. Ouais, mais le celle-là, là. Oui, mais. Parce qu'en plus, si t'as pas ça, t'as ça. Kamel, arrête de tryhard. Le saut, ça va être le même. Hein. Il est en train de faire. Frérot, il est en train de mettre sa langue dans son nez, là, il est en train de tryhard. Ok. Oh yes, yes. Il y avait rien, C'est bon, eux ils sont. Non mais arrête, 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 le jeu est très bien codé. Le jeu est très bien codé. Sur notre serveur. Mais il y avait rien. Il y avait un truc. Sur notre serveur, il y avait rien, mais. Allez, oui, allez les rageux. Il faut que Squeezie et Gotha ils vont se faire. Faut qu'ils se loupent. Ah la tombe, c'était stylé. Il y avait rien, boss. T'as 4 cases. J'espère qu'il se loupe. On avait tellement bien commencé. On a vu. Yes, 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 let's go. Alors, attends, c'est pas fini, Inox. Tu fais 14 et tout. Attends, c'est Michou. Si Michou réussit, il fait win sa team là. Attends, regarde le. Il y a encore un dernier tour après, je crois. Michou, okay, tout est sur toi. Si tu réussis, tu peux gagner. Alors, si tu rates, aïe aïe aïe, ça part mal. Non. J'ai même pas vu de ça. Aïe aïe aïe. Oh, j'ai envie de chialer. Les gars, c'est presque le dernier tour. C'est pas grave. Inox, j'ai envie de chialer, frérot. Ouais, je sais, celle du fond. Allez, c'est Squeezie, c'est la voix Squeezie. Inox, c'est le meilleur à ça, Squeezie. Vous allez voir, et c'est maintenant. Oh, c'est yes. Aïe. Ah, le flop. Inox, on peut revenir, frérot. Le flop du mental. On peut revenir. Il m'a fait perdre tout mon mental. Inox, c'est à nous deux. C'est nous deux en premier. Je suis désolé. Inox, faut pas qu'on se loupe, s'il te plaît. Je sais comment faire. Si on les rentre tous les deux, on a gagné. Ouais, je t'ai sorti. Putain, c'est trop dur, gros. Attends, regarde, je te jure. C'est trop dur le coin, Mich. Est-ce qu'on va le faire? On va le faire. On va peut-être le faire. On va le faire, on va pas. C'est la fin le plus dur, en fait. Allez, Mich. Tu l'as. Oh non. Ok. Là, les gars, ça devient vraiment chaud. Et là, on a perdu. On a perdu, frérot. Non, excusez, Gotha, ils vont se fail. Mais même s'ils se fail, ils vont perdre. Hein? Je crois que même s'ils se fail, ils vont pas voler la soirée, rassure-moi. Ouais, comment ça voler, mon ref? Kameto, 6 points, essaye de faire un peu mieux. S'il la rentre, il a gagné. Non. Ok. OMG? OMG Kamel? C'est à nous. OMG Kamel? C'est dans nos mains. OMG Kamel? C'est dans nos mains. OMG Kamel? C'est dans nos mains. Mais ils peuvent pas gagner. Ah si, ils peuvent gagner, ils peuvent encore gagner. C'est ce que c'est. Là, il va rater. Oh là là, c'est Kamel et étoile. Il rentre dedans, Kamel. C'est gagné pour eux. Kamel. Non, mais on va pas être dernier. Toute la soirée. Inox, on va pas être dernier. Kamel. Si Kamel, il la met. Faut que les deux rentrent. Les deux. Si les deux rentrent, ils ont gagné la soirée. Attends, pour l'instant, on est devant là. Kamel. Ouais. Putain. Oh, dommage. Donc, c'est officiel. C'est officiel. Il pue la merde. Attends. Gotha, Guy, Squeezie, on remporte la soirée. Peut-être pas. Je l'avais en plus. Mais non. Je savais en plus. Gotha, Guy, Squeezie ont remporté la soirée. Mais non, ils ont pas gagné. Ouais. Quoi? Mérite. Je fais 23, Kamel. Grave. Grave. Je vais donner un conseil, jamais je vais faire. On est les meilleurs. Bravo. Merci. Merci. Moi, je vais mettre dans mon palmarès. Bravo. Merci. On va être en énorme, là, les statues énormes. Bravo. Mérité. Même le thé à coudre. Même le thé à coudre, je gagne la game. Et lui, il fait zéro. Vas-y. Non mais toi, de toute façon, je suis très content que tu sois pas gagnant. Voilà. Wow. Hey, le rage.
jeu. Elle est venue avec sa souris et tout. Bah, son clavier. Et toi aussi. Il était en train de tout le compte son camp. Oh, le compte son camp monumental. Oh, le compte son camp. Les gars, nous on a. Regardez son cap comme il est tendu. Non, les gars, nous la souris, je vous assure que c'était pas. Non, pas j'ai le mec, j'ai, nous c'est. J'ai envie de chialer. Gotas Squeezie, bravo. Attends, est-ce que je vous montre où vous serez dans le hub? Allez tous dans le hub, je vous montre. Dans le hub, mais dans le j'ai slash envie hub. De chialer. Slash hub. Je me suis donné toute la soirée pour ça. Les amis, vous serez ici. Il est là. Ouais, il est là, regardez. Il est là, le podium. Les derniers, ils seront dans les tombes, c'est-à-dire étoile et camel. Ok. Les deuxièmes. Oh, mais ça a du flow. Ça a trop de flow. Ça a trop de flow. Les deuxièmes seront sur le métal. Et. Squeezie et Gotaga seront en haut. Je suis tellement heureux d'être là. Devant les épées. Ça a trop de flow. Et derrière, il y a le logo One. La tombe, ça allume les persos. En vrai, non, mais les gars, vous dites ça pour vous rassurer. Non, arrêtez un peu. C'est vrai. Non, tu marches, je suis là, je suis en bas. Genre, dans une tombe, là, on trouve ça stylé. Attends, les gars. Ah merde, c'est toi, paix, invite. C'est quoi ton pseudo, Michou? J'ai tout fait pour vous donner une chance, c'est comme ça. Ah non, elle est pas encore activée, elle accède. Merci. Après, moi, je suis content. Les fraudes n'ont pas gagné. Voilà, les fraudes n'ont pas gagné. GG, les gars, est-ce que vous avez tous passé une bonne soirée? C'est trop bien. C'était incroyable. Eh, vous mentez pas parce que machin, on est en live. Non, mais là, du coup, grâce à ce dé à coude, je prends un abonnement de Ah oui, là, tu vas prendre. Franchement, le dé à coude, c'est le meilleur. Ah ouais, t'as vu? Moi, je l'aime bien. Ça a rattrapé leur soirée. Ouais, de ouf. C'est le meilleur. Et je dis ça objectivement. Pas parce qu'on a gagné. Sur une pure fraude, ouais, avec ce mode. Mais... Attends, c'est quoi ton mode préféré, Kamel? UHC Run. Toi, Mich? Moi, je connaissais pas les serveurs, gros, et j'ai trop kiffé. Et en vrai, je pense UHC Run aussi. UHC Run, ouais. Et vous deux? Il se souvient pas de moi, c'est Bed Wars et derrière. Bed Wars, alors, ouais, moi, j'ai. ce sera pas d'un coup quand même, je vais pas te mentir. Mais UHC Run, j'avoue que c'est quand tu veux vraiment travailler le jeu, c'est cool. Et sinon, le PVP Swap, c'était pas moi, c'est PVP. Ouais, c'est vrai. Même le Bed Wars. Ouais, bon, en fait, mais en fait, tous les modes, En fait, t'as super bien bossé, putain, énorme. Merci, les gars, merci. Bravo, bordel. Ça fait plaisir. Et bravo aussi à toutes tes équipes. En vrai, il y a du monde derrière. En vrai, là, je me prends tout le mérite pour moi, mais les gars, des projets comme ça, c'est pas tout seul. Il y a plein de gens qui ont travaillé avec moi, la team de Build, la team des développeurs, Nathan, Ben, Sheka, Style. On est vraiment beaucoup à avoir taffé sur ce serveur. N'hésitez pas à remercier toutes les équipes sur le Discord, sur le Twitter, etc. Pour tous ceux qui veulent plus d'infos, le serveur ressort demain, ça sera à vous de jouer. Comme je vous l'ai dit, c'est une bêta. Le serveur, il va évoluer au fur et à mesure du temps. Faut être indulgent, il y aura peut-être des corrections de bugs. Demain, ça va peut-être bugger. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui risquent de se connecter demain. Je sais pas. En tout cas, sachez que j'ai commencé sur Minecraft aujourd'hui. C'est un plaisir d'avoir fait ce live, d'avoir sorti mon serveur Minecraft. T'inquiète, il n'y a pas de souci. Petit discours. Et on parle de ton boule. Ah ouais, mais t'as un bête de boule. Ah ouais, franchement, là, le micro derrière. Bah, ça fait plaisir. Non, en vrai, j'espère que vous avez tous kiffé. J'espère la communauté que ça vous fait plaisir. Parce que mine de rien, c'est aussi un endroit où vous pourrez tous vous retrouver, jouer avec vos potes, tryhard. Le soir, vous faire plaisir. N'hésitez pas à rejoindre le Discord pour vous faire des potes. Je tiens à vous dire. Oh, la musique émouvante, on est sur TikTok là. C'est magnifique, on est sur TikTok. Je vais verser une larme. C'est incroyable. Les gars, soyez indulgents. Merci, Doc. Les gars, ça me fait trop plaisir. Je compte sur vous aussi pour être indulgent, écrire correctement, pas d'insultes, etc. Ça va être très strict, hein. Parce que j'ai envie que le serveur se passe bien, j'ai pas envie qu'il y ait des insultes de tous côtés. Donc si vous insultez des gens in-game, vous parlez mal en vocal, etc., ça sera ban instant, vous pourrez plus jamais revenir sur le serveur. Pas Warzone 2, les gars. Ça sera pas Warzone 2. Mais en tout cas, non, le but c'est de passer un bon moment. J'espère que vous serez tous à l'aise avec tous les joueurs, qu'il y aura pas d'insultes encore une fois. Soyez sages, comme ça vous pourrez rester sur le serveur. Je veux pas que vous venez vous plaindre. Ouais, Inox, je suis ban du serveur. Si vous faites ban, c'est que vous avez fait quelque chose de pas bien. Je suis obligé d'être strict. Sinon, c'est le zoo, frérot. Donc, je compte sur vous pour être compréhensible. Maintenant, l'aventure. Tu veux me dire un truc, Cousy? Ouais, tu vas organiser des tournois et tout sur les modes de jeu? Mon but du jeu. Enfin, le but, ouais, mon but, c'est de refaire des événements et de faire des compétitions fun avec. Des gens en LAN. Moi, mon but, c'est de faire des LAN et tout sur les modes de jeu. Et même trouver les meilleurs. Trouver les meilleurs. Les forces les plus fortes, c'est faire un truc de. En fait, de le but, c'est que là, on aura des statistiques dans 2-3 semaines. Je sais pas quand ça arrive, mais il y aura les statistiques de toutes vos parties. Vous pourrez savoir depuis combien d'heures vous avez fait ce jeu. Et in-game, on verra qui sont les meilleurs de chaque jeu. Il y aura un classement, etc. Stylé, ça va être cool. Il y aura des petits leaderboards. Ce sera étoile à chaque fois. Voilà. Gota, il a eu des étoiles dans les yeux. Mais le problème, c'est que pour faire les LAN, je peux pas activer les LAN tout de suite, etc. Faut que j'attende d'avoir le launcher. Je vais avec une vraie souris de 140 FPS, c'est aussi différent. Ouais, de ouf. Oui. Mais en vrai, le launcher, ça sera d'ici plusieurs mois, tu vois. Et quand j'aurai le launcher, on pourra faire des LAN et tout. En attendant, ça sera plus des events privés, des soirées comme on a fait ça. Bon, la soirée d'aujourd'hui, elle coûte trop cher, je pourrais pas en faire toutes les semaines.
semaine. Mais j'espère que vous kifferez quand même. Les gars, maintenant, c'est à vous de jouer. C'est votre serveur. C'est vous qui allez tout détruire. Enfin, j'espère, vous allez tout détruire. C'est une communauté qui va se créer. C'est une nouvelle aventure. C'est à vous de choisir comment évoluera le serveur. Comme je vous l'ai dit encore, je compte sur votre activité sur les Discord. Et moi, mon but, je vous l'ai dit et je vous le redis. Étoile, je le redis. Je veux aller voir Ipixel en face à face, frérot. Droit dans les yeux. Moi, droit dans les yeux. Je veux qu'on arrive et qu'on dise bonjour à Ipixel et que la France, elle est un serveur français qui casse tout. Et c'est vous qui choisirez. Enfin, faut que je parle français aussi. T'inquiète, c'est la musique, ça. C'est les émotions. Mais c'est vous qui allez faire le destin du serveur. Voilà, sur ce, n'hésitez pas à aller dans la description pour regarder la vidéo sur OneCube. Il y a tout expliqué, tous les futures mises à jour qui arriveront, tout est expliqué. Les amis, vous qui sont sur le live, n'hésitez pas à venir passer sur le serveur quand vous voulez. Vous avez le grade, vous rentrez, vous pouvez jouer avec vos potes, vous pouvez créer des groupes, bref, vous saurez tous. Ça va jouer. Vous tiendrez au jus. Et voilà, à maintenant les abonnés, c'est à vous de jouer. Demain, soyez à l'affût, ça ouvre, ça va être le SGA. Je compte sur vous pour aller remercier toutes les équipes sur Discord encore une fois. Et allez sur Twitter nous suivre pour toutes les actus. Sur ce, le live touche à sa fin. Incroyable. La nouvelle aventure OneCube commence. Merci à tous d'avoir été là. C'était exceptionnel. Vive OneCube. J'ai les larmes aux yeux. C'était incroyable. Merci d'avoir été là. Bravo. Tous, tout le monde. Oh là là, je suis heureux. We'll be right back.
Thank you.
Thank you.